Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place, nous allons démarrer notre colloque. Donc, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, donc, je me présente, Carole Couvert, je suis vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Patrick Bernasconi, le président, ne pouvait être parmi nous ce matin et donc vous prie d'excuser son absence et donc m'a demandé de le remplacer pour cette ouverture, ce que je fais avec grand plaisir. Alors, je voudrais démarrer mon propos avec une citation de Jacques Delors, puisqu'il a fait la préface d'un article qui s'intitule « Un nouvel élan pour l'Europe sociale ». Et donc, il a dit la chose suivante. « Si l'élaboration des politiques européennes compromet la cohésion et sacrifie les normes sociales, le projet européen n'a aucune chance de recueillir le soutien des citoyens européens. Il est donc nécessaire que nos dirigeants européens en prennent conscience et révisent avec détermination l'architecture de l'Union européenne pour garantir la réalisation d'objectifs sociaux communs. Sinon, l'absence de progrès sur la voie d'une union sociale pourrait coûter très cher. » Eh bien, je pense que ces mots de Jacques Delors sont un excellent préambule pour nos travaux de ce matin. Et si je peux formuler un souhait, c'est que ce matin, vous soyez les architectes de cette ambition au service de l'Europe. Cette ambition est certes à la hauteur des enjeux, je ne doute pas de votre volonté. Donc sachez que ce matin, il y a plus de 300 personnes qui se sont inscrites, donc elles vont arriver au fur et à mesure. 300 personnes d'horizons socio-professionnels différents, 300 personnes de générations aussi différentes, ce qui est plein d'espoir pour le sujet que nous allons traiter. Et donc, sachez que le président Patrick Bernasconi a placé l'Europe au cœur de ses priorités, et donc elles sont devenues le cœur de priorité du Conseil économique, social, environnemental. Aujourd'hui, cette dimension européenne est présente dans toutes nos discussions, que ce soit en bureau ou pour l'ensemble des conseillers. Et donc, vous êtes dans la 3e Assemblée constitutionnelle de France. Ça veut dire que là où vous êtes installés, d'habitude, il y a 233 conseillers, 40 personnalités qualifiées qui sont désignées par le Premier ministre et 193 membres qui sont désignés par 60 des plus grandes organisations, qu'elles soient syndicales de salariés, représentants des entreprises, du mouvement environnemental, des jeunes, des associations, de la mutualité. Donc vous voyez, une variété, un spectre d'activités, puisqu'il y a aussi l'artisanat, que je n'oublie pas, donc, qui fait que nous sommes l'émanation dans cette assemblée de la société civile. Donc, le CESE, je vous le disais, a fait de l'Europe sa priorité. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est une Europe qui se renforce, une Europe qui soit enfin acceptée, une Europe qui soit visible, une Europe qui soit proche. Elle le saura d'autant plus qu'elle s'occupera des préoccupations de ses citoyens. Et donc, c'est le défi aujourd'hui, avec cet aspect social que nous allons travailler ce matin. Il y a pour nous, au niveau du Conseil économique, social et environnemental, urgence à travailler à ce socle, parce que l'idée derrière, ça serait de mettre en place un triple A social. Ce triple A, l'idée, c'est que chaque citoyen européen le considère comme mérité. Donc, le gouvernement a saisi le Conseil économique, social et environnemental pour qu'il produise un avis sur ce socle. Nous allons y travailler. La Commission européenne a saisi le Conseil économique, social européen sur le même sujet. Et le Conseil économique, social européen est pour nous un partenaire précieux. Et nous tenons vraiment à le remercier de cette étroite collaboration sur ce sujet, mais comme sur d'autres. Il me semble que c'est la bonne utilisation de nos compétences, puisque le Conseil économique, social, environnemental est bien le traducteur, l'interprète, le porte-parole de la société civile organisée. Et donc l'idée, c'est de réfléchir maintenant à cette égalité des chances, à l'accès au marché du travail, à la protection sociale, aux conditions du dialogue social, à la fameuse ubérisation de la société, ou encore à l'impact du numérique sur nos vies sociales. Nous sommes preneurs de vos réflexions. Et donc, le président Patrick Bernasconi, qui était encore jeudi dernier à Madrid avec ses homologues présidents de conseils économiques sociaux européens, partage bien cette même ambition. L'Europe ne fait plus assez rêver. Pourtant, l'idée reste bonne. On reproche souvent trop d'Europe ou alors pas assez d'Europe. Une Europe qui est parfois considérée comme trop administrative, pas assez proche, pas assez citoyenne, trop financière et donc pas assez généreuse, trop compliquée, pas assez lisible, trop autoritaire, donc pas assez légitime. Dans les domaines qui sont les nôtres, et donc qui seront immédiatement perceptibles par cette société civile que nous représentons, il s'agit maintenant de faire que les dirigeants européens ne l'oublient plus, parce qu'ils avaient parfois dans le passé tendance à l'oublier, ou à en sous-estimer l'importance. L'Union reste donc un défi. Nous pouvons l'aider avec les réflexions que vous allez mener aujourd'hui à le relever. En tout cas, c'est l'objectif de la nouvelle équipe du Conseil économique, social et environnemental. Et donc, à cet égard, nous avons d'ores et déjà par le passé travaillé sur ce sujet. Et il me semble qu'il est important de citer un avis qui est assez emblématique de la manière de fonctionner de cette instance. Je pense à l'avis qui a été produit l'année dernière, rédigé et rapporté par Jean Grosset et Bernard Cieutat, l'avis sur les travailleurs détachés. Et donc, il vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, simplement vous dire que cet avis, c'était bien une saisine sur un sujet d'actualité avec une dimension européenne. Et donc, on était là pour servir de base, de réflexion à des responsables européens. Cet avis comportait plus de 20 propositions. Je pense qu'il y aura des exemplaires à la sortie que vous pourrez prendre pour le parcourir avec attention. Et si jamais il n'y en avait plus, de toute façon, vous pouvez tout télécharger sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à y aller. Et donc dans cet avis, les rapporteurs ont fait la démonstration de l'apport que peut être celui d'une instance qui représente l'ensemble de la société civile. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de travailler sur ces convergences au niveau social, sur une forme d'harmonisation, que ce soit par rapport à la protection sociale de nos sociétés respectives. Et donc, comme je vous l'ai dit en ouverture, Jacques Delors parle de cette Europe sociale, cette architecture. Et je terminerai en vous parlant de Paul Valéry, écrivain célèbre, qui disait que dans tous les actes, le plus complet est celui de construire. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite ce matin, c'est ce que je nous souhaite en commun. Et pour cela, très bon colloque, très bon débat pour l'ensemble de la matinée, au nom du président Patrick Bernasconi. Je vous remercie. Merci Carole pour ces mots d'introduction. Alors, vous l'avez compris, donc cette journée un peu particulière, puisqu'elle sert à la fois donc à une saisine, Carole l'a rappelé, du gouvernement français sur le socle européen des droits sociaux. Et en même temps, nous avons, puisque nous sommes avec quelques collègues du Conseil économique social européen, donc moi-même je suis à la fois au Conseil économique social français et européen, où il y a une initiative également, un avis par rapport à la consultation de la Commission européenne sur ce dossier des socles des droits sociaux européens. Et les débats que nous avons aujourd'hui, que nous allons avoir aujourd'hui, vont servir à la fois donc à essayer de nourrir la réflexion du Conseil économique social européen et du Conseil économique social français. Donc vous l'avez vu dans le programme, nous avons deux grandes tables rondes. D'abord, un peu essayer de définir l'ensemble des défis que nous connaissons. Carole a rappelé les enjeux, notamment on voit avec les problèmes des nationalismes existants et l'attente des peuples européens d'avoir des enjeux très prioritaires en matière sociale qui n'existent pas jusqu'à présent. Donc l'initiative est très importante. Je voudrais dire que ça peut être la deuxième jambe qui nous manquait jusqu'à présent pour avancer sur deux jambes en Europe. On a la stabilité monétaire, la stabilité sociale devrait être cette deuxième jambe. Donc essayons de progresser rapidement là-dessus. Donc deux grandes tables rondes, les défis économiques et sociaux prioritaires. Et le deuxième, c'est par rapport aux défis de mutation technologique, défis du vieillissement, etc. La protection sociale, les filets communs que nous pouvons avoir au sein de l'Union européenne et particulièrement dans la zone euro. Alors, avant de commencer nos débats, on a demandé à Guillaume Roty, qui est ici présent, qui représente la Commission européenne, présentation permanente à Paris, attaché économique, nous dresser un petit tableau de deux choses. D'abord, sur l'Europe sociale, on ne parle pas de rien non plus, même s'il n'y a pas grand-chose, donc déjà faire un petit panorama de ce qui existe. Il y a un certain nombre de directives européennes issues du dialogue sectoriel ou interprofessionnel européen qui ont donné un certain nombre d'éléments. On pense au temps de travail, à l'égalité pro, etc. Et il y a la charte fondamentale des droits sociaux qui existe également. Donc comment cette nouvelle initiative s'inscrit dans ce contexte et qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de résultats. Enfin, donc à la fin de notre matinée, M. Michel Servoz conclura, qui est le directeur général de la DG Emploi, donc sur ces dossiers, sur l'ambition politique et sur le caractère politique et institutionnel qu'on pourra donner aux résultats escomptés. Guillaume Roty, merci. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs les conseillers, madame la vice-présidente. Je vous remercie au nom de la Commission européenne d'organiser en coopération étroite avec le Comité économique et social européen ce colloque sur une initiative que la Commission considère comme essentielle pour l'avenir de l'Union européenne, c'est la création d'un socle européen des droits sociaux. Alors, ça a déjà été rappelé ce matin, l'Union européenne traverse une crise profonde. Dans son discours d'état de l'Union, il y a maintenant un mois, le président Juncker a parlé de crise existentielle. Bien sûr, la crise économique et sociale pèse lourd dans ce diagnostic. Le chômage au niveau européen reste beaucoup trop élevé, malgré une amélioration continue depuis 3 ans. Donc aujourd'hui, en Europe, c'est encore 22 millions de chômeurs sur le continent. Parmi ces 22 millions, c'est 17 millions dans la zone euro qui paient un plus lourd tribut que l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est aussi 12 millions de chômeurs de longue durée. Donc la crise a eu des conséquences sociales très fortes et ça s'est aussi vu sur l'augmentation de la pauvreté dans la plupart des pays et aussi une augmentation des inégalités. Une autre conséquence indirecte de cette crise, c'est la divergence croissante des économies européennes. Aujourd'hui, les écarts de taux de chômage entre les différents pays européens n'ont jamais été aussi élevés. Il y a des pays qui connaissent un taux de chômage record, à plus de 20-25% comme en Espagne, au Portugal, voire 40% comme en Grèce. Mais il y a aussi des pays, on l'oublie trop souvent, qui sont au plein emploi. Il y a plus de 10 pays de l'Union européenne aujourd'hui qui ont un taux de chômage à 6% ou moins. Donc maintenant, le projet européen est vu comme presque une source ou une cause de cette divergence économique. Des principes européens qui étaient considérés comme acquis, comme par exemple la libre circulation des travailleurs, sont maintenant remis en cause et ont conduit, avec beaucoup d'autres facteurs, un État membre de l'Union européenne à vouloir quitter l'Union européenne et à sortir de ce cadre. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce diagnostic, les participants de la première table ronde le feront sûrement mieux que moi et ils dresseront la liste des défis économiques et sociaux que doit affronter l'Union européenne. En revanche, je voudrais essayer de m'attarder et de vous convaincre que cette commission croit fondamentalement que la politique sociale plus ambitieuse fait partie des solutions et qu'elle est nécessaire pour relancer le projet européen. La commission s'est donné un objectif ambitieux, qui a été rappelé aussi par madame Couvert, qui est se donner un triple A social à l'Europe. Le président Juncker fait le même constat que Jacques Delors dans son article. L'Europe n'est pas assez sociale et il faut changer ça pour retrouver une adhésion au projet européen. Cette ambition sociale, elle vient aussi de la conviction que face aux grands défis du XXIe siècle, ceux qui seront aussi discutés dans la deuxième table ronde, le vieillissement, la numérisation, l'évolution de la mondialisation, la réponse doit être européenne. Elle doit être européenne parce qu'on pourra trouver des solutions pertinentes vraisemblablement qu'avec une masse critique et une dimension en se regroupant pour pouvoir agir sur ces différents facteurs, mais aussi parce que le niveau européen est le seul qui va permettre de s'assurer que les solutions qu'on aura trouvées seront réellement mises en œuvre et accessibles aux citoyens dans chacun des États membres. Enfin, il y a aussi un argument économique à cette ambition sociale. De plus en plus d'études, une encore l'année dernière de l'OCDE, montrent qu'une mauvaise performance sociale agit comme un frein à la croissance. Dans les économies européennes, qui sont fondées sur l'innovation, la croissance de la productivité, la performance sociale et la performance économique sont en général les deux faces d'une même pièce. Et donc il y a cette volonté que agir sur l'harmonisation sociale, c'est aussi agir pour une meilleure performance économique. Alors, la Commission veut réaliser cette ambition sociale, principalement avec cette initiative, celle dont on discute aujourd'hui, qui est le socle européen des droits sociaux. Celui-ci vise à créer un plancher de droits sociaux qui sera commun à tous les États membres et qui ne pourront être corrigés vers le bas. L'objectif, c'est d'avoir un socle minimal, et ça ne veut pas forcément dire un socle minimaliste. Une fois établi, ce socle européen des droits sociaux devra servir de boussole pour amorcer le processus de convergence sociale entre les différents États européens. Il fixera des grands principes qui devront être respectés par chacun des États membres et pour lesquels les États membres devront mettre en œuvre des réformes nationales pour pouvoir aboutir à la réalisation de ces principes. Et donc ce sera vraiment un mécanisme de convergence sociale par le haut. Le socle a vocation à s'appliquer d'abord pour les pays de la zone euro. Sa définition s'inscrit dans le projet plus large et dans les réflexions plus larges qu'on peut mener sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire. C'est vraiment le volet social de l'union économique et monétaire. Bien sûr, les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro pourront s'associer à ce socle et décider de le mettre en œuvre s'ils le souhaitent. Mais pour définir un tel socle, qui constituera en fait la règle du jeu social commune de l'ensemble des États membres, il est important de comprendre d'où l'on part et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de normes sociales européennes. Où en est-on aujourd'hui de l'harmonisation sociale? Je vais essayer de dresser un panorama rapide de ce que constitue aujourd'hui ce que j'appelle le socle du socle, les règles sociales communes européennes aujourd'hui en vigueur. Alors elles sont principalement de trois types. D'abord, c'est des principes partagés qu'on oublie assez souvent. Ensuite, c'est des normes juridiques communes, et il y a tout un acquis communautaire qui est certes pas énorme, mais qui est quand même assez influent. Et enfin, c'est des actions politiques coordonnées. Alors d'abord, les fondations du socle, c'est ces ambitions et ces principes partagés. On parle souvent de concurrence sociale en Europe, de dumping social, de différence entre les États membres des modèles de protection sociale, du coût associé, donc qui implique aussi des différences de prélèvements obligatoires dans chacun des États membres. Mais comme souvent, on regarde souvent avec plus d'attention ce qui sépare les États membres de ce qui les rapproche. Et comme le dit le président Juncker, l'Europe, en fait, c'est pas le Far West, c'est un modèle social européen. Et l'UE, dans ce domaine, peut quand même se prévaloir de bons résultats. L'Union européenne reste la plus grande économie du monde et la majorité des citoyens européens bénéficient d'un niveau de vie élevé et de conditions sociales acceptables. Le modèle social européen est caractérisé notamment par une préférence pour l'égalité, par des investissements importants dans la protection sociale et par la connaissance du rôle essentiel de l'État comme assureur social. Alors bien sûr, il y a tout un tas de différents modèles et ces principes s'appliquent différemment dans chacun des États membres. Il y a énormément de littérature sur les différents modèles sociaux européens spécifiques, mais il faut quand même se rappeler que certains principes sont partagés et surtout que les résultats sont partagés. Si on regarde le niveau d'inégalité dans les différents États membres de l'Union et qu'on se compare un peu avec le reste du monde, on se rend compte que le pays le plus égalitaire de l'OCDE hors zone Union européenne est juste à la moyenne du niveau d'égalité des pays européens. On se compare aussi souvent avec les États-Unis. Les États-Unis sont plus inégalitaires que n'importe quel pays de l'Union européenne. Pareil, si on regarde le niveau d'investissement en termes d'investissement social dans le PIB, les pays européens ont tendance à dépenser beaucoup plus pour le modèle social que les autres économies développées. Cette importance de la protection sociale se traduit dans les textes juridiques fondateurs de l'Union européenne. L'article 3 du traité de l'Union qui définit les objectifs de l'Union européenne, pourquoi on fait ça et pourquoi on se met ensemble en tant qu'État européen, et de parvenir au bien-être du peuple européen par un développement durable et une économie sociale de marché hautement compétitive, avec pour objectif le plein emploi et le progrès social et un niveau de protection. Donc cette ambition, elle est au cœur de l'existence de l'Union européenne. On a aussi la Charte des droits fondamentaux qui a été mentionnée par M. Coirez ce matin, qui a été adoptée en même temps que le traité de Lisbonne et qui définit aussi des fondations pour un socle européen des droits sociaux en sanctuarisant au niveau européen des droits spécifiques qui s'appliquent à la sphère sociale, comme le droit à ne pas être discriminé, l'égalité homme-femme, le droit à l'information et la consultation au sein de l'entreprise, le droit à la négociation collective ou encore le droit à un service public de l'emploi. Ces grands principes s'accompagnent aussi de règles opérationnelles qui sont définies dans les traités. Il y a notamment, à l'article 9, l'obligation pour l'Union européenne de prendre en considération les conséquences sociales de chacune de ses initiatives. Et ça, concrètement, ça se traduit par le fait que dès que la Commission fait une proposition, elle doit en évaluer l'impact au plan social et s'assurer que cet impact est positif. Alors bien sûr, au-delà de ces principes, la réalité reste que la compétence sociale est la compétence des États membres et que chaque État membre est libre de définir son modèle social et d'organiser son modèle social comme il l'entend. Le rôle de l'Union européenne dans le domaine social est celui d'accompagner et de compléter l'action de chacun des États membres, mais pas du tout de s'y substituer. Alors malgré cette compétence limitée, l'acquis social, c'est-à-dire les textes de loi communs au niveau européen dans les domaines du marché du travail et dans le domaine social, est assez important. Je ne vais pas vous présenter en détail l'ensemble des directives. Alors il y a plus de 20 directives cadres sur tout un tas de sujets et qui sont complétées en général par des directives d'application. Donc en termes d'acquis social, ça fait un tas juridique assez important, mais le principe est toujours le même. Le niveau européen fixe des exigences sociales communes, minimales, et chaque État membre après, le niveau national, doit les appliquer et a la possibilité d'aller plus loin. Cet acquis a surtout été développé à l'initiative du président Delors à l'époque, dans les années 90 et 2000, parfois au niveau européen, parfois aussi à l'initiative du dialogue social européen. Alors, l'acquis social est divers, mais il s'organise en trois grands thèmes principaux. Le premier, c'est l'égalité, le deuxième, c'est la protection des travailleurs, et le dernier, c'est la mobilité. Sur l'égalité, c'est le principal thème et le principal source d'acquis social européen, et c'est sûrement pas un hasard. Le principe, c'est la promotion de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations. Plusieurs directives mettent en œuvre le principe d'égalité de traitement sans discrimination de race ou d'origine ethnique. Par exemple, une directive de 2000 qui interdit toute discrimination directe et indirecte sur le lieu de travail, de même qu'elle interdit le harcèlement et tout comportement qui obligerait une personne à pratiquer une discrimination à l'encontre d'une autre. L'égalité entre les hommes et les femmes est aussi un thème qui a été beaucoup abordé par l'Union européenne en termes de provision de normes juridiques. Il y a une directive de 2006 qui rassemble tout un historique de directives qui avaient été adaptées auparavant et qui interdit notamment toute discrimination sur le salaire et sur l'accès à l'emploi. Elle garantit aussi le droit à conserver son emploi quand on part en congé maternité et aussi quand on part en congé paternité. Un autre champ de cet acquis social sur l'égalité, c'est celui de l'égalité de traitement selon le type de contrat. Et ça, ça mord déjà un peu plus sur le fonctionnement du marché du travail, avec le principe d'assurer une égalité de traitement entre les contrats à durée indéterminée et les contrats plus précaires, comme les contrats à durée déterminée, l'intérim ou les contrats à temps partiel. Le principe mis en place est que ces salariés qui sont dans des contrats plus précaires ne doivent pas être traités par leur employeur de manière moins favorable que les salariés qui sont employés en contrat à durée indéterminée. Et par exemple, concrètement, pour l'intérim, ça se manifeste par le fait qu'un intérimaire, au moment où il démarre dans l'entreprise pour laquelle il va travailler, il bénéficie des mêmes conditions de salaire, de durée de travail, de vacances que les salariés à temps plein. Le deuxième grand thème, c'est la protection des travailleurs. L'Union européenne a défini des règles minimum de protection des salariés et des travailleurs pour harmoniser les conditions de travail au sein de l'Union. Les règles européennes garantissent aux travailleurs européens le droit à la santé et à la sécurité au travail. Ça, c'est un champ très important d'acquis social européen. Une directive cadre définit les grands principes, la responsabilité de l'employeur pour la santé de ses employés, les droits et devoirs du salarié et encore l'obligation d'évaluer de manière continue les risques liés à la santé et à la sécurité au travail. Cette directive cadre est complétée par plus de 23 directives sectorielles qui vont jusqu'à définir des limites d'exposition à certains agents chimiques ou carcinogènes. Et ça, c'est un droit social assez vivant, puisque encore hier, on a adopté un accord de principe dans le secteur de la pêche pour l'évaluation de la santé et de la sécurité des pêcheurs. L'acquis social organise aussi les droits individuels du salarié, avec la directive probablement la plus connue et la plus, à laquelle on fait le plus référence encore hier dans le débat sur les primaires, de la durée de temps de travail, qui fixe notamment la durée minimale de congés payés à 4 semaines, des temps de repos minimaux pour les travailleurs, le temps maximal de moyen de travail hebdomadaire au niveau européen. Dans la même optique, le droit européen a instauré des règles communes sur les congés maternité, le fait que chaque femme européenne avait le droit à 14 semaines au minimum de congés maternité payés, et aussi sur les congés parentaux, en instituant ce droit à la fois pour le père et la mère à un congé parental d'une durée minimale de 4 mois. Enfin, l'acquis social organise aussi la protection de certains droits collectifs des salariés, notamment en cas de licenciement collectif ou en cas de rachat d'entreprise par une autre. Enfin, le dernier thème de l'acquis social européen, qui est peut-être celui sur lequel on aurait attendu que l'Union européenne soit le plus actif, mais qui n'est pas forcément le plus important, c'est celui qui s'attaque à faciliter la mobilité des travailleurs en Europe et à organiser cette mobilité à la fois du point de vue technique, en facilitant la coordination des régimes de sécurité sociale, et aussi du point de vue économique, en fixant les conditions de cette mobilité. Et ça, on en a aussi parlé en introduction, c'est le cas de la directive sur les travailleurs détachés, qui fixe les conditions de prestation de services temporaires réalisées dans un autre État membre. La Commission a d'ailleurs proposé de réviser cette directive en mars afin d'assurer une meilleure égalité entre les travailleurs locaux et les travailleurs détachés en appliquant le principe à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Donc cet acquis législatif européen est assez volumineux, il est aussi assez hétéroclite, il est issu d'une constriction historique et de la dynamique d'intégration européenne. C'est d'ailleurs un des objectifs de la consultation sur le socle européen des droits sociaux que d'évaluer cet acquis social pour voir s'il est appliqué, s'il est encore pertinent, si et comment il faut le faire évoluer. C'est une étape importante du travail d'élaboration du socle, parce qu'il faut bien sûr savoir d'où on part pour pouvoir savoir où on veut arriver. Pour conclure cette description un peu fastidieuse de la norme sociale européenne, je voudrais insister sur ce point. C'est important de voir qu'aujourd'hui, dans la construction européenne et dans la pratique européenne, dans le champ social, c'est plus la directive, la norme juridique, l'outil qui est utilisé pour réaliser la convergence sociale. Aujourd'hui, on est beaucoup plus efficace, ou en tout cas la pratique se fait beaucoup plus sur la coordination des politiques économiques et sociales. C'est une décision commune des États membres, non juridiquement contraignante, de prendre à bras-le-corps un sujet social et d'essayer de mener des politiques nationales cohérentes et convergentes pour régler ce problème. Le meilleur exemple de ce nouveau type d'acquis social, c'est la garantie pour la jeunesse. C'est une initiative qui date de 2012. Formellement, ce n'est pas une directive, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas juridiquement contraignant, c'est une recommandation du Conseil de l'Union européenne à chacun de ses États membres qui crée un nouveau droit pour les jeunes européens, celui de se voir offrir dans les 4 mois suivants la sortie de l'éducation ou l'entrée au chômage, une offre d'emploi, une offre de stage ou une offre de formation de qualité. Et c'est une initiative qui marche, parce que chacun des pays européens a construit des plans d'action pour mettre en œuvre ce nouveau droit européen de la garantie pour la jeunesse. En quelques années, on a eu plus de 9 millions de jeunes européens qui ont bénéficié de ce type d'offres de formation, d'emploi ou de stage. C'est aussi supporté par du budget européen avec la création de l'initiative pour l'emploi des jeunes à hauteur de 6 milliards d'euros et que la Commission a récemment prolongé et attribuer un nouveau budget de 2 milliards d'euros jusqu'à 2020. Et en France, concrètement, ça s'est traduit par la mise en œuvre de la garantie jeune et aussi par un meilleur accompagnement à Pôle emploi, un accompagnement dédié pour les jeunes dans leur recherche du travail. L'Union européenne a lancé l'année dernière une démarche similaire pour les chômeurs de longue durée pour s'assurer que dans tous les pays européens, il y avait bien suffisamment de moyens et d'accompagnement spécifiques qui étaient donnés aux chômeurs de longue durée, et notamment dans la période critique de chômage, c'est-à-dire entre 12 et 24 mois de chômage, pour éviter que les chômeurs de longue durée s'inscrivent dans, s'enferment dans leur recherche d'emploi. Enfin, et je finirai par là, le dernier outil de coordination des politiques économiques et sociales, c'est le semestre européen. C'est le processus de coordination au sein de l'Union européenne des politiques économiques de chacun de l'Union, et c'est un vecteur important de coordination et de convergence entre les différents États membres. Là encore, ce n'est pas un outil contraignant. Le Conseil de l'Union européenne, donc les différents ministres des États membres, font des recommandations à chacun de leurs collègues au niveau national, et ça permet d'avoir une approche commune et convergente pour mettre en œuvre des priorités politiques et économiques. Pour l'année 2016, ça a, par exemple, les priorités qui ont été fixées sont celles de l'accompagnement au retour de l'emploi et de la mise en œuvre de ce qu'on appelle communément la flexi-sécurité au niveau européen. Et le semestre européen, ce sera un complément clé du socle européen des droits sociaux. Ce sera vraiment l'outil qui va permettre de mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux et de faire en sorte que chaque État membre mette en pratique les principes qui auront été définis par le socle. Alors pour conclure, voici un petit résumé de ce qu'est l'acquis social aujourd'hui en Europe. C'est des valeurs communes très fortes, et je voudrais insister sur ce point parce que je pense qu'on a trop tendance à l'oublier. On voit souvent le verre à moitié vide alors qu'on peut aussi le voir à moitié plein, et qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous différencient. Le deuxième point, c'est un arsenal de règles juridiques un peu hétérogènes qui organise le marché du travail sur les thèmes de la protection de l'égalité et de la mobilité des travailleurs. Des actions, et enfin, c'est des actions concertées sur des priorités économiques et sociales, comme la garantie pour la jeunesse dont j'ai parlé. L'objectif du socle européen des droits sociaux, c'est de mettre un peu d'ordre dans tout cela, c'est de clarifier nos priorités en termes de politique sociale, de définir une boussole qui permettra d'orienter la politique sociale de l'Union européenne. La Commission a proposé une ébauche du socle qui s'articule autour de 3 axes, l'égalité des chances, les conditions de travail et la protection sociale. On retrouve 2 des priorités de l'acquis européen que j'ai évoquées, l'égalité et les conditions de travail, mais on voit aussi l'ambition nouvelle de la Commission d'essayer d'avancer sur la question de la protection sociale. Et pour vraiment terminer, je voudrais insister sur l'importance que la Commission apporte à la consultation publique sur cette initiative. On a vraiment dans l'idée de co-générer ce socle avec les partenaires sociaux, avec la société civile, avec la représentation nationale dans chacun des États membres. D'ailleurs, ce type de colloque qui nous rassemble aujourd'hui a lieu partout en Europe, depuis mars, au moment où on a lancé cette consultation, jusqu'à décembre, quand on va la clôturer. La France a bien sûr une contribution essentielle à apporter à cette consultation, mais il est important de garder la dimension européenne en tête. La question est vraiment double, c'est à la fois de quels droits sociaux avons-nous besoin pour faire face aux défis du XXIe siècle, mais c'est aussi quels droits sociaux devons-nous fixer au niveau européen. Donc c'est un travail complexe mais passionnant, et je vous souhaite à tous un bon colloque, et je vous invite aussi à participer à la consultation de la Commission sur le socle européen des droits sociaux, soit via le CESE, soit au nom de votre organisation, soit en votre nom propre aussi, parce qu'on accepte aussi les contributions individuelles. Je vous remercie. Merci Guillaume pour cet éclairage, à la fois donc, sur les intentions et la volonté politique de la Commission, et en même temps on se rend compte qu'on, même si beaucoup de choses restent à faire en matière d'Europe sociale, on ne part pas de rien. Loin s'en faut. Tout de suite, la première table ronde, et donc j'invite, qui sera donc animée par mon collègue du Conseil économique et social européen, Jean-Marc Roirant, du groupe 3, qui représente les associations et comités divers, et qui est ancien conseiller du Conseil, du CESE français. Je te passe... Une petite pointe d'émotion pour revenir dans cette maison que j'ai bien connue. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, nous allons donc lancer cette première table ronde. Je vais tout de suite appeler les intervenants qui vont monter en tribune. Madame Sofia Fernandes, s'il vous plaît, je vous prie de monter en tribune. Monsieur Yvan Ricordeau, je vous prie de monter aussi en tribune. J'appelle Nadia Bellaoui. Ensuite, je demande à Jean Grosset, déjà cité plusieurs fois, de monter en tribune. Et je demande à Emeline Weber de rejoindre ses collègues. Emeline est déjà là. Bien. Je leur ai posé 4 questions. Dans l'inventaire que M. Roty vient de faire, j'ai demandé à mes collègues quels sont pour eux les défis économiques et sociaux prioritaires. Normalement, sur les écrans doivent apparaître ces questions d'une minute à l'autre. En effet, la première question, c'est quels sont, selon vous, les défis économiques et sociaux les plus pressants? On a une liste importante dressée par M. Roty. Parmi tous ces éléments, lesquels pour vous sont prioritaires? Et en même temps, répondez à la question, que convient-il de faire pour remédier à cette situation? La deuxième question, c'est, pensez-vous qu'il soit nécessaire de créer un socle des droits sociaux? Si on répond par la négative, on passe à l'intervenant suivant, mais si on répond positivement, comment doit-on le structurer pour pouvoir relever les grands défis sociaux et économiques en Europe et dans votre pays? Troisième question, déclinée des deux premières, c'est comment le socle européen de droits sociaux peut-il favoriser la convergence économique et sociale à travers l'Europe? Et enfin, de quoi avons-nous besoin pour promouvoir et soutenir la cohésion sociale en Europe? Des questions très simples. Ils ont en plus 7 minutes. Pour répondre, bien sûr, je le sais, on a conversé, vous ne pouvez pas traiter l'ensemble des questions, vous appuierez les uns et les autres certaines des questions. Nous allons, je présenterai les intervenants plus précisément les uns après les autres, mais je vais tout de suite donner la parole au monde académique, puisque Sofia Fernandes va intervenir, elle est chercheure à l'Institut Jacques Delors. Son travail de recherche se penche notamment sur les questions sociales de l'emploi. Vous travaillez aussi sur la gouvernance économique européenne. Vous êtes enseignante et vous avez publié un document qui est une étude sur la dimension économique et sociale de l'Union économique et monétaire. Madame Fernandes, je vous donne 8 minutes. C'est bon. Je vous remercie à titre personnel et au nom de l'Institut Jacques Delors de me permettre de participer à cette table ronde et de vous donner notre point de vue sur ces questions essentielles pour l'avenir de l'Union européenne. Répondre à ces 4 questions en 8 minutes, je ne vais même pas essayer, je pense que c'est impossible. Donc je vais essayer de me concentrer sur les 2 premières et je pense que c'est déjà un grand défi de parler des priorités, du rôle du socle européen des droits sociaux en 8 minutes, mais je vais faire de mon mieux. La première question donc, les priorités économiques et sociales en Europe. Bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que la première réponse soit assez facilement la question de la croissance, l'investissement. Aujourd'hui, la croissance est trop faible. En Europe, nous avons besoin de plus de croissance. Mais ce serait bien trop facile, et Madame la vice-présidente le disait encore ce matin, l'Europe ne fait plus rêver. Donc quand on parle des priorités économiques et sociales en Europe, commencer par la croissance et l'investissement, je pense que ce n'est pas la meilleure manière de rassembler les citoyens européens autour de ce projet commun. Et donc, comme première priorité, j'en citerai trois. Pour moi, la première est de défendre notre mode de vie européen. Jean-Claude Juncker le disait d'ailleurs dans son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier, ça inclut beaucoup de choses naturellement, ce mode de vie européen. Je soulignerai la question du modèle social européen ou des différents états-providence nationaux. Nous avons cette richesse en Europe, cette plus-value par rapport à d'autres régions du monde. Mais nous avons besoin de protéger ce mode de vie, ce modèle social européen, de l'adapter à des nouveaux défis auxquels nous faisons face depuis plusieurs années, d'autres défis qui apparaissent, et l'Europe a une responsabilité là-dessus. Je souligne, Madame la Présidente, la Vice-Présidente disait aussi ce matin que Jacques Delors mettait beaucoup l'accent sur la question de l'Europe sociale. C'est vrai, mais Jacques Delors souligne toujours aussi que l'Europe sociale, ça ne veut pas dire une Europe qui se mêle de toutes les questions sociales. Jacques Delors dit toujours « L'Europe peut donner des conseils aux États membres sur l'âge de la retraite, sur ce genre de questions, mais ce sont les États membres qui sont responsables, chaque État membre. Chaque pays dans l'Union européenne a son propre État-providence. Il y a des différences importantes entre ces États-providence, mais il y a une base commune, un modèle social européen. Il faut respecter ces différences et voir de quelle manière l'Union peut apporter une plus-value. » Et pour que ce modèle social européen soit viable, il doit être plus efficace dans certains pays, il faut garantir sa viabilité financière. Bien sûr, l'Union européenne peut donner quelques indications, des conseils, des principes, mais concrètement, l'Europe peut aider, et donc là, on retrouve l'objectif de la croissance. La croissance ne doit pas être un objectif en soi, mais un moyen de nous permettre de maintenir ce mode de vie européen. Pour cette croissance, nous avons besoin de plus d'investissements en Europe. Nous n'avons pas encore retrouvé en Europe le niveau d'investissement que nous avions avant la crise en 2008. Le plan Juncker, dans ce contexte, est très important. Le président Juncker a annoncé que les montants alloués à son plan vont être très fortement renforcés. C'est une bonne initiative. Le marché unique est aussi la principale source endogène de croissance et de création d'emplois qu'a l'Union européenne. Notamment, il faut le renforcer dans le domaine du numérique, de l'énergie. Et bien sûr, tout en ayant toujours en attention, le marché unique, c'est plus de liberté, de la libéralisation, mais aussi tout en garantissant les droits sociaux. Et ces modèles sociaux européens font face à de nouveaux risques. L'Union européenne, ici, a un rôle important pour identifier ces nouveaux risques. Notamment, elle a une initiative sur les nouvelles compétences qui vont être requises pour les emplois de demain. C'est une contribution importante pour aider les États membres à avancer dans la bonne direction. Deuxième priorité, la question de l'emploi des jeunes. Bien sûr, l'emploi en général est une priorité pour l'Europe. Mais pourquoi nous mettons l'accent sur l'emploi des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 13 millions de jeunes sans emploi, qui ne sont ni en emploi, ni formation, ni éducation. Cette situation a un coût économique important, comme le chômage en général, mais ça présente aussi un risque social et politique très important pour l'Europe. Aujourd'hui, un jeune, je suis portugaise, donc je me permets par exemple de citer un jeune portugais ou grec, pour un jeune de 20-25 ans, l'Europe est synonyme d'austérité. Un jeune de 20-25 ans, il n'a pas connu l'Europe synonyme de prospérité, l'Europe qui aide à la cohésion et à la convergence sociale. Comme moi, par exemple, à 35 ans, j'ai pu la connaître. Donc, il est naturel que pour ces jeunes générations, ces nouvelles générations, si on ne change pas de dynamique, ces jeunes qui sont sans emploi, qui voient qu'il y a des politiques d'austérité qui sont imposées par l'Europe, et bien sûr, on sera d'accord, il y a eu des erreurs nationales, mais dans le discours politique, ce qui passe, c'est qu'on doit faire des efforts parce qu'on doit respecter la règle budgétaire des 3%, un déficit public limité à 3%, on doit réduire sa dette publique. Dans les pays sous programme, on a des mémorandums d'accord qui disent exactement aux États membres ce qu'il faut faire, qu'il faut baisser les salaires, qu'il faut augmenter le temps de travail. Donc, il faut en avoir conscience. Il y a des pays où on a baissé les salaires, augmenté le temps de travail, diminué le jour de congé. Voilà. Et dans des mesures prévues, demandées par l'Union européenne avec des contrôles tous les 3 mois par la Troïka. Donc, c'est un enjeu non seulement économique, cette question de l'emploi des jeunes, mais aussi un défi pour la cohésion sociale dans de nombreux États membres et pour la stabilité politique. Et quand on parle de stabilité politique dans chaque État membre, bien sûr, pour l'Europe dans son ensemble, pour éviter qu'on continue à voir le renforcement de l'euroscepticisme dans de nombreux États membres. Et la troisième priorité, la question de l'investissement dans le capital humain. Parce qu'on parlera ici de la question des transitions, des nouveaux défis qui se posent dans le marché du travail. Aujourd'hui, la Commission met l'accent dessus sur l'importance de l'investissement dans le capital humain. Il vaut mieux préparer que réparer, même si la protection sociale restera naturellement toujours essentielle, mais il faut mieux prévenir les risques. Et ça a été dit aussi ce matin par Guillaume Roty. Quand on voit en Europe, je pense hier au débat sur la primaire, où on disait, des candidats disaient, il faut réduire le niveau des dépenses publiques en France, des dépenses, notamment dépenses sociales. Oui, mais on voit par exemple en Europe que les pays les plus compétitifs sont les pays nordiques qui ont les niveaux de dépenses publiques les plus élevés. Donc ce n'est pas en contradiction aux compétitivités et dépenses sociales. La question, c'est comment on utilise cet argent, la question de l'efficacité des dépenses publiques, des dépenses sociales, mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu de pour être plus compétitif, il faut réduire nos dépenses sociales. Et donc la question de l'investissement en capital humain est fondamentale pour plusieurs raisons, parce que je parlais de la question des transitions. Pour réduire le chômage, faciliter les transitions entre emplois, il faut investir plus dans la formation tout au long de la vie, l'acquisition de nouvelles compétences pour répondre aux nouveaux défis, pour avoir une meilleure adaptabilité et employabilité des travailleurs. C'est important aussi pour lutter contre la reproduction des inégalités et la prévention de la pauvreté, la réduction de la pauvreté, investir dans la petite enfance dès le plus jeune âge pour réduire cette reproduction des inégalités. Et aussi, on a une main-d'œuvre qui est vieillissante. On parle bien souvent de l'augmentation de l'âge de la retraite, mais il faudrait commencer par augmenter le taux d'emploi. Donc, si on a une meilleure offre de services d'accueil de jeunes enfants, on sait que cela favorisera le taux d'emploi des femmes. Et donc, investir dans ce capital humain, dans l'enfance, l'éducation, la formation, c'est un moyen de lutter contre le chômage, lutter contre les inégalités et augmenter le taux d'emploi en Europe. Ayant citer rapidement ces priorités, je veux quand même dire un mot sur ce socle européen des droits sociaux. Avant tout, c'est une bonne initiative, naturellement. Surtout parce que ça remet en haut de l'agenda européen ces questions de l'Europe sociale, de Juncker, comme disait Guillaume Roty, veut une Europe sociale AAA. C'est une très bonne intention. Ce socle est une opportunité, mais il faut ne pas la rater, en fait. Et je dirais que ce n'est pas gagné d'avance, parce que la question, Guillaume a rappelé pourquoi cette question du socle européen des droits sociaux est sur la table. Mais la question qu'on peut se poser, c'est avant tout, Juncker appelle à une Europe sociale AAA, mais ça veut dire quoi, une Europe sociale AAA? Est-ce que c'est une Europe qui a de bonnes intentions, de bons principes, comme ceux qui sont déjà énoncés dans la Charte des droits sociaux fondamentaux, qu'on peut reprendre dans un socle européen des droits sociaux? Ou est-ce que c'est une Europe qui veut vraiment changer le cours des choses? Parce que si on veut une Europe AAA, mais une Europe qui change vraiment le cours des choses, il faut que la dimension sociale, ce ne soit pas un pilier, un socle à part, qu'on peut prendre ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà de nombreux instruments. On a la Charte. Dans le traité, on a une clause sociale horizontale qui dit que dans toutes ces initiatives, l'Union européenne doit prendre en considération l'impact sur l'emploi et sur la cohésion sociale. Donc on a déjà des instruments. Mais malgré cela, on voit, et encore une fois, je donne un exemple au Portugal, donc dans ce socle européen des droits sociaux, qu'il faut garantir un salaire minimum digne dans chaque État membre, de très bons principes. Mais après, on voit, il y a quelques années, il y a 2 ans, quand le gouvernement portugais augmente le salaire minimum après plusieurs années où il avait été gelé, la Commission européenne critique cette initiative. Bien sûr, on peut dire qu'il y a un contexte particulier, mais un autre exemple, on disait qu'il faut investir plus dans le capital humain. La Commission elle-même a un projet, avait présenté une proposition sur l'investissement social, très bien, mais à côté de ça, quand on prend les chiffres de l'investissement en éducation, on voit que certains pays augmentent leurs dépenses en éducation, par exemple la Suède, et d'autres pays diminuent leurs dépenses en éducation, par exemple le Portugal et la Grèce. Et face à cela, est-ce que l'Europe ne devrait pas lever la main et dire attention, non, si vous voulez préparer votre avenir, vous ne pouvez pas baisser vos dépenses en éducation. Et donc voilà, juste pour dire, en fait, il y a des pays où le système d'éducation marche bien, qui sont très compétitifs, qui continuent à investir en éducation, donc qui préparent leur avenir, et d'autres pays où ce n'est pas le cas. Et l'Europe, elle peut avoir voilà, ce grand principe, il faut investir dans le capital humain, mais si au nom de l'objectif des 3%, de la rigueur budgétaire, on accepte que des pays diminuent leurs dépenses en investissement social, en éducation notamment, il y a là une contradiction. Donc, cette Europe sociale, il faut qu'elle soit cohérente. Et cela inclut, par exemple, dans l'objectif budgétaire, il faudrait peut-être avoir une règle d'or, une règle, prendre en compte les dépenses en investissement social et comptabiliser de manière différente pour inciter les États membres à continuer à investir dans leur capital humain. Il faut qu'elle soit donc cohérente, pas juste un pilier, donc qu'elle soit horizontale, et il faut aussi que ce soit des actions et pas seulement des bonnes intentions, parce que, par exemple, quand on prend le chapitre sur la protection sociale, et je reviens à mon argument sur Jacques Delors, la plupart des principes qui sont énoncés sont très valables, mais ils sont déjà dans la charte européenne des droits sociaux, quand on parle l'accès aux logements sociaux pour les plus défavorisés, garantir un revenu minimum digne, la question du salaire minimum, la question de l'accès aux soins de santé à des prix abordables, l'accès aux soins de longue durée. Ce sont des principes très valables, mais que peut vraiment faire l'Europe là-dessus? Enfin, est-ce qu'on pense que vraiment parce qu'elle énonce ces principes, les choses vont bouger au niveau national? Juste pour rappel, si on prend la question de l'âge de la retraite, ça fait combien d'années que l'Union européenne présente tout le temps dans la stratégie de Lisbonne, la stratégie Europe 2020, dans l'examen annuel de la croissance, l'objectif d'aligner l'âge de la retraite sur l'espérance de vie? Certains États membres font des réformes, d'autres pas, mais ce n'est pas parce que l'Europe fait des grands principes, c'est ce que Guillaume disait, la question de la coordination des politiques économiques et sociales. Oui, mais ce n'est pas le meilleur instrument que l'Union européenne a pour faire bouger les choses au niveau national. Donc on peut avoir des principes, mais il faut des actions concrètes. Et ce n'est pas uniquement des directives, mais par exemple, Guillaume citait aussi la question de l'égalité de traitement. Oui, on peut avoir ce principe, mais si on n'avait pas cette directive européenne, je pense que l'action européenne serait beaucoup plus faible. Donc il faut avoir des directives, non seulement, Guillaume citait la question de la garantie jeune, c'est une très bonne initiative, certes, mais il y a de l'argent européen à la clé. Donc ça renforce, ça légitime l'action européenne. On énonce un principe, mais à la clé, l'Union européenne met 6 milliards d'euros pour aider les régions où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. Et je souligne ça pour dire dans les règles budgétaires, on a des bâtons. Donc si on ne respecte pas les règles, on a une sanction. Dans le domaine social, bien sûr, les sanctions n'ont pas de sens, mais il faut des carottes. Alors, une carotte, ça peut être donc cette aide financière de l'Union européenne. Je reprends l'avis du Parlement européen sur ce socle européen des droits sociaux, enfin le draft qui est en cours de discussion, le draft rédigé par Madame Maria Rodriguez, le rapporteur du PE sur ce sujet, et je trouve qu'à ce niveau-là, elle va un peu plus loin, parce qu'elle propose des vraies actions européennes. Notamment, elle dit qu'il faut un salaire minimum européen. On peut être d'accord ou pas, mais ce que je dis, c'est qu'elle concrétise cette Europe sociale. Elle dit qu'il faut une directive sur des conditions de travail justes. Et elle dit notamment il faut que ce ne soit pas possible qu'en Europe, il y ait des contrats de travail à 0 heure. Il faut un compte personnel d'activité. Il faut, parce qu'aujourd'hui, les travailleurs sont mobiles, il faut garantir leur droit à la retraite, il faut qu'il y ait des points et qu'ils sachent à tout moment combien ils ont cumulé, s'ils sont dans différents pays, combien ils ont cumulé pour leur retraite. Et elle parle aussi, par exemple, d'un fonds de convergence. Jacques Delors l'a proposé aussi en 2013, il disait qu'il y a eu une telle divergence suite à cette crise au sein de la zone euro en particulier, que si les fonds de cohésion sont suffisants pour l'UE à 28, dans la zone euro, il faut un nouvel instrument. Il faut ce qu'il appelle, lui, un fonds de convergence qui peut être associé à une certaine conditionnalité, mais il faut plus de solidarité pour rétablir cette convergence au sein de l'Union européenne. Et mon dernier point, je sais que j'ai dépassé mes 8 minutes, on a parlé de la mobilité. Guillaume disait que la directive qu'on connaissait le mieux européenne dans le domaine social était la directive sur le temps de travail. Je pense que je dirais plutôt que c'est la directive sur le détachement des travailleurs dont on parle tout le temps. Il a cité très justement la question d'un même salaire pour un même travail au même endroit. Ça fait partie des 20 principes qui sont aujourd'hui dans le socle européen des droits sociaux. Je pense que là, l'Union européenne a beaucoup plus à faire que quand elle parle des logements sociaux ou de l'accès aux soins. Et donc, il y a des priorités et il y a certains domaines où l'Union européenne doit vraiment avoir une action déterminée, et notamment dans ce domaine de la mobilité, notamment du détachement des travailleurs. Merci. Merci, Madame Fernandez. Merci beaucoup. Nous sommes entrés dans le vif du sujet. Vous aurez l'occasion de reprendre la parole. Après les 5 interventions, nous aurons un débat dans la salle. Donc vous aurez les uns et les autres la possibilité de prolonger votre propos et de répondre à certaines questions. Maintenant, passons à la parole syndicale. Je vais demander à Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, en charge du dossier Europe et international depuis le dernier congrès de la CFDT. Monsieur Ricordeau, vous avez la parole en 7 minutes pour répondre à ces questions. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette ambition et ce défi européen matinal. Je vois que la contrainte de temps s'exerce à tous les intervenants. Je vais essayer de m'y plier. Sur les défis, je vais présenter les enjeux sur 4 idées sur cette question-là. La première, c'est qu'il faut, quand on parle de la question de l'Europe sociale, la resituer dans le contexte actuel. Et je pense que c'est une évidence de dire que l'Europe connaît aujourd'hui plusieurs crises qui interagissent ensemble. Il y a la crise économique, il y a la crise sociale, avec le niveau de chômage qui a été rappelé, il y a la crise migratoire, il y a la crise de sécurité, et depuis quelques mois, il y a aussi la question de la crise, en termes de valeur, de l'appartenance à l'Union européenne avec le Brexit. Et les citoyens vivent très concrètement ces crises, qui en plus provoque des situations de concurrence au sein de l'Union européenne, et voit bien que l'Europe soit a du mal à trouver la réponse, soit trouve la réponse dans un tempo qui ne met pas en place forcément toutes les solutions qu'il faudrait. Et le premier élément, c'est dans ce débat-là, très clairement pour la CFDT, il y a deux points importants. C'est on ne peut pas concevoir le débat sur l'Europe sociale sans appréhender la façon dont l'Europe peut répondre à ces différents éléments de crise qui interagissent ensemble. Et le deuxième, c'est que c'est aujourd'hui le manque d'Europe qui aggrave la crise et non son excès. Et donc, c'est en trouvant la voie de comment on pourra renforcer l'Union européenne et les liens avec les citoyens que l'on essaiera de progresser sur des voies de sortie. La première idée est de cette nature-là. La seconde, c'est que c'est important dans les éléments de présentation de l'Europe sociale aujourd'hui de remettre un élément d'histoire et de cheminement de la construction européenne. La construction européenne, c'est d'abord le choix politique d'une intégration économique. Et donc, dès le début du projet, les Européens ont fait le choix d'avancer économiquement ensemble et, dans un premier temps, pas socialement. C'est ensuite, dans les années 80, que la question de construire un acquis social, un modèle social européen tel qu'il a été présenté, s'est posée. Et il s'est posé justement pour redonner un souffle au projet et à la construction européenne. L'histoire de l'Europe sociale, elle est donc relativement récente. Et en mettant en perspective cette histoire, le défi aujourd'hui, c'est que l'Europe économique et l'Europe sociale doivent s'articuler dans le même temps, et ça pour que les avancées sociales s'accélèrent. Et je pense que le premier enjeu du débat sur le socle européen des droits sociaux est de cette nature-là. La troisième idée, qui répond très concrètement à la première interrogation de l'animateur de la table ronde, c'est quels sont les chantiers qui sont devant nous. Pour résumer cette question-là, je crois que le premier chantier qui est devant la France et l'Europe, c'est assez symétrique me semble-t-il, c'est qu'il faut, au vu de la situation qu'on connaît, trouver la voie de construire un nouveau modèle de croissance qui réponde à une économie de qualité. Et que les mutations que l'on connaît doivent trouver des réponses de cette nature-là. Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de l'Europe, on arrive à répondre aux questions qui sont posées par la transition énergétique et écologique, des questions d'innovation pour une économie à faible émission de carbone. Il y a tout un horizon de cette nature-là. Il y a aussi les questions qui ont été présentées sous le label investissement social d'éducation et de formation. On développe le développement d'une économie de la connaissance par l'investissement dans la formation initiale et continue, la reconnaissance des qualifications, l'aide aux transitions professionnelles sont un des piliers importants dans la façon dont on pourrait construire un nouveau modèle de développement au niveau de l'Europe. Il y a les questions de l'avenir industriel, avec le développement d'une industrie performante et durable qui intègre des services qui sont adaptés aux nouveaux modes de consommation. C'est là où on pourrait faire entrer plus les questions d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, par exemple. Et le dernier enjeu, le dernier pilier de cette définition-là, c'est autour de la question des infrastructures, avec le développement de réseaux de communication, les réseaux numériques par exemple à très haut débit, et la question des transports durables, de logements sociaux, de rénovation urbaine, qui sont des priorités en tant que telles dans ces questions-là. Et dans les chantiers plus concrets qu'on peut aussi citer, il y a la question de l'amélioration de la qualité et de l'adaptation aux besoins d'une population vieillissante qui font partie des marqueurs de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, notamment en matière de santé et de services sociaux, qui posent la question de la définition et de la pertinence des services publics au niveau européen. La question de la lutte contre la pauvreté et des inégalités pour permettre l'intégration des plus défavorisés. La question de la convergence sociale et fiscale en Europe pour éviter ce que je disais tout à l'heure, les questions de concurrence qui minent le projet européen. Et il y a bien sûr la question de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Je souscris à ce qui a été dit. La quatrième idée, pour finir sur le tour d'horizon du premier questionnement, c'est la question de la coordination des réponses économiques et des réponses sociales. Et je pense qu'il y a un élément important de ce point de vue-là, c'est que sur les questions économiques, au niveau de la CFDT, de la Confédération européenne des syndicats, on était très demandeurs et on était très moteurs sur la volonté d'avoir un plan d'investissement au niveau européen pour avoir un élément de relance et d'investissement sur les questions d'avenir qui soit créateur d'emplois. Le plan Juncker a été une première réponse, son amplification est plutôt une bonne nouvelle et la question de l'investissement économique au niveau européen est un facteur important et la question de la performance économique et de la cohésion sociale doivent aller de pair pour que l'Europe relève les défis d'avenir et c'est pour ça que pour la CFDT et la CES, on répond très clairement sur le fait que la question sur le pilier social arrive particulièrement à un point nommé dans la période justement pour gagner cette articulation. Alors, la question du socle des droits sociaux. Pour nous, c'est clairement une nouvelle étape de la construction européenne qui est en débat à travers cette question-là. Elle l'est dans une période qui est particulièrement compliquée, qui est la période de la relance du projet européen juste après le choix du Brexit. L'enjeu, c'est que l'Europe se situe sur le fait de, conformément à son projet, ne laisser aucun citoyen, aucun pays en marge du progrès. Et donc, il faut qu'on invente, qu'on réinvente les moyens pour parvenir à cet objectif-là. Le débat sur le socle des droits sociaux pose de façon nouvelle ces questions d'avenir parce qu'elle le situe au niveau du périmètre de la zone euro. C'est une question importante dans le débat qui s'ouvre. Sur laquelle on a une lecture au niveau de la CFDT qui est assez claire. On a construit une union monétaire et on fait le constat que ce qui est renforcé depuis la crise économique, c'est que les États membres de la zone euro n'ont plus l'instrument monétaire pour répondre aux crises économiques qu'on connaît, puisqu'on a construit une monnaie commune. Et qu'on n'a pas non plus l'arme budgétaire, puisqu'il y a pas ou peu de budget au niveau européen et que les marges budgétaires au niveau national en France comme ailleurs sont particulièrement réduites. Et donc il suffit de regarder ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne ou dans d'autres pays pour voir ce que ça peut provoquer. Et donc du coup, comme il n'y a pas la réponse monétaire au choc économique asymétrique, qu'il n'y a pas la réponse budgétaire non plus possible à un niveau suffisant, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que la dévaluation interne ou la concurrence interne qui fait amortisseur aux crises. Et donc c'est pour ça qu'on est dans un cycle compliqué de concurrence, y compris de concurrence salariale. Et c'est ça qu'il faut réussir à couper pour relancer le projet européen. Et donc cet enchaînement désastreux pour les populations et les salariés, c'est l'enjeu d'y mettre fin, et le débat sur le socle des droits sociaux doit être un élément de réponse par rapport à cette situation-là. Comment trouver une réponse? On a, pour faire face à cette situation, on a beaucoup travaillé au niveau de la CFDT à l'idée d'une assurance chômage au niveau européen, qui du coup serait un élément d'avenir selon nous. Parce que, alors l'objet, ce n'est pas d'unifier les systèmes d'assurance chômage initiaux, comme d'ailleurs à travers le débat sur le socle des droits sociaux, il n'est pas question d'unifier les systèmes de protection sociale, mais l'enjeu, ça serait de construire ensemble un socle qui permettrait de constituer un premier pilier d'assurance chômage qui soit une réponse budgétaire au niveau européen, de façon à ce qu'en cas de choc économique, d'augmentation forte du chômage, l'Europe vienne, en termes de solidarité, appuyer les politiques d'emploi dans les différents pays. Donc voilà un premier élément par rapport au socle des droits sociaux. Après, le pilier social que la Commission européenne propose d'élaborer dans une démarche qui, pour l'instant, est coopérative, est selon nous un instrument pour relancer le projet européen. Et donc il doit répondre, et je finis là-dessus, à un ensemble d'objectifs. Le premier, nous mettre sur une trajectoire de convergence des droits sociaux pour mettre fin aux concurrences entre travailleurs et entreprises en Europe. Le second, viser un cadre de protection sociale, chômage, maladie, retraite, défini au niveau européen et compatible avec les systèmes nationaux. Le troisième, c'est avancer sur la question importante de la portabilité des droits entre les différents statuts de travailleurs et au niveau européen. Et le dernier, l'accompagnement des travailleurs confrontés aux mutations économiques et industrielles, notamment dans le cadre de la transition vers les questions du numérique. Je finis par un dernier message. L'enjeu, c'est que le débat sur le socle des droits sociaux permette de donner un atout protecteur à l'Europe. Il faut que l'image de l'Europe pour les salariés soit celle d'une Europe protectrice. Cela signifie que les solutions, elles doivent être construites ensemble et pas tomber d'en haut. Et donc, de ce point de vue-là, il est pour nous incontournable que la construction du pilier des droits sociaux en Europe aille de pair avec une relance importante du dialogue social. Merci. Merci Monsieur Ricordeau. Je vais donner la parole maintenant à Nadia Bellaoui. Nadia Bellaoui fait partie des fondateurs du réseau AnimaFac, association d'étudiantes. Elle est depuis le 1er juillet 2016 secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement, félicitations. Et elle est aussi présidente du mouvement associatif depuis 2012. Voilà, et elle est membre de cette vénérable maison. Présidente du mouvement associatif rassemblant les associations d'intérêt général, quelle est la parole singulière, originale que peut tenir le monde associatif préoccupé par l'intérêt général? On connaît l'importance de la parole des partenaires sociaux. Y a-t-il un point de vue spécifique et particulier du monde associatif? Merci Jean-Marc. Je vais essayer, comme tu me le demandes, de répondre en tant que militante associative, en tout cas de faire quelques remarques sur les questions qui nous sont posées. La première, c'est donc de savoir quels sont les défis économiques et sociaux les plus pressants pour l'Union européenne. Et je voudrais dire que les associations sont, d'une certaine façon, les champions des droits émergents, hein. Que ce soit en matière de santé, de handicap, d'éducation, de formation, de culture, que ce soit à partir de l'entrée publique, les publics les plus fragiles. Le monde associatif sait faire émerger des nouvelles problématiques sociales et dessiner des nouveaux droits. Et c'est justement de ce fait qu'il me semble que nous devons être extrêmement attentifs au risque d'entretenir une espèce de compétition entre des droits économiques et sociaux, justement, qui seraient les uns encore plus pressants et plus prioritaires que les autres. Compétition qui va avec cette spécialisation des associations sur des causes bien particulières. Il me semble que nous gagnons à construire un agenda partagé au-delà des causes spécifiques portées par chacune des associations et que je voudrais résumer en deux grandes cibles, finalement, de nos préoccupations. La première, c'est la classe moyenne, la population, dans ce qu'elle a de plus large, de plus divers. Il nous faut créer des dynamiques sociales profondes en faveur du progrès social, de la justice sociale, contre, finalement, ce que certains appellent le choix de l'inégalité, contre le choix des discriminations. Il y a dans notre pays, en tout cas en France, les sondages le montrent très régulièrement, l'idée que on s'en sort mieux, enfin on s'en sort moins bien si on parie sur le fait que tout le monde s'en sorte. Hein. Et quand on interroge les gens, ils sont très souvent pessimistes pour leur pays et optimistes pour soi, comme si son avenir personnel n'était pas tout à fait la même chose que l'avenir global. Il me semble que c'est quelque chose que nous pourrions partager tous ensemble entre associations et au-delà dans la société civile organisée. Une forme de démarche d'éducation populaire, au fond, puisque c'est le terme que nous, ce que nous mettons, nous, à la Ligue de l'enseignement, derrière cette idée. Donc, d'abord, dans la population de manière générale. Et deuxièmement, parmi les publics les plus fragiles. Alors, Marielle Edgar ne me contredira pas, mais je crois que nous devons avoir une préoccupation toute particulière à ce phénomène de non-recours. Les populations, il ne suffit pas de créer des droits, il faut encore que les populations les plus fragiles qui soient ciblées se sentent en capacité d'y avoir recours, de les faire fonctionner. Voilà pour comme contribution rapide sur quels défis économiques et sociaux les plus pressants. Je voudrais aussi rapidement avoir une contribution sur le contenu de ce socle, quels sont les sujets qu'on devrait y trouver. Je suis parfaitement d'accord avec votre formule qui me parle. L'Union européenne a fait le choix politique d'une intégration économique. C'est ce que vous avez dit. Et je crois qu'il faut affirmer aussi clairement qu'aujourd'hui, le développement économique passe par une intégration sociale et une vitalité démocratique. Donc, il est important qu'au-delà des 20 domaines jugés essentiels qui, à peu près, dans ce qui existe aujourd'hui comme ébauche de socle, appréhendent à peu près tout, hein, tous les sujets, qu'on travaille, nous, société civile organisée, il me semble, quelques sujets un peu originaux. Et je voudrais vous en proposer un. Tout le monde sait aujourd'hui, vous l'avez dit aussi, que l'entreprise est de plus en plus dépendante des compétences acquises hors de l'entreprise, en amont de l'entreprise, mais en parallèle de l'entreprise. Il se trouve qu'en France, le bénévolat associatif représente 1 million d'équivalents temps plein salariés. 1 million d'équivalents temps plein salariés. C'est une activité qui n'est pas de l'emploi dans une entreprise. Il se trouve que l'Union européenne l'a évidemment repéré, puisque dans le texte, dans l'ébauche de texte, il est distingué les travailleurs d'une part et les personnes en activité. Mais il me semble qu'entre syndicats et associations, nous gagnerions à aller regarder plus précisément comment, au-delà du bénévolat qui est totalement libre et ne pose pas de questions en termes de droit du travail, le volontariat, mais je crois qu'il y a une saisine en cours sur le service civique, permet justement, en ayant des atours qui ressemblent au rapport de subordination dans le monde du travail, combien le volontariat recèle de potentiel, justement, de combiner cette expérience sociale acquise et en même temps la liberté d'engagement qui est nécessaire pour que cette activité, cette expérience sociale continue de se faire. Je conclus en disant que de notre point de vue d'association, le temps où les institutions offraient des droits et les garantissaient pour la population sans la population, s'il a déjà existé, est révolu. j'ai essayé de le dire, s'il y a trop de résistance de la part de la classe moyenne supérieure, ceux qui, dans l'histoire de nos pays, ont porté justement le progrès social, ça ne marche plus. S'il y a trop d'incapacité par les plus concernés, les populations fragiles, ça ne marche plus. Cela nous donne donc une responsabilité d'autant plus importante, nous, les organisations de la société civile, de savoir être performants dans notre capacité à plaider pour de nouveaux droits. Il y a certainement le champ du plaidoyer, de l'expertise, de la participation à la consultation, aux consultations qui existent, notamment celle-ci, et elle est très pertinente, mais il y a peut-être surtout aujourd'hui l'ardente nécessité de savoir travailler depuis le peuple, avec le peuple, sur le terrain, pour créer ces dynamiques en faveur de l'égalité. Merci de votre attention. Merci Nadia Bellaoui. Maintenant, je vais donner la parole à Emeline Weber. Emeline est présidente du groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse, ici. Elle est membre de la section Travail et Emploi et membre de la section sur les affaires internationales, affaires européennes. Et Emeline m'a autorisé à donner son âge. Elle a 23 ans et c'est au Guinness, le record, c'est la Benjamine. Toute mandature confondue, en félicitations à la plus jeune du Conseil. Emeline, tu as la parole. Ah bon? Vous l'avez noté. Ah, je me suis trompé alors. Bon, effectivement, je suis une femme, je le confirme devant cette assemblée. Comme ça, la question est réglée. Comme Carole Couvert l'a rappelé en introduction de ce débat, le CESE français donc, a été saisi par le gouvernement pour lui apporter des propositions concrètes à défendre auprès des institutions européennes et de ses partenaires dans le cadre de la construction de ce socle européen des droits sociaux. Alors, deux formations de travail sont associées à cette question, celle du travail et de l'emploi, pour laquelle j'ai été désignée rapporteur, et celle des affaires sociales et de la santé, pour laquelle c'est Étienne Cagnard qui a été désigné, mais je le laisserai prendre la parole au cours du deuxième... Enfin, c'est pas moi qui lui laisserai, mais il prendra la parole au cours du deuxième débat. Alors, la difficulté, c'est qu'on est, on est à un mois du début du travail, et du coup, je vais plutôt vous faire part de questionnements que de réponses que le CESE a apportées. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites par les différents intervenants, mais du coup je vais articuler mon propos autour de 4 points. Très rapidement, les enjeux et les défis prioritaires, dont on parle depuis tout à l'heure, le périmètre qui a été un petit peu, dont on a un peu parlé déjà, la méthode et les moyens de mise en œuvre, et enfin les priorités, les questions relatives aux priorités apportées. Donc, concernant les enjeux, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments, mais effectivement, je pense que pour les citoyens aujourd'hui, notamment pour les plus pauvres, c'est difficile aujourd'hui de voir comment l'Europe, elle peut s'intégrer dans le quotidien et être utile. Elle paraît comme une Europe lointaine qui prend les décisions à la place de chacun, et du coup, c'est difficile de pouvoir lire le message européen. Donc ça crée une fracture entre les peuples et l'Europe, ce qui fragilise le projet européen. La première étape, c'est de redéfinir ce projet européen, et je pense que ce socle, il doit répondre à cet enjeu-là. Bon, la crise économique, le chômage, notamment très important chez les jeunes, je pense que Sofia Fernandes a parlé beaucoup de cette problématique, et je rejoins ce qu'elle a pu dire, et de peut-être l'apparition de questions nouvelles ou de questions qui deviennent plus pressantes autour des migrations, des transitions écologiques, énergétiques, du numérique et des incidences que tout ça peut avoir sur le marché du travail aujourd'hui. La conclusion des enjeux en présence, c'est qu'on a besoin d'un socle ambitieux de convergence, ascendante et qui répond aux besoins des citoyens, qui part de leur vie. Donc dans tous les cas, et ça a été aussi rappelé, le social ne peut plus être vu comme secondaire de l'économique. Les deux doivent être liés et l'un ne peut plus être vu sans l'autre. C'est avec ce postulat qu'on doit partir. Et donc le socle que l'on souhaite a priori, contrairement à ce que le terme peut laisser entendre, socle c'est quelque chose qui ne doit pas être statique et qui doit pouvoir évoluer. La question, elle doit pouvoir se poser parce qu'il y a effectivement des enjeux qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui, mais qui vont apparaître dans quelques années. Et si à chaque fois on se pose la question 10 ans après, c'est compliqué. Donc ça doit être un endroit, une occasion de se poser les questions régulièrement et d'évoluer sur les droits sociaux en partant toujours vers le haut, je l'ai déjà dit. Concernant le périmètre, c'est une question intéressante, M. Ricordeau en a parlé déjà. Donc dans ce que projette actuellement la Commission, M. Roty l'a dit, ça concerne actuellement la zone euro, avec l'idée que d'autres pourraient intégrer. Ce qui pourrait être pratique, puisqu'on pourrait jongler entre le pilier social et les objectifs économiques et budgétaires de l'UEM. Certains défendent un cercle plus resserré où seuls quelques États pourraient commencer, se lancer, ce qui permettrait d'aller plus rapidement et plus loin dans les droits qu'on peut conférer à chacun. Le problème dans ces visions, c'est peut-être que, à force de voir les choses entre un petit nombre d'acteurs, est-ce qu'on n'exclut pas d'autres de la discussion et du coup est-ce qu'on co-construit pas. Donc c'est un des enjeux qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question du périmètre. Alors c'est pas réglé, ça va faire l'objet de débats, mais en tout cas il est important de créer une dynamique sociale inclusive. Chacun doit pouvoir faire partie du débat et pouvoir avoir l'ambition aussi de participer à ce socle de droits sociaux. Donc ce sera traité. Par rapport à la méthode et aux moyens, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on a un peu du mal à voir comment vont s'articuler les prochaines étapes. Alors qui va faire quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'on demande à chacun. Pour l'instant la consultation est très ouverte, mais le demain on a du mal à le voir. Je pense qu'il y a le dialogue qui va suivre, il se veut être structuré. Donc ça veut dire donc notamment que les acteurs concernés soient autour de la table. Donc c'est la société civile tout entière qui doit être intégrée dans le projet, puisqu'on définit le projet européen dans son ensemble. Et la construction collective du projet, elle doit s'éloigner des celles logiques nationales qui risquent de bloquer. On doit approcher les différentes cultures qui existent au sein de l'Union et travailler ensemble. Enfin, les méthodes, les objectifs et le calendrier, ça doit être, je le rappelle, clairement défini pour assurer la pérennité du socle et le fait de se reposer régulièrement les questions, comme je le disais il y a quelques instants. Donc effectivement, il y a un gros enjeu d'effectivité des droits qui seront proclamés. On voit, d'autres l'ont rappelé, il y a un certain nombre de droits qui sont déjà dans les textes, dans divers textes, mais comment on fait en sorte que ce soit faisable? Comment on fait en sorte que le citoyen puisse se dire « oui, ce droit-là, je l'ai et j'en bénéficie pleinement ». Donc concernant enfin les priorités à porter, et c'est là où je serai la plus prudente dans ce que je vais vous avancer, on se pose un certain nombre de questions aujourd'hui, donc on n'est pas au stade vraiment des propositions fortes, hein, ça viendra un peu plus tard, mais il y a des questions qui ont déjà été, dont mes collègues ont déjà parlé, mais par exemple, est-ce qu'on peut se poser la question de l'assurance chômage dans ce socle? On a pu voir le rôle d'amortisseur qu'a pu avoir le système français vis-à-vis de la crise. Bon, est-ce que c'est une question qu'on se pose? La question des salaires minimums à définir dans chaque État, alors de manière à ce que ce soit faisable, encore une fois, hein, avec des critères précisés, ou encore la question des conditions de mobilité des travailleurs au sein de l'Union, en lien avec des droits qui seraient attachés à chaque individu. Mais je pense que d'autres personnes vont en parler beaucoup mieux que moi. Il me reste à vous donner rendez-vous dans 2 mois précisément, dans cette même maison, à ce même endroit, avec une inscription sur le même site, pour avoir les dernières idées, les préconisations du CESE français sur ces éléments et des réponses plus précises que les simples questionnements dont je vous fais part aujourd'hui. Merci Emeline Weber. Le rendez-vous est pris donc pour le résultat de cet avis. Je vais donner la parole maintenant à Jean Grosset, personnalité qualifiée et membre du Conseil économique et social et environnemental, pour 5 minutes. Jean, petit témoignage sur un avis que tu as commis dans cette maison en tant que co-rapporteur sur les travailleurs détachés. Il me semblait que c'était une illustration intéressante une déclinaison des débats que nous avons eus, des interventions jusqu'à présent. S'il te plaît, 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aller très vite même. Alors, une remarque quand même, c'est une très bonne initiative avec le Comité européen de nous réunir et de discuter de ça, surtout dans un contexte anti-européen extraordinaire. Et donc je pense que c'est important de discuter entre nous, entre les partisans de l'Europe et de l'Europe sociale, de discuter entre nous et d'essayer de trouver des solutions. La deuxième chose aussi, le paradoxe, c'est que malgré tout, malgré toutes les difficultés, le modèle social européen est une référence dans l'ensemble du monde. Dans beaucoup de pays, il n'y a même pas de contrat de travail ni de protection sociale. Donc c'est d'autant plus important de défendre notre modèle social européen, sinon s'imposeront même en Europe les non-règles qui existent dans toute une partie du monde. Deuxième chose, lorsque nous avons établi ce travail ensemble, d'ailleurs c'était en septembre 2015, je vois un certain nombre d'amis de la section du travail et de l'emploi de l'époque, d'organisations différentes, employeurs ou syndicalistes, et aussi des représentants d'ambassades avec lesquels nous avions travaillé, qui sont venus sur cette question. Je pense à la Roumanie ou à la Pologne, qui sont présents ici. Donc, pour aller dans le vif du sujet, c'est un sujet concret qui permet de rediscuter des questions que tu as abordées tout à l'heure, Jean-Marc. De quoi s'agit-il? La libre circulation des travailleurs, elle existe avant l'Europe. La libre circulation des travailleurs, c'est une chose élémentaire pour que des gens puissent se déplacer. À partir de cette libre circulation des travailleurs, se posent plusieurs questions. Il y a des problèmes de protection, il y a des niveaux de protection sociale totalement différents, il y a des niveaux de salaire totalement différents, il y a des endroits où il y a des conventions collectives, il y a des endroits où il y a un code du travail, il y a des endroits où il y a un contrat de travail. Donc tout ceci est extrêmement différent. Pour aller vite, il y avait deux façons d'aborder ce sujet. Alors on peut avoir une phrase extrêmement radicale, j'en entends en ce moment. C'est vrai qu'il y a des pays d'Europe qui considèrent la libre circulation des travailleurs au milieu de fil de fer barbelé, mais il y a des gens qui ont un point de vue assez radical, qui est de dire « on supprime la directive détachement », ça veut dire que vous supprimez l'Europe et la libre circulation des travailleurs. La vraie question, ce qu'on a essayé de faire dans cette saisine, vous verrez, il y a un document là-dessus, mais c'est de voir comment concrètement, en connaissant ces différences, on pouvait faire malgré tout rapporter ce mot d'ordre dont vous avez parlé tout à l'heure, que nous avons travaillé, d'ailleurs avec le Comité européen et la Confédération européenne des syndicats, qui s'appelle « à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail ». C'est simple, basique, mais ça cadre tout. Ça cadre tout, parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps, je n'irai pas dans le détail, mais soit vous respectez ça, et si vous respectez « à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail », tout un tas de mesures en découlent. Soit vous utilisez les différences qui existent à l'intérieur des systèmes de protection sociale et du code du travail, et vous organisez la fraude. Et il faut dire que quand on regarde ce que fait les comptes rendus de la Direction générale du travail, la fraude persiste. La fraude existe. Les différentes lois qui ont été mises en place en France, loi Savary, loi Macron, loi Travail, justement permettent de répondre concrètement, parce que si on dit il y a plus de, si on se débarrasse du problème en disant arrêtons les travailleurs détachés, la libre circulation continuera, il n'y a plus d'Europe. Donc il faut donc se trouver des mesures pour faire réellement respecter, en attendant, ça ne veut pas dire qu'on renonce, vous n'aurez pas, Yvan le disait tout à l'heure, vous n'aurez pas en tapant dans les mains le même système de protection sociale dans l'ensemble des pays. Vous n'aurez pas en tapant dans les mains, même s'il faut se battre pour, un SMIC européen. Vous n'aurez pas les mêmes conventions collectives immédiatement. Mais il faut prendre des mesures qui vont dans ce sens-là. Il faut aussi avoir les corps de contrôle. J'entends des gens qui veulent supprimer des centaines de milliers de fonctionnaires. Il faudrait mieux avoir des contrôleurs du travail, des inspecteurs du travail qui continuent à faire leur travail. Il faut faire aussi une coopération entre les services différents États européens. Il faut aussi regarder comment concrètement, on voit que chacun a un système de protection sociale. On peut travailler, et nous avions rencontré le CESE, le Parlement européen, la Commission, et nous avions travaillé ensemble, et nous sommes un peu à l'origine, je le dis, avec le Comité européen, du slogan « à travail égal, salaire égal » sur un milieu de travail, avec la Confédération européenne des syndicats, surtout avec sa branche transport. Parce que les travailleurs détachés dans le transport, fermons la parenthèse, c'est ce qui a fait d'ailleurs que certains réfléchissent à des conventions collectives européennes là-dessus, à un SMIC européen. Et enfin, nous avons proposé, y compris, une carte européenne de travailleurs détachés. Donc je dis pourquoi. Parce que sur ces questions, comme dans toute l'Europe, on a un cap, qui est l'harmonisation des droits sociaux, mais on a aussi une méthode qui est le compromis, qui est la base même de l'Europe. Si on n'a pas cette méthode, on a des phrases radicales, mais le dumping continue et les difficultés continuent. D'ailleurs, sur cette question des travailleurs détachés, bien évidemment, un certain nombre de forces xénophobes et anti-étrangères en font des tonnes et des tonnes tous les jours. Donc il est d'autant plus important de réguler, c'est ce que nous avons proposé dans ces propositions, et ça se poursuit. Vous savez que la ministre du Travail était, je crois, hier ou avant-hier, avec ses homologues polonais, et je crois que les 27 pays sont en train de travailler, donc avec une modification de la directive, pour justement obtenir une harmonisation, réfléchir à comment mieux contrôler et mettre en commun les différentes administrations et faire en sorte que la libre circulation des travailleurs, qui est une chose positive, se passe en conditions correctes pour que celles et ceux qui travaillent dans des pays différents soient logés correctement, ce qui est obligatoire, soient nourris correctement, ce qui est obligatoire, et soient aussi indemnisés sur leurs frais de transport, ce qui fait que vous rééquilibrez le différentiel de protection sociale différente. Merci beaucoup. Merci Jean Grosset. Double félicitations à la fois pour le contenu de ton intervention et pour la concision de ton propos. Avant la pause café, les micros vont circuler. Vous avez la possibilité de poser quelques questions brèves, concises, précises. Les micros vont circuler. Une première main s'est levée là. Oui, madame, je vous ai déjà vue. Oui, où ça ? Les micros distribués. Ah, c'est parti. Madame, allez-y. Bonjour à tous, merci pour vos interventions qui étaient très intéressantes et dans lesquelles on se retrouve bien. Je suis Jeanne Nitriche de l'UNIOS, mais je représente ici EAPN France, donc réseau européen de lutte contre la pauvreté. On se retrouve particulièrement dans ce que vous avez pu dire sur le fait que ce n'est pas le manque d'Europe, enfin c'est le manque d'Europe qui aggrave la crise et non l'inverse. Et on a besoin d'une Europe plus protectrice. Donc on se retrouve bien dans cette conviction-là qui est notre point de départ. On se retrouve aussi dans le fait que dans la création de ce socle européen des droits sociaux, on aura besoin de mettre plus l'accent sur la lutte contre la pauvreté, bien évidemment. Et on rejoint les différentes propositions qui sont celles d'une création d'un salaire minimum européen. Alors évidemment, pas le même montant partout, mais les mêmes critères et les mêmes réflexions partout. On rejoint aussi la proposition d'une assurance chômage européenne, celle d'un revenu minimum européen qui n'a pas encore été abordé, mais qu'on défend au sein de APN Europe et de APN France. Alors, même logique que pour le salaire minimum européen. L'idée, c'est pas le même montant partout, mais les mêmes réflexions et les mêmes critères partout. Et enfin, on rejoint la proposition qui est de comptabiliser les dépenses sociales à part dans le calcul des 3% de déficit public. Le micro ne marche pas. Si, il fonctionne. Voilà. Je vous en prie, monsieur, et après... Madame. Donc Jean-François Serres, je suis conseiller ici au CESE. Je voulais, pour nous qui sommes interpellés, le CESE, sur cette question-là, la question centrale, c'est retrouver l'adhésion au projet européen. Je crois que ça a été dit. Et en même temps, on entend le fait de mettre en place un socle européen comme finalement une intention centralement porté par une amélioration de la compétitivité. On parle même de triple A. Je ne suis pas convaincu, j'allais dire, que de le présenter comme ça entraînera l'adhésion, j'allais dire, du peuple européen. Il me semble que la finalité d'un socle social doit être la finalité de la cohésion des peuples européens, la cohésion sociale et de la vitalité, comme l'a dit Nadia Bellaoui tout à l'heure, de la démocratie européenne. Donc il me semble qu'on devrait réfléchir, et certains en ont parlé, sur une piste nouvelle autour du renforcement de l'engagement citoyen au niveau européen, qui soit vraiment associé à ce travail sur le socle européen. Parce que c'est par l'engagement que passe l'adhésion au modèle. Lorsque l'engagement citoyen baisse, l'adhésion au modèle social baisse. Nous le voyons dans notre pays, mais nous le voyons aussi au niveau européen. Je crois que c'est central qu'on porte cette idée de l'engagement. C'est-à-dire le dialogue social soit aussi un dialogue civil avec les carottes qu'on pourra trouver, puisqu'on parlait de carottes tout à l'heure, mais de façon à ce qu'effectivement l'engagement citoyen soit vraiment porté dans ce socle européen, sauf de faire pour et donc de faire contre. Merci. Vous donnez le micro à monsieur là-bas. Madame, je viens spécialement vous apporter le micro. Merci beaucoup. Christine Rousselet, Landa, grand public, docteur en économie. J'ai une question à monsieur que j'ai trouvée d'une clarté formidable. Merci monsieur. Mais vous avez dit au tout début une phrase qui m'a complètement attristée et pourriez-vous la, si vous voulez l'expliquer avec trois phrases, vous dites l'Europe qui n'existe pas ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que vous avez dit, l'Europe qui est mal partie, un truc comme ça. Pouvez-vous me donner trois exemples? Parce que c'est vraiment pas... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, je suis totalement pour l'Europe. Merci. Mais qu'est-ce qui vous veut dire que l'Europe n'existe pas? Merci. Trois exemples. Merci. À vous, monsieur. Lequel, madame? Monsieur Grosset ou monsieur Ricordeau? Monsieur Grosset. Il répondra. Il va faire appel à son avocat. Il va. Je vous en prie, vous avez la parole. Prenez la parole. Il va être interrogé, on va l'interroger, parce qu'il faut qu'il réponde. Il ne fonctionne pas? Vous voulez, on va lui prêter le mien. Bon, c'est bon. Bonjour, ça marche. Frédéric Lambrecht de la CGT, également membre du comité exécutif de la CES. Moi, très rapidement, je partage une des phrases qu'a prononcée Madame Sofia Fernandes, que l'initiative, comme quoi l'initiative du président Juncker, autour du sujet qu'on parle ce matin, c'est une opportunité et qu'on ne peut pas rater. Moi, j'irai plus loin. Je crois que c'est la dernière. Je pense que c'est et je ne suis pas pessimiste par nature, mais je pense que vu l'état de l'opinion en Europe, et pas simplement de l'opinion vis-à-vis de l'Europe, mais l'état de l'opinion en Europe, c'est la dernière chance avant une implosion de l'intérieur par des forces, on le voit, des forces d'extrême droite qui montent. De façon, il y a quelque temps, on disait de façon dangereuse, on est aux portes de quelque chose d'imminent. Parfois, enfin en tout cas, voilà, je pense que la question sociale, il faut la prendre aussi de ce point de vue-là. Le problème, c'est que ce qu'on se dit ici, et moi je partage quasiment toutes nos réflexions, on a du mal à les porter vis-à-vis des citoyens, des travailleurs, y compris dans notre phrasologie. Vous voyez, on détermine nous-mêmes, et je me mets dedans, comme syndicaliste, parfois ce que doivent être les priorités. Sauf que les salariés, quand on parle avec eux, quand on parle d'Europe... dans un colloque comme celui-ci, et je me mets dedans, on n'en a pas gagné plus un, pour adhérer plus à l'idée d'Europe. Les priorités, il faut les définir clairement, de façon simple. C'est le chômage, c'est la part du déclassement, c'est les salaires, c'est la santé, c'est toutes les craintes sur l'avenir. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant comme étant les défis de l'Europe. Et effectivement, c'est qu'au niveau européen qu'on peut lever ces défis-là. Et de mettre les politiques économiques et sociales à ce service-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on mette les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que si on veut discuter avec des gens de l'Europe, parlons déjà de leurs préoccupations et mettons en avant. Ceci étant, après, il faut aussi avoir le courage de se dire qu'il faut rompre avec les politiques qu'on mène et avoir le courage de dire qu'on s'est trompé. L'ordolibéralisme ne peut pas fonctionner. Le dumping social, l'ordolibéralisme ne peut pas fonctionner, ne peut pas être au service du projet avancé par le président Juncker. L'exemple qui a été donné sur le Portugal, je le partage complètement, c'est-à-dire que parmi les propositions, il y a l'instauration de salaire minimum, l'augmentation des salaires dans les pays les plus... voilà. Le Portugal le fait, il se fait taper sur les doigts. Donc est-ce qu'on est d'accord, et là je serais plus pour poser la question à Guillaume Roty, est-ce qu'on est d'accord sur l'idée de dire qu'on doit revenir sur une règle de plomb qui est celle des 3% pour avoir une règle d'or, ça a déjà été dit, qui exclut du calcul des déficits, par exemple, l'investissement dans l'éducation, dans l'avenir, les infrastructures, la santé, etc. Ça, on peut dire on doit maîtriser nos déficits, mais aussi on doit investir dans l'avenir. Donc ça, c'est une question que je pose, peut-être plus à M. Roty. Oui, bonjour, donc Séverine Serre, je suis citoyenne comme chacun d'entre vous ici et aussi la fondatrice de la Fédération des juristes de France. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'est un thème sur lequel je travaille depuis plusieurs années, notamment les thèmes de l'insertion et effectivement du traitement efficace des périodes de transition professionnelle, notamment pour les profils de juristes, mais pas seulement. Et effectivement, je regarde les chiffres du chômage et la catastrophe sociale qui est celle que nous vivons en Europe. Et donc, je remercie Monsieur Coty d'avoir rappelé les textes fondamentaux. Je regrette néanmoins qu'il trouve que nous devions nous satisfaire de notre situation en comparaison d'autres pays du monde qui n'atteindraient même pas la moyenne niveau de garantie et protection sociale européenne. Moi, personnellement, je vise à améliorer les choses et aller vers mieux plutôt que de regarder derrière nous et des situations de pays qui sont dans des situations pires que la nôtre. Moi, pour avancer, je regarde toujours l'objectif que l'on veut atteindre. Voilà. Donc, je voulais préciser ce point-là, parce qu'évidemment, si on se compare aux enfants qui meurent de faim en Afrique, forcément, on va trouver qu'on est très privilégié, Monsieur Roty. Hein. Donc, voilà. Donc, cela étant rappelé, je voulais parler de deux choses et vous poser la question. Moi, ça m'affole que le bénévolat représente 1 million d'équivalents temps plein salariés. Voilà, ça m'affole beaucoup. Et donc, ma question est la suivante. Avez-vous des informations sur l'évolution des travaux et des réflexions sur la reconnaissance professionnelle du bénévolat, que ce soit en termes d'acquis pour la retraite, mais aussi, comment dirais-je, pour la reconnaissance des qualifications et l'évolution, en fait, des qualifications professionnelles. Et comment dirais-je, donc je voulais également ouvrir sur le thème qui va venir, je l'espère. N'est-il pas temps d'organiser non seulement la convergence des droits en Europe au sein de l'Union européenne, mais aussi la convergence du financement avec une taxe qui nous permettrait, comment dirais-je, dans chaque pays de l'Union européenne, soit via la TVA sociale, soit via une taxe sur les transactions financières peut-être un petit peu plus mieux organisée que ça ne l'a été fait jusqu'ici, de façon effectivement à transférer le poids de la protection et des garanties sociales à un niveau harmonisé au niveau de l'Union européenne, de sorte que ça ne pèse plus sur les entreprises et sur les emplois et sur donc l'employabilité en réalité, parce que c'est hélas, c'est un handicap pour l'employabilité des gens et en particulier aujourd'hui les personnes qui sont très qualifiées, qui sont diplômées. Quand vous voyez qu'un SMIC, ça coûte 1 200 € net de charges aujourd'hui quasiment, avec les primes à l'embauche qui sont organisées, qui absorbent les 11% de charges qui restent à payer, ce qui est déjà rien par rapport aux pratiquement 45% de charges que les entreprises payent sur des profils Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et on a une population active qui est de plus en plus qualifiée et diplômée. Donc voilà, donc n'est-il pas temps enfin de rendre employable notre population active qui, je le rappelle, en majorité aujourd'hui, au bout de 40 ans d'évolution, est majoritairement constituée de profils qualifiés et diplômés. Voilà. Au deuxième rang, madame, vous avez la parole, et ensuite, après, on passera au quatrième rang. Vous avez la parole, madame. Bonjour, je m'appelle Boucher, je suis économiste, plus particulièrement spécialisée dans les questions de recomposition du tissu entrepreneurial. Et donc, j'ai écouté avec attention vos interventions, et ce qui m'a un petit peu déroutée, c'est que vous étiez pas énormément, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, hein, mais pourquoi on se repose ces questions-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il est bien évident, tout le monde le dit avec ses mots, qu'on est en train de changer vraiment très très fortement de modèle. Personnellement, dans mes publications, mon dernier livre s'intitule « Changeons de civilisation ». Et sans anticiper sur la prochaine table ronde, je voudrais juste renvoyer sur des études convergentes qui ont été faites par le Bureau international du travail, l'OCDE, repris par Stanford, etc., qui montrent que la recomposition du tissu entrepreneurial va se faire à travers les mécanismes de l'économie circulaire, induits eux-mêmes par les nouvelles formes de fabrication d'énergie, la robotisation, etc. Ce qui fait qu'on va créer moins d'emplois, des emplois infiniment plus qualifiés, et qu'en économie, il y a un mécanisme très, très indiscutable, qui est que quand des besoins sont satisfaits, l'homme crée à nouveau du travail parce qu'il y a des besoins d'un niveau supérieur qui apparaissent. Or, ce qui se passe, c'est que les moyens de production deviennent de plus en plus efficaces, donc ce n'est plus dans la sphère productive que se passe la création de richesses, de richesse pour la communauté, c'est de plus en plus dans ce qu'on appelle la sphère contributive. Et dans la sphère contributive, actuellement, elle est servie par un sujet qui a été effleuré, mais sur lequel j'aurais voulu avoir votre sentiment, qui est essentiellement couvert par le bénévolat et le volontariat. Et donc, la question du bénévolat et du volontariat devient beaucoup plus fort que ce que vous avez dit. Vous l'avez effleuré, alors que moi, il devient central pour moi. Parce que la compétitivité des nations repose maintenant sur sa réactivité et sa créativité. Et la réactivité et la créativité, c'est le fait de personnes de très haut niveau qui ont grandi dans un terreau social de très haut niveau, c'est-à-dire en fait dans des sphères où l'univers associatif et bénévolat est très préparateur. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'y avait que l'éducation qui permettait de s'élever. Et de plus en plus maintenant, les générations montantes, et mademoiselle, je suppose, je ne sais pas si on dit madame ou mademoiselle, vous en faites partie, vous voyez bien que c'est dans les sphères contributive que vous vous préparez à la vie productive. Donc c'est toute cette mutation que j'aurais voulu voir abordée, en tous les cas vous faire ressentir. Merci beaucoup madame. On donne la parole pour deux interventions brèves et ensuite après on arrête parce qu'on fait les gros yeux, on ne va pas pouvoir avoir la pause café. Donc deux interventions brèves. Monsieur, vous avez la parole et le micro, allez-y. Ça marche, parlez, vous allez voir. C'est ça. Attendez. Bon, je vais passer le mien, c'est terrible parce qu'après j'aurai plus d'autorité. Merci, je vais être très bref. Une petite question à M. Grosset sur la question du détachement. Je me pose la question suivante. Pour lutter efficacement contre le dumping social, est-ce qu'on ne peut pas envisager que l'employeur européen qui détache un salarié dans un autre pays de l'Union européenne cotise dans le pays d'emploi? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans le détachement, le salarié qui est détaché, il est encore attaché à la sécurité sociale de son pays d'origine. Est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il cotise dans le pays dans lequel il travaille, quitte effectivement à ce que le pays d'emploi reverse au pays d'origine les cotisations, à l'image de ce qui se fait d'ailleurs pour l'impôt sur le revenu, où, par exemple, quand un Belge vient travailler en France, ben, il est prélevé pour l'impôt sur le revenu à la source. Merci. Intercepter le micro au passage. Oui, bonjour. Ben moi, je vais être très bref. Je vais juste citer Jean-Claude Juncker qui a parlé d'Europe sociale triple A. Ben là, moi, je pense qu'on est au cœur du sujet. Là, je pense que c'est un oxymore. Ça veut dire que ben, on va penser un socle de droits sociaux, mais qu'on accepte une réalité qui est la réalité ultra-libérale. Hier soir, on a eu un débat pour la primaire. Je pense qu'à l'issue de ce débat, ben, on a tous conscience qu'il n'y aura pas de changement de modèle économique. Et je pense que pour faire évoluer les droits sociaux, le changement de modèle économique, c'est aussi une question qu'il faut poser. Voilà. Dernière intervention, Luc Berry. Et puis on arrête, s'il vous plaît, parce que on va me... Voilà, ça marche. Oui, Luc Berry, je suis secrétaire général de l'UNSA, je suis membre du Conseil économique et social européen à ce titre, je suis aussi membre du comité exécutif de la CES. Moi, j'ai une remarque, on est en train de réfléchir ici dans le cadre de la consultation qui est ouverte sur cette histoire du socle européen des droits sociaux. Je partage l'avis qui a été émis, c'est une occasion à ne pas rater, il n'y en aura pas une seconde, vu l'état de l'Europe. Et c'est ça qui me préoccupe le plus. Je ne sous-estime pas la question de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce socle européen. En tant que tel, c'est un vrai débat sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple à la question du salaire minimum. Ça fait partie des débats. Il faudra donc qu'on les mène. Mais autant je partage, moi, la formule qui consiste à dire le problème de l'Europe, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'Europe, c'est qu'il y en a... Enfin, le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Moi, comme Européen convaincu, je partage cette formule, mais je suis un peu dans le même état d'esprit que Frédéric Lambrecht, mon voisin. Ce qui me frappe, c'est qu'avec des formules de ce type, on ne rentre pas du tout dans le principal problème de l'Europe, qui est le mouvement massif de désinvestissement de l'Europe, le mouvement massif de nationalisme qui mine l'Europe, et ça dans tous les pays d'Europe. Et on ne convainc pas, et pour nous, les salariés, puisque c'est notre cœur d'activité, on ne convainc pas les salariés que nous rencontrons et qui nous disent que parfois ils rejettent l'Europe en leur disant « Ah non, tu la rejettes, tu vas en prendre un peu plus parce qu'il faut plus d'Europe ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le débat sur les droits, sur le socle européen, méfions-nous de deux choses. Un, il faut effectivement dire de quels droits on parle. Mais la question de l'effectivité des droits, ce que Nadia a évoqué, est une question fondamentale dans la perception. Et Jean Grosset a évoqué la question du détachement des travailleurs. À un moment donné, la question du mot d'ordre « travail égal, salaire égal dans le même pays », ça c'est la formule des droits sociaux. Mais la formule sans la mise en œuvre pratique et concrète, c'est passer à côté du combat pour convaincre, pour renverser l'opinion européenne. Et moi, c'est ça qui me frappe beaucoup dans ce sujet. Donc, comment on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on préconiserait, nous, dans ce socle européen? Cette question-là, je pense qu'on ne peut pas l'esquiver. Si on recommence à faire une liste de droits formels, nonobstant l'intérêt politique de cet exercice, des droits formels qui ne parlent pas aux citoyens européens, on est à côté de la plaque, et encore plus lorsqu'on parle de questions sociales. La question sociale, ce n'est pas simplement des principes, c'est l'incarnation, c'est la mise en œuvre de ces principes, et c'est sur la mise en œuvre de ces principes que l'Europe est accusée, et souvent à juste titre. Merci Luc. Monsieur Roty aura le mot de conclusion juste avant la pause café. Certains en tribune ont été interpellés, tous ne vont peut-être pas prendre la parole, mais Monsieur Grosset, vous êtes obligé de vous expliquer sur la phrase que vous avez commise. Donc je vous donne... une minute, puisque je vous ai pris un peu de temps au tout début. Une minute. Merci Jean-Marc, c'est de plus en plus restreint, mais bon. Non, ce que je peux vous renvoyer à de la lecture, comme ça. Non, simplement, je prie m'excuser si j'ai mal fait comprendre. Je n'ai pas dit du tout que l'Europe n'existe pas. J'ai dit que dans le monde entier, dans de très nombreux pays, les éléments du modèle social européen n'existent pas. C'est ce que j'ai dit. Dans le monde entier, vous avez des pays... en Asie, en Afrique, dans d'autres, mais même certains pays, d'accord, où dans lequel la notion même de contrat de travail et de protection sociale est inconnue. Voilà. Boire le café ensemble tout à l'heure. Et par contre, ce qui est important, ce qui est très important quand même, c'est là-dessus que j'insistais, c'est que ce modèle social, même en difficulté, reste un modèle social qui est une référence pour les travailleurs du monde entier, la Confédération syndicale internationale et la CES. Donc ça, c'est quelque chose... Alors cela dit, il ne faut pas se le faire torpiller. Bon. Alors sur l'aspect, la question que vous avez posée sur les travailleurs détachés, il existe déjà aujourd'hui, la circulaire qui est en discussion aujourd'hui au niveau de l'Europe, va sans doute améliorer dans un sens de meilleure harmonisation. Mais déjà aujourd'hui, si on respecte les règles de la directive, c'est quoi? Un travailleur, une femme ou homme, qui arrive en France, je prends la France, bon, il doit être payé au salaire minimum de la convention collective, il y a une amélioration qui est faite parce qu'on voudrait qu'il soit à sa vraie classification, au salaire minimum de la convention collective dans l'horaire légal du travail en France. En clair, dans le bâtiment, il est à la convention collective du bâtiment aux 35 heures. La fraude se fait sur l'horaire qui est dépassé sans contrôle. Deuxième chose qui est obligatoire pour l'employeur qui le reçoit. Il doit l'héberger dans des conditions décentes et pas dans des clapiers comme ça s'est fait dans l'agriculture. Par exemple, je ne parle pas des employeurs de l'agriculture, mais certaines structures sont particulièrement condamnables. Et deuxième chose, on doit le nourrir, c'est-à-dire le payer ses frais de nourriture, et enfin, rembourser son déplacement. Si tout ceci est respecté, le différentiel sur la protection sociale n'existe quasiment pas. N'existe quasiment pas. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'une personne qui cotise à la protection sociale de son pays d'origine, c'est extrêmement compliqué qu'il cotise à la protection sociale pendant 2 mois ou 3 mois en France pour repartir après. La seule question qu'on peut exiger, c'est qu'il soit réellement couvert par une protection sociale. Qu'il y ait eu des accidents graves dans le bâtiment où les salariés étaient couverts par rien. Et d'ailleurs, on les emmenait de l'autre côté de la frontière, gravement blessés, pour éviter un problème. Merci Jean. Yvan Ricordeau et ensuite Nadia Bellaoui, peut-être Madame. Juste 2 éléments par rapport au débat et en forme de conclusion très rapide. Dans les difficultés... qu'on a débattu au niveau européen, il y a quelque chose dans ma présentation et dans le débat qui n'est pas venu, mais qui est toujours important de rappeler, c'est qu'il y a forcément une responsabilité importante des États et que toute la question n'est pas de dire comment la sphère européenne a du mal à répondre. C'est très important de se le dire, notamment sur la sphère sociale, puisque la responsabilité première, généralement, est quand même encore restée au niveau des États. Donc ça, c'est, je pense, un élément supplémentaire au débat. Le deuxième... c'est que une Europe moderne, dans la période à venir, ça sera celle qui sera en capacité de faire renaître l'adhésion au projet européen, et ça nécessite qu'on arrive à construire les réponses avec les citoyens et avec les salariés. Et je pense que c'est pas anodin de se dire qu'entre acteurs divers aujourd'hui, il y a un des choix prioritaires, c'est celui d'avoir le courage politique de mettre le débat européen dans la sphère publique. Et cette question-là, elle est particulièrement importante à l'aune des échéances qu'on connaît et au vu de la responsabilité qu'ont tous les acteurs. Si, Nadia Bellaoui. Oui, vous avez raison, madame, de dire que je n'ai fait qu'effleurer un sujet qui est plus central que ce que je le laissais penser. Mais je voulais en fait essentiellement attirer notre attention sur ce qui a été aussi développé par Jean-François Serres et Luc Berry, qui est qu'effectivement, comme vous venez de le dire, le sujet, c'est d'abord de faire progresser l'adhésion au projet européen. Et ma préoccupation, c'était de mettre l'accent sur ce que nous pouvions faire. Or, ce que nous pouvons faire, c'est certainement de partir des questions qui se posent sur le terrain. Et avec le bénévolat, avec le volontariat, nous avons là un objet politique particulièrement performant, il me semble, pour nos réflexions. Parce que vous avez raison, madame, c'est affolant. Hein, au moment où la priorité des priorités, c'est de baisser le chômage, de trouver comme une bonne nouvelle d'avoir 1 million d'équivalents temps plein. Et pourtant, l'activité, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est ce que j'ai essayé de dire en quelques mots, l'entreprise a besoin de compétences acquises hors de l'entreprise et pas seulement en amont. Donc on a des tensions de ce type-là qui sont particulièrement pertinentes, il me semble, à aborder. Merci. Madame Fernandez, peut-être un mot. Minute, merci. Juste pour revenir sur la dernière intervention qui rejoint en grande partie ce que j'avais dit dans mon intervention, souligner qu'effectivement ce socle européen des droits sociaux, il ne faut pas que ce soit une liste de grands principes. Il faut vraiment que ce soit des réalisations concrètes qui changent la vie, qui aient un impact sur la vie des citoyens. Et effectivement, il faut être réaliste, l'UE ne peut pas agir sur tout, Comme Yvan vient de le rappeler, les politiques sociales et de l'emploi sont des compétences nationales. Les États membres ne veulent pas transférer plus de pouvoir à l'Union européenne sur ces sujets, mais il y a des domaines dans lesquels l'Union européenne peut faire plus. Elle l'a prouvé avec la garantie jeune pour lutter contre l'emploi, le chômage des jeunes. On a parlé de la règle d'or sur l'investissement, pour l'investissement social, un salaire minimum européen. Il faut réfléchir à comment l'Europe peut avoir un impact pour améliorer la vie des citoyens européens et garantir la viabilité de ce modèle social européen. Merci. Merci beaucoup, Madame Fernandez. Emeline, peut-être un mot, sachant que tu nous as donné rendez-vous dans 2 mois ici même. Oui, du coup, c'était un petit peu sur la même question. Il y a un gros enjeu en fait qui n'est peut-être pas fait encore, c'est l'engagement plein des États. Derrière, enfin, si l'Union européenne décide des choses et que les États n'en ont pas envie, ça sera difficile d'avancer. Et effectivement, sur la question de l'effectivité, il faut veiller à ce qu'il y ait des moyens de contrôler l'effectivité de ce qu'on propose, parce que, comme plusieurs l'ont répété, les droits sont déjà proclamés de diverses manières. Maintenant, j'ai l'impression que ce que je dis maintenant, c'était déjà dit il y a longtemps, mais comment on fait en sorte que ce soit réellement des droits acquis et que les personnes peuvent utiliser quand elles en ont besoin et quand elles sont dans les situations qui sont décrites. Merci beaucoup, Emeline. Monsieur Roty, vous avez la parole. Vous avez été interpellé directement. Le représentant de la Commission s'exprimera en conclusion, mais quelques questions précises vous ont été posées. Peut-être 2 éléments. Le pays avec lequel je comparais l'Union européenne en termes d'égalité, c'était des pays de l'OCDE, donc en l'occurrence c'était la Corée, le Japon et le Canada, et tous ces pays sont en moyenne plutôt plus inégalitaires que les pays de l'Union européenne. Donc je pense que c'est quand même une information importante et qui donne de la matière au modèle social européen. Après, c'est la question sur la règle des 3%, et est-ce qu'on est en train de réviser cette règle des 3% pour instaurer une clause d'investissement ou une règle d'or? Non, pour être tout à fait transparent, pour plusieurs raisons à ça. La première, c'est que techniquement, réviser cette règle, c'est un changement des traités, et on n'est pas dans cette optique de changer les traités, mais il y a aussi une raison économique, qui est que la règle des 3% en tant que telle, elle n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui est important, c'est la tenabilité des dettes publiques européennes et le fait que les pays européens soient capables de financer leur modèle social. Et d'ailleurs, dans l'application de la règle des 3%, la Commission, et en particulier la Commission Juncker, est plutôt... D'ailleurs, parfois pour ça, dans certains pays, flexible. On n'a pas proposé de sanctions pour le Portugal et l'Espagne parce qu'ils ne respectaient pas ces règles. Ça fait de nombreuses années que la France a un déficit, et un déficit excessif au-delà de 3%. Ça marche assez mal. Pardon. Donc dans la pratique, ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte formelle, mais qui laisse aussi et qui est appliquée avec flexibilité. Et enfin, pour conclure, je voudrais faire le lien avec un thème qui a été souvent évoqué et avec lequel je suis assez d'accord. L'important, c'est de créer des droits qui soient opérationnels et qui soient activables. Et donc financer ces droits, c'est important. Et donc il faut aussi penser à comment on met en face des droits qu'on veut donner aux citoyens européens, les financements et la capacité de financer le modèle de protection sociale. Merci, Monsieur Roty. Et surtout, merci à nos intervenants. Je vous demandais de les applaudir. Ils l'ont bien mérité. Merci. Merci beaucoup. Bien, il est temps de reprendre nos travaux avec cette deuxième table ronde. Alors le sujet était un petit peu évoqué dans le débat avec la salle tout à l'heure. Mais là, donc, il s'agit plus de voir un peu On a parlé beaucoup de droits effectifs en matière de droits sociaux, notamment sur la protection sociale, quelle protection sociale et quelle protection sociale commune, si on peut y arriver, au niveau des droits sociaux européens. Cette deuxième table ronde donc, va être animée par ma collègue du Conseil économique et social européen, Marie-Françoise Gondard-Argenti, qui est ici, qui est également personnalité associée du CESE français. Et donc Marie-Françoise fait partie du groupe 1 au CESE européen, donc du groupe des employeurs. Donc je vous demande aux intervenants de rejoindre la tribune, et je passe directement le micro à Marie-Françoise, sachant qu'on aura une projection vidéo d'un des animateurs, d'un des intervenants, Élisabeth Morin-Chartier, députée européenne, qui ne pouvait pas venir physiquement. Marie-Françoise. Bonjour à tous. Si, marche. Oui, c'est bon. Appeler mes intervenants. Ah ben voilà, ils sont tous là. Donc Franca, Madame Épaulard, Étienne et puis Monsieur Paul Fourier. Voilà. Là, ça va mieux comme ça. Parfait. Voilà. Tout simplement. Je voudrais déjà remercier quelqu'un particulièrement. Parce que si cette journée se déroule bien, je pense, je veux remercier particulièrement Franca qui s'est beaucoup investi pour que ça marche. Et puis, évidemment, les services du CES qui nous accueillent. Et bon, c'est la meilleure manière de la réponse de la société civile, je dirais, aux défis qui sont posés pour nous. Aujourd'hui, je suis une représentante des employeurs. Je pense que quand on parle protection sociale et qu'on parle de ces défis-là, les partenaires sociaux ont toute leur place, y compris les employeurs. Donc c'est pour ça que je vais faire un tout petit propos introductif et pas très long. Alors, la question de la protection sociale est au cœur des préoccupations de l'Europe et des États membres avec plus ou moins d'engagement, avec des différences en fonction des cultures, de chacun, de l'histoire et des systèmes mis en place. La notion de convergence, et ça elle a été rappelée ce matin, doit cependant être le fil rouge de notre pensée en matière sociale si l'Europe veut continuer à répondre aux défis, notamment ceux liés à la mondialisation des économies, à la dérégulation et au dumping qui s'exerce, je dirais presque malheureusement aussi, entre les États membres. La crise économique qui a fortement remis en cause les équilibres et la stabilité de l'ensemble européen nous oblige à faire vite. La convergence sociale n'est pas seulement un idéal de progrès teinté d'humanisme. Elle est une condition de l'existence même de l'Union européenne. La question du socle européen des droits sociaux se pose avec d'autant plus d'acuité que l'on attend des systèmes de protection sociale qu'ils assurent, comme ça a été le cas en France pendant la crise de 2009, le rôle de stabilisateur automatique. Mais il y a en même temps une pression sur ces systèmes en raison du manque de croissance et du niveau élevé de chômage. Le tout accompagné d'une demande constante de la Commission européenne pour se conformer au traité qui nous lie, de réduire les déficits publics dont les dépenses sociales sont partie intégrante. La combinaison du vieillissement croissant de la population et d'une diminution de la main-d'œuvre représente aussi un défi pour la viabilité des systèmes sociaux qui doivent faire mieux et plus longtemps avec moins. Les nouvelles réalités des économies et du marché du travail, de plus en plus numérisées, remettent en cause les modèles conçus au siècle dernier, qui plus est dans un environnement de plein emploi. Compétitivité et croissance sont les objectifs clés. Mais si nous oublions en route le pilier social, essentiel à l'adhésion des citoyens aux objectifs, nous allons rater le rendez-vous. Rappelons en outre que l'accroissement de la pauvreté obère toute possibilité de croissance. La société civile est évidemment à son mot à dire. Et en ce sens, nous remercions la Commission d'avoir cette initiative, car elle est extrêmement positive. Et puis, il est extrêmement intéressant aussi de voir qu'en France, eh bien, le gouvernement a choisi le CESE, bien évidemment, pour se saisir de cette question des piliers des droits sociaux européens et que deux sections sont au travail là, sur le sujet, la section travail-emploi et la section affaires sociales. S'il en était besoin, ça prouve bien que ces questions liées à l'emploi, la formation, le rôle des différents acteurs et la protection sociale sont intimement liées. Sur les questions qui nous sont posées, arriver à l'écran et devant les défis à relever, ne devons-nous pas reformater un peu le disque dur afin de repenser l'humain au cœur des dispositifs, afin que les réponses que nous allons apporter aussi soient de réelles avancées aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs et l'ensemble des citoyens qui sont les acteurs de la croissance et de la compétitivité, et ça, il ne faut pas l'oublier. Avant de continuer, on va commencer très rapidement maintenant. Madame Morin-Chartier, qui est membre du Parlement européen, ne pouvait pas intervenir directement. Et nous allons donc avoir une petite vidéo de 5 minutes environ sur, effectivement, un peu les priorités politiques et ce qui se discute. Madame Morin-Chartier, membre du PPE au sein du Parlement. et elle fait partie de la commission Travail et Emploi. Place à la vidéo, si c'est possible. Je salue la réflexion initiée par le Conseil économique, social et environnemental de la République française sur le socle de l'Europe sociale. Vous savez qu'ici, au Parlement européen et dans la Commission emploi, affaires sociales, dans laquelle je siège depuis bientôt une dizaine d'années, c'est un sujet absolument essentiel. Ce n'est pas un sujet facile, surtout à un moment où montent les populismes à travers toute l'Europe, mais c'est un sujet essentiel, tout à fait central, de travailler sur ce socle social de l'Europe. Et justement, d'abord, parce que les populismes montent. En effet, on voit bien qu'aujourd'hui, si l'on veut rapprocher l'Europe de l'ensemble de nos concitoyens, c'est par le côté humain et social que l'on va pouvoir à nouveau faire réadhérer la population européenne, les citoyens européens, avec cette très belle idée de développement de l'Europe. Et donc, pour moi, construire l'Europe sociale, c'est un passage obligé de la lutte contre les nationalismes, de la lutte contre les populismes. Et là, il n'y a pas à s'égarer. Mais s'il fallait un autre argument, il faut absolument se tourner vers toutes les études que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Le premier point qui me semble tout à fait essentiel dans ces études et qu'il faut absolument retenir, c'est que d'ici 2025, nous allons avoir 15% des métiers de bas niveau de qualification qui vont disparaître. Qu'au sommet de la pyramide de l'emploi, nous aurons besoin de 15% de plus de métiers de très haut niveau de qualification. Et donc, il s'agit de faire bouger l'ensemble de la pyramide de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça n'est pas la formation qui va nous permettre de répondre aux nouveaux besoins. Les gens sont déjà dans l'emploi, les salariés sont dans l'emploi, et il nous faut les faire évoluer. Évolution de l'ensemble de la pyramide de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir procéder très rapidement à des évaluations de compétences, à des validations de compétences pour pouvoir faire progresser les uns et les autres dans la pyramide de l'emploi. Le deuxième point, extrêmement important, c'est que les 10 métiers qui recrutent le plus aujourd'hui n'existait pas il y a 10 ans. On voit donc qu'il y a un renouvellement des besoins des entreprises et qu'à ce renouvellement des besoins des entreprises, la formation initiale seule ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que le temps de la formation n'est pas le temps de l'entreprise. Le temps de l'innovation, le temps de la recherche, le temps de l'évolution dans les entreprises est beaucoup plus rapide. Donc il faut à la fois avoir une évolution dans le concept même des formations, mais aussi il faut que l'évolution dans l'emploi, la validation des compétences puisse permettre de répondre à ces nouveaux besoins. Enfin, le troisième point, c'est que nous avons toujours, et particulièrement en France, mais aussi au niveau européen, réfléchi à la formation et à l'entrée sur le monde du travail en termes de diplôme. Or, aujourd'hui, on voit bien que toute cette mobilité, qui est aussi bien une mobilité géographique qu'une mobilité dans l'emploi, ne peut être portée que par une formation par compétence, parce que seule la formation par compétence permet à la fois l'évolution professionnelle dans l'entreprise, mais permet aussi une meilleure lisibilité, une meilleure transférabilité, une meilleure évolution dans l'ensemble des postes. Donc on voit des changements tout à fait considérables en matière de formation pour répondre aux besoins de l'emploi. Effectivement, là, nous sommes tout à fait au cœur du sujet et sur cette table ronde que vous avez remarqué, cette table ronde, elle est un peu scindée en deux blocs, mais qui quand même sont intimement liés. Et sur la première partie, sur cette première partie qui interroge beaucoup et qui interroge aussi en termes de questions, il y a plein de questions dans cette première question. J'aurais voulu avoir un peu... la parole déjà à Madame Épaulard, qui représente France Stratégie, qui a travaillé plus particulièrement sur les questions, spécialiste des questions du chômage au niveau européen. Et quand on parle stratégie européenne de marché du travail, il faut surtout ne pas oublier ceux qui, effectivement, n'en ont pas ou sont en demande pour pouvoir avoir un travail. Donc, je pense que... Écoutez, Madame Épaulard, bon, on vous laisse à peu près, allez, 5-6 minutes. Ensuite, on donnera la parole... Jean-Paul Fourier et à Franca, peut-être aussi pour exprimer leur point de vue sur le sujet. Madame Épaulard. Merci beaucoup. Je crois que mon micro marche. Je n'ai pas compris combien de temps vous me laissez. 5 minutes ? 5, oui, 5-6 minutes. Alors, je me présente, je suis Anne Épaulard, je suis conseillère scientifique à France Stratégie et sinon je suis professeure à l'université de Paris-Dauphine. Auparavant, j'étais sous-directrice au Trésor et j'étais en charge des politiques macroéconomiques. Pour défendre les positions françaises, à l'intérieur enfin, les positions du ministère des Finances à l'intérieur de la France et les positions françaises, soit au niveau européen, soit au niveau international, plutôt du G20. Alors, dans ce cadre-là, et j'ai continué cette réflexion quand j'étais à France Stratégie, on s'était interrogé sur ce que pourrait comprendre un budget européen. Et la première chose qui est venue à l'idée, c'était d'organiser une assurance chômage au niveau européen. Et pratiquement, ce qu'on a essayé de faire, c'est une fois qu'on a dit ça, essayer d'introduire une assurance chômage au niveau européen. On rentre dans un million de détails qui font que les choses paraissent initialement infaisables, mais il y a plusieurs schémas qui, de fait, sont réalisables et ça pourrait être un premier socle vers une harmonisation des droits européens. Alors, l'intérêt de d'une assurance chômage, elle est à la fois pour l'individu, parce que l'individu, quand ses revenus diminuent, quand il devient au chômage, ben, il est en partie... il y a un amortisseur social. Mais au niveau macroéconomique, l'intérêt est aussi énorme. C'est qu'au moment où un pays rentre dans une crise relativement importante, lorsque le nombre de chômeurs augmente, cette assurance chômage au niveau du pays déjà aide à absorber une partie du choc négatif que subit le pays. Parce que si en plus les chômeurs n'étaient pas indemnisés, on voit bien qu'ils réduiraient leur consommation et ça rendrait la crise encore plus importante. Donc c'est ce qu'on appelle un stabilisateur automatique. Est-ce qu'on peut étendre ça et quel serait l'intérêt d'étendre ça au niveau européen? Alors, au niveau de chaque pays, si on regarde, il y a une tendance générale qui est tout à fait compréhensible, c'est quand les choses vont bien, il y a moins de chômeurs et il y a plus de revenus. Et donc la tentation, c'est éventuellement d'accroître la générosité du système d'assistance chômage et ou alors de réduire les cotisations qui pèsent sur les entreprises. Et puis quand les choses vont mal, quand les chômeurs arrivent, ben, il y a moins de revenus qui viennent des cotisations chômage et il y a plus de chômeurs à indemniser, donc il y a un déficit. Et là, la tentation est forte de réduire les droits au chômage au moment pile où les gens en ont le plus besoin ou alors d'accroître les cotisations pour financer ce surcroît d'allocation chômage à verser. Et donc, initialement, au niveau macroéconomique, les politiques d'assurance chômage ont la belle propriété de contribuer à amortir le cycle économique, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du pays. Mais la tentation est toujours forte par ce jeu de restreindre les droits quand ça va bien, quand ça va mal et de les augmenter quand ça va bien. On a tendance un petit peu à réduire cette efficacité de l'assurance chômage. Donc est-ce qu'on ne peut pas, en passant en partie d'une dimension nationale à une dimension européenne, éviter certains de ces écueils et laisser pleinement jouer pour tout le monde et en toute période, que les temps soient bons ou surtout que les temps soient mauvais, qu'il y ait beaucoup de chômage, est-ce qu'on ne peut pas gagner un petit peu en élargissant le champ de la couverture pour que les pays qui vont bien à un moment donné, plutôt que de réduire leur cotisation de chômage, financent les chômeurs des pays qui vont mal, et à l'inverse, que les pays qui vont mal, plutôt que de voir leur déficit se creuser et dépasser la fatale borne des 3%, ne peuvent pas avoir un petit peu de répit de ce côté-là. Alors, plusieurs mécanismes sont envisageables pour mettre en place cela. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, lorsque le chômage augmente beaucoup dans certains États, l'État central paye pour un allongement de l'assurance chômage qui passe usuellement de 6 mois à 1 an. Donc les 6 mois supplémentaires, dans le cas américain, lorsque le chômage est élevé partout, les 6 mois supplémentaires ne sont pas payés par l'État, mais sont payés par le budget fédéral. Donc est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de cette nature, dont on montre qu'aux États-Unis, ça contribue effectivement à faire du bien aux États qui sont en mauvaise posture, sans trop pénaliser ceux qui sont dans une meilleure posture. Alors en Europe, ça ne peut pas prendre exactement la même forme, parce que d'abord, on n'est pas aux États-Unis, et puis parce que je crois qu'en France, on ne serait pas d'accord pour que... on n'est que 6 mois d'allocation chômage et qui passerait à 1 an si l'Europe le voudrait bien. Donc je crois qu'on a quand même un système qui nous est propre. Chaque pays a probablement un système dans lequel qui l'intéresse. Et donc on pourrait juste imaginer, et ça c'est faisable, on a fait les calculs et ça ne demande pas énormément de transfert, de créer une assurance chômage européenne qui ne rentrerait en vigueur que lorsque certains pays, enfin, lorsque un pays qui participerait au système est spécifiquement touché par une augmentation brutale du chômage, par exemple 2% de plus que la moyenne qu'il avait pendant les 5 ou les 10 dernières années précédentes. Avec un système comme ça, donc on imagine pendant 2 ans, si jamais vous avez un taux de chômage qui est bien plus élevé que ce que vous avez l'habitude d'avoir, eh bien, au niveau européen, il y a une solidarité et une partie de l'assurance chômage que vous versez à vos chômeurs est de fait prise en charge au niveau européen. On a fait des petites simulations, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement très coûteux et qui permettrait effectivement de rompre avec cette tendance qui fait que quand un pays a beaucoup de chômeurs, son déficit s'accroît et comme il doit payer plus d'assurance chômage, ben, il a du mal à faire jouer ces stabilisateurs automatiques. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui ont été faites. La précédente Commission européenne était très, très allante sur le sujet, surtout la Direction générale de l'emploi. Le Parlement européen, de même, était assez intéressé. La DG ECFIN, qui est l'économie-finance, était plus dubitative, mais quand même intéressée pour voir s'il y avait des choses à en tirer. Bon, y a énormément de travaux qui sont faits actuellement. Je crois que c'est une piste qu'il faut creuser encore et qui, encore une fois, je voudrais vous rassurer, qui ne signifie pas nécessairement qu'il y a une harmonisation des droits au niveau de tous les pays européens. C'est peut-être quelque chose vers quoi on pourra aller, mais on n'a pas besoin d'avoir fait cette étape pour pouvoir passer à l'assurance chômage européenne. Finalement, je voudrais dire quelque chose que lorsqu'on parle de ça au niveau européen, en tant que Français, on n'est pas nécessairement bien reçu. La raison étant que ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un chômage qui est élevé tout le temps, même quand les choses vont bien, et que le fait qu'on soit incapable de réduire le niveau du taux de chômage en France nous enlève un petit peu de légitimité lorsque l'on souhaite parler d'un mécanisme d'assurance chômage au niveau européen. Donc ça nous met dans une position parfois un petit peu difficile, il faut le savoir, et c'est plus facile, je crois, d'imposer ses vues sur ce sujet lorsqu'on est allemand. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Madame Épaulard, de cet éclairage et surtout de ces propositions. Parce qu'effectivement, c'est des propositions qui peuvent tout à fait être portées, même si, effectivement, quelquefois, on manque un peu de légitimité parce qu'on ne montre peut-être pas l'exemple, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Je voudrais m'adresser maintenant un petit peu plus particulièrement à Paul Fourier et puis à Franca, simplement pour leur poser des questions sur ce fameux serpent de mer qu'on appelle la flexibilité et la flexi-sécurité, parce que je pense que dans un marché du travail qui est en pleine évolution, c'est effectivement quelque chose qui peut à la fois être tout à fait discuté très tranquillement pour que le bénéfice, effectivement, c'est que le bénéfice il soit pour tout le monde, c'est-à-dire bien pour les employeurs que pour les salariés en termes de sécurité et de flexibilité dans le travail. Paul. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, avant de répondre à cette question sur la flexi-sécurité, je pense qu'il faut revenir aussi sur le contexte. Et il y a des choses qui ont été abordées lors du premier débat, mais je pense qu'on est obligé d'y revenir si on veut pouvoir aller vers des objectifs de protection sociale ambitieuses au niveau européen. Je remets juste le point sur la façon dont est établi le débat sur le socle aujourd'hui. Il y a un document de la Commission européenne qui est comme il est, mais qui a l'avantage d'être une bonne base de départ. Guillaume Roty n'a pas l'habitude d'entendre des gentillesses dans ma bouche concernant les initiatives de la Commission européenne, mais bon, c'est une initiative qui vaut. Et effectivement, les propos du président Juncker sur le triple A social est également une bonne base de départ. Je rappelle aussi qu'il y a un pré-rapport du Parlement européen sur le sujet et qui, là aussi, apporte un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Là où je voulais m'arrêter quand même en préambule, et ça n'a pas été trop abordé jusque-là, donc je pense que c'est nécessaire, c'est que la balle est dans le camp des États membres maintenant. Et donc on n'a pas trop abordé le fait qu'aujourd'hui il y a de telles divergences dans les États membres, et il y a de telles difficultés à s'entendre avec des sommets qui ne vont pas forcément là où on voudrait qu'ils aillent, avec des conclusions qui sont relativement faibles. Voilà. Et donc il y a un véritable enjeu, et donc l'avis du Conseil, l'avis du Comité européen, les différents avis et l'avis du Conseil précisément, l'enjeu c'est que la France porte une position forte sur la question du socle et impose sa voix, si je puis dire, dans le débat concerné. Voilà. Donc je pense que ça c'est un préalable extrêmement important. Il y a aussi le niveau d'ambition, et c'est valable également pour la protection sociale. S'il s'agit d'aller vers un socle européen minimal, évidemment, ça ne fera pas la maille, et ça fera juste, effectivement, on aura voilà, un habillement social en plus de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais revenir quand même sur ce qui a été dit, et c'est important sur la protection sociale, à propos du semestre européen. C'est vrai que le semestre européen, aujourd'hui, dans une coordination des politiques économiques et budgétaires, cite... et il y a beaucoup d'items qui parlent du social et de la protection sociale. Je rappelle que ce semestre européen s'occupe principalement de la compétitivité des États membres et de la réduction des déficits publics. Et donc, la coordination des États membres vis-à-vis de ces deux items, eh bien, a pour objet d'amoindrir, de réduire les droits sociaux et de réduire la protection sociale. Lorsque l'on parle des retraites, lorsque l'on parle de l'assurance chômage dans le semestre européen, on parle de la retraite comme étant quelque chose, un déficit à réduire, on parle de l'assurance chômage comme étant un déficit à réduire. Et donc, on arrive à une réduction des droits des chômeurs, à une réduction des droits des retraités. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'en viens à comment on va faire. Et donc, le social est devenu une variable d'ajustement de l'économie et du budgétaire, et ça c'est pas acceptable, c'est-à-dire qu'il faut, mais ça a été déjà dit, mais je pense qu'il faut insister sur ce point, il faut avoir un pilier social qui soit à égalité des piliers économiques et budgétaires. Alors derrière se pose la question des acteurs sociaux, c'est-à-dire que la protection sociale, elle ne se construit pas sans des acteurs sociaux. Et les acteurs sociaux, ils travaillent. Il se trouve que la CGT est membre de la CES, la Confédération européenne des syndicats, que de ce point de vue-là, la CES a déjà produit des documents sur le socle, et ce que j'espère, il y a une consultation extrêmement large. Mais le problème d'une consultation extrêmement large, c'est qu'on peut tout à fait noyer des contributions dans un océan d'autres contributions. J'espère, je m'adresse là à la Commission européenne qui est là, j'espère que les contributions qui vont venir des acteurs sociaux représentatifs au niveau européen, la CES et du côté patronal, Business Europe, etc., vont être pris comme étant des contributions prioritaires à regarder, je l'espère, hein, et ne vont pas être noyées, voilà. Parce que là, y compris les propositions sur la protection sociale, elles sont travaillées dans ce cadre-là, et en ce moment, l'ensemble... Et c'est pas simple, hein, je tiens à préciser que c'est pas simple forcément au sein des organisations syndicales pour trouver des positions communes là-dessus. Alors, et donc, il y a des propositions tout à fait concrètes sur le sujet. Alors... Évidemment, moi j'y reviens avant de venir sur la question sur la flexi-sécurité, se pose la question quand même du dialogue social en Europe sur cette question-là. Avancer sur une protection sociale en Europe sans relancer un dialogue social européen, ça paraît un leurre. Et aujourd'hui, les deux mandats Barroso ont été une véritable catastrophe sur le dialogue social européen. Il faut se le dire. Hein. On est aujourd'hui, on a pratiquement tout à reconstruire. Et il y a un document qui vient de sortir, une déclaration conjointe signée à la fois par les partenaires sociaux et le Conseil européen et la Commission européenne, qui est d'une faiblesse affligeante, hein, je tiens à le dire. Ce n'est pas ça qui va relancer le dialogue social européen. Donc on a besoin aujourd'hui d'une relance de ce dialogue social sur et la façon dont et notamment les organisations syndicales peuvent se faire entendre sur ce sujet-là. Alors, également, une chose à dire, c'est que sur les déficits, on sait très bien, tout le monde sait très bien, qu'il est quasiment impossible de réduire les déficits sans attaquer les systèmes de protection sociale à partir du moment où on est dans un contexte de chômage aussi massif que nous le connaissons. C'est l'emploi aussi qui crée des ressources pour la protection sociale. C'est effectivement, à partir du moment où on a des chômeurs, il faut les indemniser. À partir du moment où on a des chômeurs, il y a des cotisations sociales qui ne rentrent pas en jeu. Et donc là, il y a forcément quelque chose à faire. Et je ne peux pas me satisfaire de la réponse de la Commission européenne quand elle dit les 3%, on n'en bougera pas. Ça fait des années qu'on demande à ce que ce niveau de 3%, au moins, s'applique en tenant compte de la particularité, de la particularité des États membres et donc du fait qu'ils sont en crise ou pas. Et on demande à tout le monde de manière uniforme de respecter un déficit de 3% qui a pour effet simplement de réduire les droits sociaux et la protection sociale. Alors, j'en viens rapidement. Alors, on ne peut pas, pareil de la même façon, on ne peut pas parler protection sociale sans parler du financement. Quel financement aujourd'hui? Moi, ce qui est très préoccupant, on parlait de l'assurance chômage européenne, mais se pose quand même la question du budget européen aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut avoir des initiatives européennes, y compris en matière de protection sociale, je rappelle qu'on est dans un contexte avec des États membres qui refusent de mettre au pot. La dernière discussion sur le budget européen a été assez terrible et a été à la mode, si je puis dire, je vais caricaturer un peu, mais un peu à la mode Thatcher, hein, I want my money back, je veux mon argent en retour. Et donc à partir de là, on met de moins en moins dans le budget européen. Si on veut avoir des initiatives européennes, il va bien falloir effectivement augmenter le budget européen pour pouvoir pallier à tout ça. Alors sur la flexi-sécurité, j'en fais enfin à la question posée, mais il y en avait à mon avis pas mal également. Sur la flexi-sécurité, moi je crois que le problème, hein, c'est que ce concept, il est très mal, hein, aujourd'hui. C'est un concept en déshérence. Hein. On appelle la flexi-sécurité et on cite toujours la flexi-sécurité à la danoise. Hein. Mais il faut rappeler ce que c'est que la flexi-sécurité à la danoise. Hein. C'est une flexibilité donnée aux entreprises, certes, mais un filet de sécurité extrêmement important, avec des moyens extrêmement importants donnés aux salariés. Et toutes les autres adaptations de pseudo-flexi-sécurité qui ont eu lieu dans les États membres n'ont pas été, ne se sont pas faites sur ce schéma-là. Et donc, à partir de ce moment-là, que la Commission européenne remette la flexi-sécurité dans son document de base me paraît une mauvaise base de départ, puisque de toute façon, tous les essais qui ont été faits ont été voués à l'échec. Donc voilà, peut-être pour commencer, j'espère pas avoir été trop long. J'aimerais entendre aussi Franca Sadimani sur ce sujet-là et aussi peut-être aussi aborder déjà la deuxième partie de la question, hein, avec les nouveaux défis qui se posent à nos économies, avec un marché du travail qui est de plus en plus fragmenté, avec une économie beaucoup plus numérisée et donc tous ces problèmes qui sont liés avec les nouvelles formes de travail aussi, parce que je pense que c'est extrêmement important d'aborder ces sujets-là. parce que c'est ça aussi le monde du 21e siècle. Et donc, en termes de protection sociale, ça pose aussi un gros problème. Moi, j'aimerais bien entendre aussi, oui, Franca, sur ce sujet-là. Et puis, si les autres intervenants veulent évidemment prendre la parole, c'est tout à fait bienvenu, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on soit assez interactif sur le sujet. Le défi du vieillissement, évidemment, c'en est encore un autre. Et les transitions, comme parlait tout à l'heure Madame la députée, bon, effectivement, c'est absolument énorme en termes de mobilité, de capacité à faire. Donc, Franca, je te laisse la parole sur ces sujets-là que tu connais, je crois, très bien, en tant que membre, évidemment, du CES européen et dans le groupe 2. Et puis, tu t'occupes des questions de numérisation au sein de ton organisation et au niveau européen. Merci donc Marie-Françoise, mais merci aussi au CESE d'avoir permis cette rencontre aujourd'hui sur des sujets qui nous préoccupent. C'est quoi? C'est trop proche? C'est bon? C'est plus près? C'est bon comme ça? Je disais merci au CESE français de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer sur un sujet qui quand même préoccupe nous, d'abord dans les institutions, mais aussi les représentants qui sont aujourd'hui dans la salle et les citoyens. On a voulu que ce débat soit large en France le plus possible, donc on s'est donné les moyens d'organiser une large participation. Elle n'est pas toujours la même dans les autres 27 pays d'Europe, mais il y a quand même eu cette initiative uniforme en Europe d'organiser un débat sur ces sujets avec la société civile au plus large. Donc, ça c'est la première chose. Donc, moi je suis membre du Conseil économique et social européen, du groupe travailleurs. J'étais désignée par la CFDT. Et d'abord, je voudrais passer quelques messages généraux, rapidement, et me concentrer sur deux questions par rapport aux transitions numériques, parce que bon, beaucoup de choses ont été abordées, mais je voudrais me concentrer sur l'évolution des métiers. Hein. C'est un peu pour faire écho à l'intervenante vidéo, Madame Morin-Chartier, et aussi ce qui est en train de se passer sur une économie et des emplois de plus en plus atypiques, qui sont les emplois créés par les plateformes numériques. Alors d'abord, quelques messages généraux pour que tous ces débats, socle européen, puissent avoir un sens et une valeur. Il faut que la valeur des socles au niveau européen évolue. Il ne s'agit plus de faire des recommandations, il s'agit de faire des droits qui soient contraignants. Donc ça, c'est la première... Ah, pardon, je ne suis pas habituée. Donc, un socle européen qui soit contraignant. Ça, c'est la première chose. Donc, les statuts juridiques de ce qui va sortir de toutes ces consultations, mais j'ai fait aussi, je suis d'accord avec les collègues, avec Paul qui m'a précédé pour dire qu'il faut aussi savoir quelles valeurs ont les consultations et quelles sont les consultations, par exemple, quel poids on donne à des consultations comme celles auxquelles répond la Commission, la Confédération européenne des syndicats. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que ce socle ait des priorités bien définies et claires et concrètes qui parlent aux citoyens. Et donc, s'il y a des droits nouveaux, éventuellement, des droits clairs, des priorités, il faut qu'il y ait des investissements publics et privés. Et pour nous, il faut que ce type de socle aille plutôt vers une convergence dans les temps, certainement, mais vers le haut. Et donc, pas la remise en cause d'acquis actuels. Il faut aussi que ce socle des droits soit adaptable et adapté à une évolution qui est en cours, à l'évolution de nos sociétés avec tous les modèles traditionnels de travail, mais aussi des concertations, etc., qui sont mis à mal. Il faut que ces socles soient élaborés rapidement et pas dans 10 ans. Donc là, voilà, nous trouvons qu'il y a quelques inquiétudes au niveau du timing, vu des échéances prochaines. Donc, ce serait bien pour nous de sortir quelque chose en 2017 et un accord que soit les résultats, ce socle des droits sociaux, avec un accord contraignant entre les parlements européens, les conseils européens et les partenaires sociaux européens au plus haut niveau, avec une feuille de route claire et engagement, comme je disais, concret et des dates cibles. Et comme tout accord qui se respecte, serait bien de l'évaluer pour savoir qu'est-ce qu'il produit, est-ce qu'il va dans le bon sens ou pas. Je rappelle par exemple un objectif de la stratégie de Lisbonne, 20 millions avec des réductions de la pauvreté en Europe. Aujourd'hui, il y a plus 4 millions sur 20 millions, plus 4 millions de pauvres en Europe. Donc on ne peut pas dire que cette stratégie aujourd'hui sur cet aspect réussi, bien au contraire. Et donc, ce serait important que dans ce socle, il y ait des indicateurs qui puissent mesurer les évolutions et aussi les choix des politiques économiques, d'emploi et sociales qui sont faites. Voilà. Une fois dit ça, alors, il y a, au niveau du comité d'entreprise européen, on a exploré via des avis un peu l'impact que la numérisation a sur les secteurs, notamment les secteurs des services, mais bien sûr qui est le plus impacté, mais aussi d'autres secteurs qui sont dans l'industrie. Juste un exemple, dans le secteur de la finance et de la banque, qui est un peu le secteur les plus impactés par ces évolutions, 60% des emplois dans les 3 dernières années ont besoin se sont modifiés et ont besoin de nouvelles compétences qui sont des compétences liées au numérique. 60% des emplois dans le secteur bancaire. 46%, d'après l'Union européenne et la Commission européenne, 46% de la main-d'œuvre en Europe ne possède pas des compétences numériques, c'est-à-dire même au niveau des bases. Donc, ces changements impactent fortement les compétences et la qualité des emplois. Et donc, naturellement, il faut une stratégie européenne et l'Europe doit jouer un rôle actif dans cette évolution pour gérer ses effets sur l'emploi et sur la société. Nous ne disposons pas d'informations très fiables sur l'évolution des métiers et sur les compétences et les lacunes. Donc on a beaucoup de données ou parfois des chiffres qui viennent à droite et à gauche, mais sans vraiment des fondements. Donc il faut se doter au niveau européen de ces données assez précises. Et naturellement, l'implication des partenaires sociaux est aussi importante quand, par exemple, nous avons en France les observatoires sociaux des métiers et des compétences. En Europe, dans d'autres pays, ils les ont aussi, on les appelle autrement, des conseils sur les compétences, etc. Mais par exemple, il faut que ces genres d'études soient faites au plus près des réalités régionales, etc., mais aussi qu'elles soient consolidées au niveau européen. Donc, la première chose face à ces défis, c'est qu'il y ait des investissements importants, publics et privés, dans l'enseignement et la formation professionnelle, pour mettre en adéquation ces besoins en compétences numériques avec les travailleurs et les salariés. Donc ça, je pense qu'il y a la formation initiale qu'il faut modifier, mais aussi tout ce qui est formation tout au long de la vie, parce qu'on l'a vu, acquérir des compétences, ce n'est pas une fois pour toutes, les compétences et les besoins évoluent, et donc il faut un droit. Alors ça, c'est une proposition concrète que nous faisons aussi. Il faut un droit minimum en Europe à un congé de formation rémunéré pour acquérir les compétences fondamentales d'alphabétisation numérique du XXIe siècle. Voilà. Ça, c'est la partie, je dirais, toute petite, parce que naturellement, je n'explore qu'une petite partie de ces défis. La deuxième, c'est la protection sociale. Quand on regarde par rapport à l'emploi atypique aujourd'hui, qui est celui des plateformes créées, collaboratives, quand on parle, l'économie du partage, etc. Alors, deux choses importantes à dire et à retenir là-dessus. Nos systèmes de solidarité, de protection sociale, que ce soit sur la santé, sur les retraites, même sur la négociation sociale et sur les dialogues, sont basés sur une forme massive d'emploi classique. Or, ces formes sont en train d'évoluer pour devenir des formes d'emploi atypiques qui échappe un peu aux définitions que l'Europe, avec par exemple l'agenda pour l'économie collaborative, est en train un peu de regarder, de définir pour qu'il y ait un peu de convergence à la définition dans les différents pays. Mais ça veut dire que si demain, de plus en plus d'emplois sont créés de cette façon, qu'il n'y a pas, par exemple, d'imposition fiscale, qu'il n'y a pas de contribution des salariés, qu'il n'y a pas de contribution employeur, vous répondrez à la question de ma part, mais comment on va financer tout ça, le système de protection sociale, demain? Donc, il y a des enjeux importants, des réformes structurelles, fiscales, qui ne soient pas uniquement laissées au pays. La France commence déjà à mettre les nez avec l'URSSAF chez Uber, ou bien Marie-Lise Tournesol a annoncé dans la protection, le financement de la sécurité sociale pour l'année 2017, d'imposer les revenus des plateformes collaboratives à la hauteur de 25%, supérieur à 3 800 €. Vous voyez, mais ça, c'est des initiatives qui sont prises dans les pays, qui ne sont pas forcément très cohérentes ou convergentes, et donc l'Europe doit aussi donner des orientations là-dessus. Merci. Beaucoup de cette intervention. Forcément, je pense qu'il y a beaucoup de frustration au cours de ce débat parce qu'il y a tellement de questions abordées. Je voulais faire la transition justement sur la deuxième partie de notre table ronde, sur effectivement tout ce qui touche la protection sociale, comment assurer l'avenir et la pérennité de nos systèmes. Quelle place on peut effectivement accorder aux projets européens par rapport au principe de subsidiarité? Je crois que toutes ces questions-là, il faut qu'on les aborde. Tu as fait la transition en parlant des nouvelles économies, donc je ne vais pas m'attarder plus longuement là-dessus. Mais je voudrais interroger donc Étienne Cagnard, qui est un grand connaisseur, je dirais, des systèmes sociaux, qu'ils soient obligatoires ou complémentaires, qui est évidemment membre du Conseil économique et social et vice-président de la section des affaires sociales. Donc, merci Étienne. J'aimerais qu'on dresse un petit peu ce panorama pour dire quels sont les défis qui se présentent à nous pour assurer la pérennité de nos systèmes sociaux et donc assurer finalement cette cohésion sociale qui nous apparaît aujourd'hui encore plus nécessaire qu'elle n'était il y a peut-être quelques années en arrière. Merci, ça marche là, oui. Merci Marie-Françoise, c'est effectivement extrêmement difficile de répondre à l'ensemble des questions. Je m'appuierai pour répondre finalement sur la question telle qu'elle est formulée. Les trois adjectifs qui sont accolés aux nouveaux besoins, c'est efficace, utile et nécessaire. Alors, moi, je suis toujours frappé d'une chose depuis très longtemps, quand je regarde les politiques sociales, que ce soit dans d'autres pays ou ailleurs, c'est l'insuffisance d'évaluation des politiques sociales. Et cette insuffisance d'évaluation, elle porte aussi en elle-même un affaiblissement des politiques sociales parce que ça permet tous les jugements sur les politiques sociales. Et des jugements qui très souvent ne sont pas étayés, ne sont pas argumentés. Et je crois qu'un des très grands défis, je vais y revenir, c'est d'essayer de démontrer l'efficacité, le niveau de performance des politiques sociales. On ne peut pas affirmer, comme le fait la Commission, et s'en satisfaire aujourd'hui, il n'y a pas de performance économique sans performance sociale, sans se dispenser d'évaluer la performance sociale. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'affirmer sans démonstration. Ça renvoie d'ailleurs à un débat qui est un débat qui a été effleuré par beaucoup d'intervenants aujourd'hui. C'est parfois le scepticisme vis-à-vis des institutions parce que on confond parfois l'institution et la finalité qu'ils recherchent. C'est ce que Sofia Fernandes ce matin disait en parlant de la croissance, en disant finalement la croissance c'est un moyen, c'est un outil, ce qui est intéressant c'est au service de quoi mettons la croissance. Et cette question effectivement de la finalité des politiques, elle me paraît essentielle au moment où nous avons effectivement extrêmement de facteurs qui nous poussent au changement. Prenons l'exemple du vieillissement. Le vieillissement, ça interroge toutes nos politiques sociales et de redistribution. Ça interroge évidemment la place des personnes âgées dans la société, ça interroge la place respective de la période que l'on vit dans le monde du travail et en dehors du monde du travail, ça interroge la fiscalité est celle qui est attachée à la transmission des patrimoines. Aujourd'hui, de plus en plus, on a une concentration de la richesse sur les âges élevés et une transmission de patrimoine qui se fait de vieux retraités à jeunes retraités, si je veux faire de la provocation, avec toute la stérilisation de moyens économiques qui sont effectivement finalement destinés à de l'épargne, beaucoup plus à de la rente qu'à de l'investissement. Donc on a des sujets majeurs. Si je prends l'exemple de la santé, en deux mots, l'effet majeur du progrès médical, il a porté sur l'allongement de la durée de vie sur les personnes âgées. Aux âges plus faibles, c'est moins la performance de notre système de santé qui joue que les comportements, l'organisation de la société. Donc on voit bien que sur des sujets comme cela, on se retrouve avec des défis très compliqués. Sur le système de santé, on a tendance aujourd'hui à privilégier les interventions techniques et à négliger l'accompagnement, alors que l'accompagnement, c'est le résultat du progrès médical. On vit aujourd'hui avec des pathologies beaucoup plus longtemps, avec des pathologies chroniques, on vit plus longtemps, donc il faut répondre à ce type de défi. Donc on voit bien que ces enjeux, ils sont majeurs. Pour y répondre, moi j'ai un seul mot à la bouche, c'est de regarder l'effectivité des droits, l'exercice des droits, beaucoup plus que les droits eux-mêmes. On vit depuis très longtemps, et notamment en France, en se satisfaisant du fait que chacun peut bénéficier des mêmes droits. On néglige le regard sur l'effectivité des droits, l'accessibilité aux droits, leur exercice réel. Et aujourd'hui, on a des éléments de changement dont vous avez parlé. C'est le numérique, c'est le digital, qui évidemment transforme les métiers, transforme beaucoup de choses, mais nous donne aussi accès à des données de façon beaucoup plus facile qu'auparavant. Et on peut aujourd'hui beaucoup plus facilement mesurer les résultats d'une politique sociale. Et je pense que ce débat sur les indicateurs pertinents pour mesurer une politique sociale est un débat au centre de la rénovation des droits sociaux et de la satisfaction des besoins au niveau européen. Alors, il y a beaucoup de pistes. Anne Épaulard nous a d'ailleurs indiqué une piste très intéressante qui consiste non pas à rester dans la logique de convergence des droits nationaux, mais finalement de sauter une étape en regardant la convergence des droits nationaux et en regardant s'il n'y a pas un étage européen qui peut permettre cette convergence ou de l'accélérer ou de la faciliter. Et je crois qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels ce type de démarche intellectuelle peut permettre effectivement d'avancer à une condition, c'est qu'on mette en place les outils d'évaluation, les outils de mesure qui me paraissent absolument essentiels. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a un débat, et je terminerai là-dessus, qui apparaît de plus en plus aujourd'hui au niveau européen. C'est celui du non-recours au droit, du non-take-up, puisque c'est l'expression qu'on emploie effectivement dans le monde anglo-saxon. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, et c'est pour moi une des traductions de cette situation, de l'écart qui se creuse entre l'existence de droits et l'exercice des droits, la chose la plus qui caractérise le plus les politiques sociales et dans tous les pays, c'est l'augmentation du non-recours au droit. Alors ça mériterait beaucoup d'approfondissement parce que le non-recours au droit a beaucoup de causes, beaucoup de raisons extrêmement différentes, mais ça montre effectivement qu'on a besoin d'outils de mesure, et dans besoin d'outils de mesure, et ça rejoint ce qu'Emeline Weber disait tout à l'heure, qui nous ramène dans la vie des gens de tous les jours, c'est-à-dire de regarder ce que concrètement les politiques sociales transforment dans notre existence. Et je pense que cette grille de lecture est une grille de lecture absolument majeure. Si on veut faire du socle européen des droits sociaux une chance pour l'Europe, pour un rééquilibrage des différents piliers, pour une crédibilité de l'institution européenne auprès des citoyens, il faut absolument qu'on garde totalement présent à l'esprit cette question de l'effectivité, de l'accessibilité aux droits. Alors pardon, je n'ai pas répondu peut-être exactement à la question, mais je pense que c'est une grille de lecture absolument majeure, précisément pour permettre d'apporter une réponse positive à la pérennité des droits sociaux. Ils ne seront pérennes, crédibles et efficaces économiquement comme socialement que s'ils démontrent leur efficacité. Merci Étienne de cet éclairage et je pense qu'effectivement c'est absolument fondamental. On a une petite dernière question qui est effectivement sous-tendue par toutes les questions qui sont là et que Paul avait déjà abordée tout à l'heure. C'était la question des différents acteurs. Quand on parle protection sociale, quand on parle travail, quand on parle économie, quand on parle dans une société qui se veut démocratique et évoluée, on parle des acteurs. Pour légitimer effectivement ce qu'on peut appeler les accords qu'on peut mettre en place et les différentes politiques. Donc je pense qu'on se consacre 5 minutes, donc 2 minutes à Paul, 2 minutes à Étienne. Alors ça va faire plus que 5, 2 minutes à Franca et Madame aussi, et Paula, si vous souhaitez prendre la parole sur le sujet. Mais bon, pour parler effectivement du rôle des différents acteurs qui est absolument essentiel pour mener à bien un certain nombre de politiques. Oui, donc je vais être assez court parce qu'effectivement j'ai abordé ce point-là précédemment. Les différents acteurs, moi effectivement je vais regarder du côté des acteurs sociaux hein, sur leur importance. Je l'ai cité, c'est-à-dire qu'il y a la question des acteurs sociaux européens, la question des acteurs sociaux nationaux. Et on sait que dans le cadre de la subsidiarité, ce sont des compétences des États membres, donc les acteurs sociaux nationaux ont une forte importance. Sur les questions de protection sociale, on est souvent en France dans le cas du paritarisme par exemple. Et la question de l'assurance chômage, la question de la retraite, bon, il y a un certain nombre de questions qui emmènent une implication forte des acteurs sociaux nationaux. Et donc, c'est aussi la nécessité qu'ils puissent se mobiliser pour le bien commun. Je ne vais pas parler de l'échec des négociations actuelles sur l'assurance chômage, mais c'est aussi le signe d'une incapacité peut-être d'aboutir sur des sujets qui sont majeurs et sur lesquels on a clairement des choses à dire et sur lesquels on ne doit pas se limiter uniquement à regarder comment on réduit les droits des chômeurs. Donc voilà. Donc ça, il y a une vraie responsabilité de ce côté-là, mais il y a également une vraie responsabilité. On a parlé de l'acquis communautaire et Guillaume Roty en a parlé. Il y a un moment donné où, et malheureusement c'est un peu en déshérence cette histoire-là aussi, où les accords qui étaient conclus par les acteurs sociaux européens pouvaient être traduits dans des directives. Et ça, malheureusement, ces dernières années, on a eu une baisse de ce genre de choses. C'est-à-dire que finalement, on avait de plus en plus de textes de la Commission venant ou des institutions, et finalement de moins en moins incluant ce que disaient les acteurs sociaux. Donc ça, on a besoin de revenir aussi à ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu et c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, c'est-à-dire que la déclaration sur le dialogue social fort en Europe, je crois que c'est son titre, elle est loin d'être forte cette déclaration et donc on a besoin de changer de braquet, on a besoin de considérer ce qu'ils ont à dire, on a besoin de les considérer comme des acteurs qui ont aujourd'hui, surtout sur la question de la protection sociale, des choses extrêmement importantes à dire. Sur ce sujet-là, parce que bon, vous avez été aussi, je pense, bon, au cœur, vous avez eu des postes de direction, à la fois sur la vision politique de certaines choses, et puis peut-être la vision, bon, évidemment technique, mais aussi la vision aussi en face, bon, de gens qui forment la société civile et les corps, je dirais, intermédiaires. Donc, je pense que c'est intéressant sur la vision que vous avez des acteurs et du rôle de chacun, finalement, peut-être. Dans cette organisation des systèmes de protection sociale. Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur un exemple que j'ai vécu il y a 15 ans. C'était celui des États généraux de la santé que j'avais eu la chance d'organiser en France. Et j'en tire avec le recul 2 leçons. Un moment extraordinaire d'émergence d'une parole qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, notamment celle des personnes malades, celle d'un certain nombre de minorités. Et en même temps, une limite qui est celle que Paul a soulignée tout à l'heure en disant « n'oublions pas de hiérarchiser finalement la parole des acteurs de la société civile et de ne pas mettre toutes les paroles sur le même plan parce que ça devient assez inefficace ». C'est l'obstacle qu'on n'avait pas su résoudre au moment des États généraux. Et on a eu finalement une cacophonie sans hiérarchisation des prises de parole. Ça donne évidemment des résultats extrêmement positifs avec la loi sur les droits des malades, mais on n'a pas été au-delà dans la réflexion sur la gouvernance à cause de cette absence de hiérarchisation. Et je pense que c'est important de trouver le juste équilibre entre les deux. l'émergence de voix qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, qu'on ignore pour différentes raisons, parce que finalement, ce qui nous dérange, on préfère le laisser cacher à un certain nombre de moments. Et puis, la présence des voix plus institutionnelles qui représentent quelque chose dans la société. Et on a là beaucoup de défis devant nous, notamment celui de l'articulation entre le monde du travail et en dehors du monde du travail. Et ça ne veut pas dire que le monde paritaire est illégitime quand il ne s'agit pas du monde du travail. Il y a évidemment des sujets qui le sont, mais il y a d'autres acteurs qui pèsent aussi et qu'on n'entend pas aujourd'hui. Et il me semble, mais ça c'est un peu un tropisme personnel à travers mon expérience, qu'un des domaines dans lesquels les acteurs de la société civile peuvent apporter beaucoup, c'est celui précisément de l'élaboration des indicateurs et des outils de mesure. On ne mesure que ce qu'on a envie de mesurer et très souvent on laisse complètement côté des vérités qui nous dérangent. Et je pense que de ce point de vue-là, l'exercice de contre-pouvoir de la société civile en déterminant, et c'est un élément important qu'il faudra qu'on prenne en compte dans la réflexion du CESE sur la construction des indicateurs, on voit bien qu'un indicateur dans le monde du travail qui est celui du revenu minimum doit être pondéré par exemple par le nombre d'emplois qui coûtent moins que le revenu minimum et qui sont évidemment extrêmement nombreux pour des tas de raisons. Et des exemples comme cela, je pourrais les multiplier. Il est extrêmement important de travailler, et je pense que là-dessus, la société civile et les acteurs de la société civile ont un rôle majeur sur les outils de mesure pour effectivement influencer les politiques publiques. Franca, tu souhaites rajouter quelque chose sur le rôle des partenaires sociaux où je pense que, bon, on a bien un petit peu ciblé. Madame Épaulard, vous pensez, vous souhaiteriez vous exprimer sur le rôle des parties prenantes? Pas forcément. Oui. Enfin, c'est vrai pour n'importe quel dossier, dès lors qu'il y a négociation, très souvent, c'est celui qui a le plus travaillé, qui met le plus de choses sur la table, qui a la plus grande capacité de réaction, qui finit par l'emporter, ou qui finit par emporter plus que ce qu'il aurait pu avoir auparavant, ex ante. Et donc... il faut réfléchir à comment s'organiser dans les négociations pour avoir justement cette force de travail, alors bénévole ou pas, qui permette la réactivité et pas essayer de ne pas être sur des positions, établir des positions de façon coopérative, de façon consensuelle en son sein, et puis après ne pas avoir prévu une liste de points sur lesquels on peut bouger avec des bons arguments et sur lesquels on ne veut pas bouger avec de bons arguments. Et ça permet vraiment de la réactivité mais ça, au moment de la négociation. Mais ça, il faut énormément de travail. Il y a énormément de travail derrière ça. Soit ça coûte cher, soit il faut des bénévoles. Enfin, mais il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à obtenir quelque chose, en ayant des choses à mettre sur la table et une capacité de réaction très forte. Si, c'est du vécu, je pense. Question de la salle. Maintenant, on laisse un petit peu la part au débat parce que avant l'expression d'Aminata. Merci. Alain Ternault, président de l'association Alternor, qui s'occupe de la réduction des inégalités et de la pauvreté par la responsabilité sociétale. Ma question, je vais commencer par juste un exercice d'exposé donc du contexte. C'est que là, nous sommes dans un contexte qui traite de la question relations, conditions de travail, protection sociale, etc., qui s'inscrit dans les 6 questions centrales de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. D'une part, et d'autre part, toujours dans cette responsabilité sociétale, je fais allusion à l'ISO 26000, qui s'inscrit dans la question communauté de territoire et développement local. Donc on est bien dans cette structure-là. L'autre aspect, on a évoqué la question du travail. J'ai eu la chance de participer récemment à un débat, un travail menée au sein de l'ancienne école polytechnique par le ministère de l'enseignement supérieur qui s'appelait « Travail en transition, savoir en débat ». Je pense que ça, c'est effectivement une question, une problématique qui est parfaitement posée par l'évolution du travail et voir les savoirs qui l'entourent. Troisième remarque, cette ISO 26000, la responsabilité sociétale, est directement issue des travaux des gens qui, à l'international et en France, ont travaillé sur les sciences du danger, que les anglo-saxons appelaient Syndinix et que, par voie de conséquence, les francophones ont appelé Syndinik, hein, du grec kindunos, le risque, et qui fait une lecture des difficultés du risque. Et je prends par exemple la difficulté du risque de la disparition. Je pense que l'Union européenne est effectivement soumise à un risque ontologique. Et je dis pourquoi, c'est que les valeurs, par exemple, pour prendre les valeurs de la France, ne sont pas identiques aux valeurs de l'Europe, alors que les finalités peuvent être identiques, savoir la paix, le bonheur, etc. Ça peut être identique. En revanche, les valeurs ne le sont pas. Et donc là, ça fait partie des difficultés à résoudre qui sont solvables, qu'on peut résoudre. Encore faut-il prendre les moyens théoriques. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Je crois que les syndiniques doivent inspirer nos travaux, l'analyse des risques et les attitudes à avoir, puisque les syndiniques démontrent qu'on peut parfaitement avoir une capacité de prévention. Et je crois que nous sommes ici tous des préventeurs de risques, quelque part, chacun dans son domaine. Sur un point plus précis, puisque j'ai la question... Mais... Non, mais d'accord. Alors, c'est une question pour madame qui... Voilà, ancienne directrice adjointe du Trésor. J'ai un grand respect pour la Constitution française évolutive. Je n'y vois pas le fait que la logique la logique du bon sens dit que quand il y a des problèmes à résoudre, on commence par identifier les besoins et ensuite on cherche les possibilités. Or, aujourd'hui, il semble que le débat soit systématiquement verrouillé. On commence par les dépenses. Et une fois qu'on a fait les dépenses, on s'occupe de à quoi on les affecte. Est-ce qu'il y a une raison légitime que le Parlement fonctionne comme ça? Faire l'inventaire d'abord des besoins et ensuite l'inventaire des possibles. Monsieur, de votre intervention, bon, de la question qui a été posée, votre réponse, puisque c'est vous qui êtes interpellé. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec le constat selon lequel on dépense d'abord et après on cherche la raison pour laquelle on a dépensé. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Quand on vote le budget... Pardon ? Enfin, ouais. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne un petit peu trop du débat. Oui, parce que bon, c'est une question purement, je dirais, purement nationale. Et bon, on est sur des débats européens. S'il y a d'autres questions dans la salle. Merci. J'ai une question courte, une vraie question. Comment améliorer, optimiser la lisibilité de ces réflexions en faveur d'une Europe sociale ? Vous nous présentez une image qui est celle d'un nouveau creuset auquel on réfléchit pour affronter la transition. Je recommence. Comment optimiser la lisibilité des actions au niveau européen, permettant de montrer l'implication réelle en faveur de la transition, de prise en charge du contexte vieillissement populationnel, etc., pour que ça soit vécu de façon positive. Une dernière fois, on a un manque d'image, c'est un travail fondamental que vous présentez, et ce n'est pas lisible. Comment faire ? Qui se lance. Dans mon intervention, j'ai essayé d'expliquer pourquoi il faut quand même que ce socle, s'il verra la lumière, il soit clair, avec des priorités qui ne sont pas un catalogue à l'après-vert. Voilà, qu'il soit lisible. Et si, par exemple, on donne un droit de formation, un passeport formation qui est transférable à tout travailleur en Europe, qu'il soit dans le digital ou dans l'économie classique, ben, moi, il me semble un truc concret, par exemple, et intelligible, compréhensible, etc. comme l'a été le projet Erasmus en Europe pour les étudiants, ou comme il est clair que demain, il n'y aura plus de frais d'itinérance sur les mobiles et qu'en Europe, on se sentira toujours chez eux avec notre portable, par exemple. Une dernière question. Je suis le président de la Fédération interrégionale pour le développement de l'emploi des seniors. Alors à Lisbonne, il y a un objectif qui avait été fixé de taux d'emploi des seniors de 50% pour le 1er janvier 2010. On est en 2016, la France est à 47,8, l'Europe est à environ 53,3, donc nous on est largement au-dessous. Donc on n'est pas bon, ça c'est un point. Mais l'autre point, c'est quel est l'intérêt pour l'Europe de fixer des objectifs si elle ne se donne pas les moyens de les attendre, notamment par les stratégies qui permettent effectivement de remplir les objectifs. Merci. Paul, je peux bien intervenir sur cette dernière question parce que je pense que la réponse, ça va être plus facile, est donnée par M. Servoz qui est arrivé, qui est le directeur général de la DG Emploi, qui pourra donner plus d'éléments dans sa conclusion. En tout cas, si d'autres veulent intervenir sur la tribune là-dessus, mais je pense que c'est la Commission qui est directement interpellée là-dessus. Oui. Voilà. Oui, juste peut-être une petite remarque sur les deux propos qui viennent d'être tenus sur finalement comment on prend en compte la lisibilité et puis les questions des objectifs. Juste pour dire qu'on est beaucoup dans une logique descendante quand même, hein, c'est-à-dire dans une logique où c'est décidé au niveau institutionnel, où c'est décidé au niveau des institutions européennes ou au niveau de l'État, et relativement peu en partant des besoins qui sont exprimés au niveau du terrain. Bon, voilà. Et donc moi évidemment je vais plaider pour la chapelle des syndicats puisque je suis syndicaliste, mais il y a quand même, à partir de là, il y a quand même dans la présence qu'on a dans les entreprises vis-à-vis des salariés, quand même un certain nombre de questions qui se posent, qui mériteraient d'être remontées, là, pour le coup, hein, dans une logique ascendante cette fois-ci, de façon à partir effectivement des besoins, des souffrances aussi dans un certain nombre de cas. Voilà, donc c'était juste pour cette petite remarque, parce que des objectifs, on les fixe, mais alors on les fixe, des chiffres, on en fixe beaucoup au niveau européen, et il y en a peu qu'on arrive d'ailleurs à tenir, si je puis dire. Étienne? Oui, non, juste un mot. Je partage la plupart des remarques, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. C'est-à-dire qu'on voit bien que partir des besoins, c'est indispensable. On ne satisfera jamais les besoins de toutes les parties prenantes. Et une décision par nature, c'est un arbitrage. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre qu'une décision, elle ne peut pas être acceptée si elle n'est pas expliquée. Et là, on est vraiment, je pense, pour l'Europe, dans la pire des situations, parce que c'est complexe, on est très loin des aspects concrets. Le débat, quand il existe, même celui-ci sur le socle des droits sociaux européens, et Paul l'a rappelé tout à l'heure, il est peu hiérarchisé, peu priorisé. Et finalement, il est extrêmement difficile de voir quelles sont les opinions les plus structurantes qui se dégagent, ce qui n'est pas le cas dans une négociation où effectivement le facteur travail peut être le facteur discriminant. Et à partir de là, on a beaucoup de mal à comprendre les décisions. Et je pense qu'un des sujets majeurs, c'est de partir en amont du processus de décision, de réfléchir à la façon dont on fait ressortir les différentes expressions et obliger le décisionnaire à expliquer ses décisions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont partagées par tout le monde, mais ça veut dire qu'on est dans un processus de maturation des décisions beaucoup plus explicite, et je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ce n'est pas propre à l'Europe, mais l'Europe finalement cumule les inconvénients dans ce domaine. Je crois que ça pourrait être le mot de la fin. Merci Étienne, parce que cette conclusion était, je pense, assez parfaite et remarquable. Et que merci aux intervenants sur des sujets aussi complexes, sur des sujets qui interrogent, et on voit qu'il est toujours extrêmement difficile d'essayer de se projeter sur des systèmes qu'on voit apparaître mais qu'on n'a pas encore assez appréhendés, et que par rapport à tous ces défis qui sont à nous, pour une fois que la société civile est vraiment interpellée sur le sujet, vraiment là, nous devons faire une synthèse qui va remonter après au niveau du Comité européen, qui sera relayée au niveau de la Commission. Ce serait absolument dommage de rater le coche, hein, et de vraiment montrer aussi que, bon, on n'a pas tellement parlé du modèle social français parce qu'on est au niveau européen. on a quand même des choses très bien dans notre modèle social et que c'est forcément quelque chose qu'on doit réfléchir aussi en termes de transférabilité. C'est aussi ces questions-là qu'on doit se poser. Merci à tous en tout cas. Je redonne la parole à Christophe. Merci pour cette deuxième table ronde et merci Marie-Françoise pour l'animation. Juste avant de passer la parole à M. Michel Servoz, qui est le directeur général de la DG Emploi, à la Commission européenne. Je voudrais simplement, cette fois-ci, poser la question, parce que vous le savez, on a quand même, donc, dans notre avis du CESE français, nous avons deux sections qui sont à l'origine, qui vont travailler sur ce sujet. Et donc, je voudrais simplement une courte réaction des présidents des deux sections, Affaires sociales et Emploi, sur un petit peu la façon dont vous envisagez le travail de cet avis par rapport à les pistes qu'on vient de voir ce matin. Donc, si, je ne sais pas, Sylvie ou Anne. Oui, alors, avant de parler des travaux de notre section, je voudrais quand même souligner encore une fois l'importance de ce débat, son importance politique et son importance sociale. Il est vraiment le bienvenu parce que nous avions besoin d'entendre au niveau de la société civile en tout cas que les dirigeants s'occupent de l'Europe sociale. Alors, moi, je partage assez la position de Mme Morin qui est députée européenne, qui a souligné la question de la montée du populisme. Je pense que cette montée du populisme, il faut l'avoir en tête parce que c'est ça qui nourrit aussi tout le mal-être. Et cette question se nourrit des guerres, parce qu'il y a quand même une guerre qui se mène aujourd'hui au niveau international et qui met des mouvements de personnes en route qui est un risque majeur, qui est perçu en tout cas comme un risque majeur pour les populations. Alors, la perception par le peuple de l'Europe, évidemment, c'est toujours cette contrainte. Et l'exemple vécu par la Grèce a été un effet dévastateur qui a été poursuivi avec le vote des Britanniques en la matière. Donc, il faut vraiment tout faire pour arriver à cette inversion de la perception des peuples contre l'Europe, une Europe protectrice, garante de l'effectivité des droits sociaux. Alors, le CESE, notre section est saisie de la question, donc nous le travaillons avec la section du travail. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les différents avis qui ont été rendus, on a une perception quand même de comment on devrait inscrire les droits sociaux. Nous pensons au niveau du CESE qu'il faut les prescrire dans un parcours de vie. Et donc la question de la petite enfance qui a été évoquée ce matin, de la jeunesse, de l'égalité professionnelle, le vieillissement, tout ça s'inscrit dans ce parcours-là. Et si on arrive à tenir la cohésion entre les différentes politiques en la matière, parce que si je prends l'exemple de la France, on est dans des politiques de silos où on perd énormément de temps et de moyens à essayer de travailler en bonne efficacité pour régler la situation des personnes. Monsieur Étienne Cagnard vous a dit, un de nos rapporteurs, que la question de l'évaluation des politiques publiques est centrale. Au niveau de notre section, on en fait vraiment un enjeu de notre avis, tout comme la question qui est liée à la question de l'effectivité. Et nous avons aussi abordé la question de la portabilité des droits, qui est essentielle lorsqu'on est citoyen européen, mais aussi la question de l'universalité. Donc ça interpelle l'ensemble des politiques publiques de cohésion sociale qui sont mises en place dans les États pour essayer au minimum de faire en sorte que l'Europe parle aux Européens, que les droits sociaux soient visibles en tant que bien-être sur les populations et qu'on s'intéresse en fin de compte à leurs vrais problèmes. Voilà, je passe la parole à Sylvie pour la partie emploi. Merci Aminata. D'abord, vraiment merci pour la qualité des débats de cette matinée qui vont nous être très utiles pour nos travaux. Je vais essayer d'être extrêmement synthétique et courte, parce que je crois que tout le monde veut s'interrompre et aller déjeuner. Alors, il y a deux sujets évidemment fondamentaux dans notre saisine, l'égalité des chances et l'accès au marché du travail. Et deuxième sujet, des conditions de travail équitables. Sur le premier sujet, moi, ce que j'ai bien vu ressortir, c'est le sujet fondamental de l'éducation. Les jeunes, donc la préoccupation que nous devons avoir sur la jeunesse, l'emploi des jeunes, sur fond de démographie commune qui est plutôt une population vieillissante. Le sujet des femmes également, qu'on a abordé, mais qui est pour moi absolument fondamental, notamment le taux d'emploi des femmes et la lutte contre les discriminations qui est quand même continue, y compris en Europe. Et je pense qu'il faut qu'on affirme nos positions sur ces sujets-là. Mais aussi tout le sujet des compétences, celles dont nous aurons besoin dans 10, 20 ans, ça a été longuement dit. Et nous l'avons déjà abordé au travers d'autres saisines, comme les certificats de qualification professionnelle. On a parlé de compétences, de transition, mais aussi, je crois, de réactivité de l'appareil de formation que nous devrons avoir. Parce que ça a été aussi évoqué souvent quand les besoins des entreprises, de l'économie se font sentir. On est trop long dans la réactivité pour former nos salariés. Le deuxième sujet sur les conditions de travail équitables, faire sortir le sujet des travailleurs détachés, sur lequel nous nous sommes aussi penchés dans cette maison, mais aussi le sujet, là aussi, des nouvelles formes de travail due à la transformation économique, numérique, telle que la montée du travail indépendant, quelle protection on va assurer, et le sujet de la portabilité des droits qui l'accompagne. Alors moi, en résumé, je voulais juste dire que notre état d'esprit dans la section travail et emploi que je préside, c'est vraiment un état d'esprit, je pense, d'ouverture. Je crois qu'il ne faut pas partir aussi avec un côté un peu donneur de leçons en pensant qu'en France, on est un petit peu supérieur sur ces nombreux sujets, même si on pose bien le sujet de la convergence ascendante. Il ne peut pas y avoir, je pense, de convergence ascendante sur ce sujet sans régulation, mais je crois qu'il est important aussi d'être curieux de ce qui se passe ailleurs et de ce qui marche peut-être très bien dans d'autres pays de la zone euro. Donc c'est un premier état d'esprit que je voulais souligner. La jeunesse, mais il faut lui donner toute sa parole, et ce n'est pas un hasard si nous avons choisi Emeline Weber comme rapporteure. Moi j'y tenais vraiment parce que c'est leur avenir et je pense qu'il faut les écouter et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur ces sujets. Également la diversité des points de vue, c'est la force de notre institution, parce qu'on a effectivement les syndicats de salariés, les entreprises, mais aussi les associations environnementales. On n'a pas parlé peut-être beaucoup de tout le sujet de l'environnement qui est fondamental. Il y a l'économique, le social, et il y a aussi l'environnemental, mais aussi les agriculteurs, les professions libérales, l'économie sociale et solidaire, tout est représenté, et ça c'est absolument fondamental. Enfin, la pédagogie, ça a été dit, on ne connaît pas assez bien l'Europe, ne serait-ce qu'une question toute simple, quel est le budget consacré à la partie sociale, hein, le budget de l'Europe, enfin, moi personnellement je ne sais pas forcément le dire, l'effectivité des droits, et je dirais pour conclure qu'il faut aussi penser l'Europe dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et ces sujets sont à traiter au niveau mondial. Je m'appuie souvent sur le rapport remarquable de l'OIT sur l'emploi et les questions sociales dans le monde. Je vous invite vraiment à le parcourir parce qu'il est vraiment très important et intéressant. La place du travail, très fondamentalement, c'est un sujet sur lequel nous devons, je pense, réagir au niveau européen. Et pour l'effectivité des droits, peut-être construire aussi des droits ensemble. Pas uniquement coordonnés, mais également, il y a une place pour des systèmes qu'on va mettre en place, qu'on va construire directement au niveau européen. Et j'ai démarré la semaine dans ce même hémicycle avec un événement organisé avec les reporters d'espoir qui s'appelait la France des solutions. Et si j'ai un rêve, c'est de finir avec une Europe des solutions dans le domaine social. Merci beaucoup. Merci Michel Servoz d'avoir accepté notre invitation. Et je vous invite à venir à la tribune. Alors, vous l'avez compris, depuis ce matin, donc, il y a eu beaucoup de débats autour de cette heureuse initiative. Tout le monde l'apprécie. Ici, s'il vous plaît, cette heureuse initiative et beaucoup, donc certains ont même considéré que c'était une initiative de la dernière chance par rapport aux enjeux de l'Union européenne aujourd'hui et de l'ambiance de certains pays membres et après le Brexit, et qu'il fallait absolument donner une crédibilité aux enjeux européens et qu'un socle social européen, un socle de droits sociaux européens était évidemment indispensable. Et donc, par rapport à cette urgence de la situation et de donner des gages auprès des opinions publiques européennes, beaucoup de questions, on ne va pas y revenir, mais quelques doutes sur les objectifs réels qu'il y a derrière. Pourquoi on en parle maintenant, etc. Donc, quelques questions sur les objectifs de la Commission européenne. Donc, quelques exigences, on avait entendu aussi, sur l'exigence en termes de droits formels. Est-ce qu'on va arriver enfin à avoir des droits formels qui parlent réellement aux gens, qui disent concrètement ce dont ils peuvent espérer de l'Europe et qui parlent réellement? Et donc, sur les droits effectifs qui parlent aux Européens, contrairement aux droits formels. Enfin, beaucoup de questions aussi sur la relance du dialogue social, les partenaires sociaux, puisque depuis une quinzaine d'années, vous le savez, c'est en panne. On l'a vu depuis les débuts des années 2000, il n'y a pas eu beaucoup de directives européennes issues de dialogue social interprofessionnel européen. Donc là, par rapport à cette initiative de socle européen des droits sociaux, quelle place pour les partenaires sociaux dans ce cadre-là? Et puis, ça a été beaucoup dit ce matin, donc au sein de l'Union économique et monétaire de la zone euro, donc on a la stabilité budgétaire, la stabilité monétaire, avec un régime de sanctions, avec un certain nombre de points coercitifs ou d'encouragement. Et on a l'impression que la partie sociale, qui devrait être cette deuxième jambe pour avancer, que l'Europe avance sur deux jambes, donc une stabilité sociale, le serait beaucoup moins exigeante en termes de contraintes. Et donc c'est toute la question du caractère contraignant ou de la carotte par rapport à la sanction qui a été évoquée ce matin. Donc par rapport à ces éléments-là, merci encore de votre présence. Et je vous rappelle que si vous le souhaitez, peut-être, c'est dans quelques minutes à la fin de vos interventions, peut-être ouvrir le débat avec la salle si vous avez encore quelques instants. Merci. Merci beaucoup et je vais essayer de faire court pour en effet permettre à tous ceux qui le souhaitent d'intervenir. Peut-être, si vous m'autorisez, je voudrais vous remercier pour cet événement parce que je vois qu'il est organisé conjointement par le Comité économique et social européen et le Comité économique, social et environnemental français, et je trouve que ça c'est vraiment une très bonne initiative. En fait, sur ce socle de droits sociaux, nous avons commencé des consultations depuis le mois de mars cette année et nous sommes allés dans pas mal de pays européens rencontrer les partenaires sociaux, l'ensemble des stakeholders, et franchement c'est extrêmement intéressant. Et si vous permettez, mon point de départ est en fait celui qui a été utilisé par l'avant-dernier intervenant. Madame, je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom, mais je voudrais dire qu'en effet, la raison pour laquelle cet exercice a lieu est la désaffection de la citoyenneté européenne, des citoyens européens par rapport au projet européen. Et si vous me permettez de le dire presque en privé, c'est une idée de Jean-Claude Juncker lui-même. Vous savez que très souvent, les initiatives politiques, législatives sont préparées par des fonctionnaires, par les membres de cabinet. Cette idée est une idée qui lui est entièrement personnelle, qu'il a annoncée dans le discours sur l'état de l'Union en 2015. Et franchement, c'était son analyse qu'on était arrivé à un point où la désaffection entre les citoyens et l'Europe est telle qu'il fallait vraiment rétablir les choses. Rétablir les choses dans un sens positif, c'est-à-dire montrer aussi ce que l'Europe fait en matière sociale. Et là, très honnêtement, la crise économique a eu un impact extrêmement fort, c'est vrai, en matière d'emploi, en matière sociale, mais en même temps, vous le savez, les stabilisateurs automatiques ont fonctionné de façon relativement efficace. Et si vous comparez, par exemple, l'accroissement du chômage aux États-Unis et en Europe, vous voyez qu'il y a quand même, et les amortisseurs sociaux ont quand même fonctionné en Europe. Certes avec des grandes variations, certes de manière non parfaite, mais quand même ils ont fonctionné et c'est ça quand même le modèle social européen. Maintenant, l'idée de Jean-Claude Juncker, c'est de regarder l'avenir. C'est-à-dire son idée, c'est pas d'analyser la situation et de se dire voilà, la crise économique a été terrible, comment fait-on pour revenir à l'âge d'or de Jacques Delors? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'analyser la situation et de préparer l'Europe pour l'avenir. Et comme vous le savez, l'Europe n'a pas vraiment besoin de nouvelles crises. Donc Brexit en est une, la migration et la crise économique. Voilà trois crises majeures qui frappent l'Europe, qui divisent les pays européens et sur lesquelles l'emploi, les conditions sociales sont toujours un des points de divergence, de difficulté, et sur lesquels il faut vraiment réunir dans l'avenir. Et donc l'idée, c'est d'utiliser cet exercice pour créer de la convergence, et je voudrais dire convergence ascendante. Donc il ne s'agit pas d'une spirale qui irait vers le bas, il ne s'agit pas de diminuer, de réduire les conditions sociales, c'est au contraire de créer une nouvelle convergence. Je dis créer une nouvelle convergence parce qu'elle a existé dans le passé. En effet, si vous regardez les élargissements précédents, quand je dis précédents, c'est-à-dire ceux qui ont précédé la vague d'élargissement de 2004, en fait, l'Europe a fonctionné comme un moteur de cohésion, comme un moteur de convergence. Et ce moteur a été, je dirais, cassé par la crise. Et donc le résultat de la crise économique que nous avons connue, c'est en effet plus de divergence. Divergence entre les États membres, donc l'écart grandissant entre certains, mais aussi à l'intérieur des États membres, des inégalités croissantes. Donc ça, c'est le résultat de la crise, qui est un résultat net. Et si je puis me permettre, une des raisons aussi pour l'existence de cet exercice, je dis exercice parce que c'est une consultation et nous n'avons pas encore souhaité déterminer quel est le contenu final. Donc c'est un exercice, une consultation, et nous allons consulter tout le monde sur la manière de transmettre et de traduire cet exercice dans des décisions. Et donc cet exercice, il est aussi pour tirer les conséquences de la crise économique et sociale. C'est une crise extrêmement lourde. Je crois que beaucoup le disent. Il est clair que l'impact a été majeur en termes de chômage et que l'impact n'a pas disparu. Parce qu'en fait, même s'il y a des signes de relance économique, comme vous le savez très bien, en réalité, la relance en termes d'emploi, la relance en termes de conditions sociales n'est pas encore là. Il y a un décalage. Et je dirais même qu'un problème supplémentaire est apparu, c'est que la création d'emplois est très limitée, est très faible. Et ça, c'est une constatation qui est faite dans beaucoup de pays à l'intérieur de l'Union européenne, mais même au-delà de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que notre constatation, c'est qu'en réalité, la crise économique n'est pas une crise traditionnelle. En général, les crises économiques sont suivies d'une période de rebond économique dans laquelle il y a une création d'emplois très forte. Ça n'est pas le cas cette fois-ci, et ça se traduit par les chiffres du chômage qu'on voit en France, par le fait que la croissance du produit intérieur brut reste modérée, sinon faible, et en fait ça se traduit par le fait que les inégalités restent toujours très fortes. Quelles sont les raisons, ou quelle est la raison principale pour cette croissance d'emploi qui est faible? C'est un changement de modèle économique. Il y a, et ça c'est une vérité peut-être qu'on n'a pas suffisamment regardée, ou auquel on n'a pas suffisamment prêté attention, en fait, il y a un changement du modèle économique assez profond, qui se traduit par un certain nombre de choses que vous connaissez, mais sur lesquelles on n'a pas encore une connaissance parfaite. Une des questions, un des phénomènes, c'est la digitalisation. Le fait que beaucoup de secteurs économiques, d'entreprises, sont frappés par une transformation de leur activité et la digitalisation, qui a un impact majeur, il ne faut pas le cacher, en termes d'emploi. Des emplois sont créés et des emplois sont perdus. Je dois dire à cet égard que l'analyse que nous faisons, c'est qu'il y a énormément d'emplois perdus au niveau des qualifications les plus basses. Et les emplois qui sont créés sont en moindre nombre, mais au niveau de qualifications élevées. Et ceci pose un gros problème, un problème de transition. Ça veut dire que des gens avec qualifications basses, qui ont perdu leur emploi lors de la crise économique, ont un problème de transition à gérer vers des qualifications plus hautes. Et l'équipement dont nous disposons en termes de formation professionnelle, d'accès à l'éducation toute la vie, n'est pas toujours parfaitement adapté à gérer ce genre de situation. Donc ça, c'est un des axes principaux de ce changement du modèle économique. Je dirais le deuxième, c'est l'économie collaborative, que l'on voit prospérer à travers toute une série de plateformes. Il y a un lien clair avec l'économie digitale, mais pas seulement. Je dois dire, moi, je suis frappé, et je prends juste un exemple, de voir que, par exemple, dans les salons de coiffure, et je dis simplement c'est un exemple, hein, ce n'est pas quelque chose que je présente de façon scientifique, dans les salons de coiffure maintenant, on voit de plus en plus une variété de situations. Je dirais avant, le modèle, c'était, vous aviez le patron du salon vous avez des employés dans une relation de travail traditionnelle. Aujourd'hui, vous avez très souvent des situations où vous avez en effet le patron, vous avez quelques employés et vous avez un certain nombre de personnes qui sont des freelances, qui sont dans une situation d'auto-entrepreneuriat, qui travaillent dans le même salon. Et ce genre de situations sont des situations qui sont bien gérées sur un plan strictement économique. C'est-à-dire que c'est un complément d'activité pour certains, c'est une manière d'obtenir plus de flexibilité dans la relation de travail pour d'autres. Ça, c'est sur le plan économique. En revanche, sur le plan social, ça pose des questions, notamment en termes d'accès à la protection sociale. Et ce qui nous frappe, et c'est un des résultats très nets de la consultation, c'est cet écart dans la protection sociale, dans la situation des auto-entrepreneurs et dans la situation des employés traditionnels. Dans la situation des gens qui sont dans des emplois précaires, qui vont par exemple d'emploi à court terme à emploi à court terme, et la situation de gens qui sont dans des situations de relations de travail beaucoup plus stables. Il y a un écart de protection sociale qui se traduit en termes de pension, de retraite, qui se traduit en termes de protection pour les dépenses de santé et qui se traduit aussi même pour l'accès aux services publics de l'emploi ou l'accès à la formation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser et sur lequel il faut travailler. Il est important, si ces activités se développent, de veiller à ce qu'il y ait un cadre qui donne une certaine égalité entre ces différentes situations. Un des autres axes qui implique une modification des relations de travail et du modèle économique, c'est franchement le fait que, je dirais, pour mes parents, il y avait un seul travail pour une vie. Pour la génération de mes parents, il était presque normal, quelques exceptions bien sûr, d'avoir un travail pour la durée d'une carrière. Pour ma génération, les choses ont déjà changé, en ce sens qu'il est quasiment normal d'avoir plusieurs travailleurs, plusieurs travaux, plusieurs employeurs pendant une carrière professionnelle. Et ce que je vois pour nos enfants, c'est que la situation est bien différente. C'est que pour eux, ils vont avoir plusieurs carrières différentes, plusieurs emplois vraiment différents les uns des autres durant leur vie professionnelle. Donc la question de leur transition d'une carrière vers l'autre va être un problème fondamental à gérer. De même, si je puis me permettre, traditionnellement, notre conception de la vie professionnelle, c'est d'abord l'éducation, un diplôme, on commence à travailler et après commence un moment à déterminer, le moment de la retraite. Donc c'était vraiment un cycle avec trois phases bien déterminées. Aujourd'hui, très franchement, je dirais que ces phases s'intermélangent en réalité, et notamment les retours vers les périodes de formation deviennent quelque chose qui est absolument régulier. Donc là aussi, c'est une des raisons de la transformation du modèle économique et du monde du travail. Et vous savez que l'OIT a lancé cet exercice, cette étude sur le futur du travail. Alors, je ne sais pas si c'est une provocation. Moi, je dirais qu'il me semble que la question ne se pose pas exactement dans ces termes. Le monde du travail évolue, mais en fait, le monde, je dirais, de la relation de travail traditionnelle est en train de changer. Et on voit l'émergence de nouvelles activités. La question qu'on doit se poser est de savoir dans quelle mesure ces nouvelles activités doivent être encadrées par la réglementation du travail telle qu'on la connaît. Et là, je pense que ça ne peut pas être possible. Il faut regarder dans quelle mesure de nouvelles règles, de nouveaux systèmes, de nouvelles organisations sont plus appropriées pour le type d'activités qui sont en train d'émerger. Alors, je voudrais peut-être maintenant évoquer quelques éléments qui sont le résultat de la consultation en termes de solutions. Et j'ai entendu, à travers les deux rapports qui viennent d'être faits, quelques pistes qui, en fait, rejoignent ce que nous entendons d'autres consultations et d'autres stakeholders dans d'autres pays. Premièrement, la modernisation de la protection sociale. Ça, c'est un point très fort que nous entendons dans beaucoup d'États membres. Il y a un souhait que les systèmes de protection sociale, dont beaucoup disent qu'ils ont été créés sur des périodes très longues, sur des périodes d'accumulation de systèmes différents, d'allocations différentes, soient revus et soient intégrés, de telle façon à mieux répondre aux situations individuelles et aux situations économiques d'aujourd'hui. Et s'ajoute à ce point, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure sur une certaine égalité dans la protection sociale, entre les employés, j'allais dire, traditionnels et ces situations nouvelles. Deuxième point qui a été noté précédemment, la question de la portabilité. À partir du moment où vous avez beaucoup de périodes de transition à gérer, pour des gens qui sont dans des situations d'emploi, mais aussi pour des entrepreneurs, pour des auto-entrepreneurs, il faut absolument aller vers un système qui permette une bonne portabilité, des droits sociaux, mais aussi des droits à l'éducation, des droits à la formation, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense, troisièmement, il faut que nous étudions l'évolution de l'économie collaborative. Je ne crois pas qu'on puisse avoir la prétention aujourd'hui de dire comment réglementer l'économie collaborative. Il faut d'abord prendre le temps d'analyser son évolution et au moment approprié, venir avec une organisation qui permette à ce type d'activité de prospérer. Car je pense très franchement, en termes économiques, je l'ai dit, ce genre d'activités sont très utiles à un moment où la création d'emplois nets est très faible. Elles permettent en effet de développer l'activité économique. Je voudrais dire par ailleurs, et ça c'est un point qui est aussi un point européen, il faut absolument relancer la convergence des systèmes sociaux. Une des raisons pour laquelle le marché intérieur fonctionne de façon chaotique, une des raisons pour laquelle l'Union européenne ne fonctionne pas très bien, est un manque de convergence des systèmes sociaux. Et c'est une des raisons pour laquelle cet exercice du socle des droits sociaux européens a été lancé. Mon dernier point, les compétences. Les compétences sont notre compétitivité. Tous les pays européens ne sont pas en concurrence sur les salaires, sur les conditions sociales. Le véritable point de concurrence, ce sont les qualifications, ce sont les compétences. Et quand on regarde objectivement la situation européenne, on a l'impression qu'on est très bon, on n'est pas si bon que ça. Si vous prenez un exemple, si je puis me permettre, vous avez 70 millions d'Européens. 70, c'est quand même un gros État membre, n'est-ce pas? Presque de la taille de l'Allemagne, plus ou moins la taille française. 70 millions d'Européens n'ont pas les compétences de base. Ça veut dire la capacité de lecture, la capacité de mathématiques de base et les capacités digitales de base. Et vous imaginez que pour ces gens, s'ils perdent leur emploi, c'est un problème majeur. C'est-à-dire sans acquérir de nouveau ces compétences de base, il leur est extrêmement difficile d'acquérir un emploi, de retrouver un emploi. Donc je crois pour nous, Commission européenne, et j'espère que ça rencontre aussi votre avis, l'idée d'améliorer les compétences est un point qui est absolument fondamental. Je le dis aussi parce que les qualifications et les compétences, c'est vraiment quelque chose d'universel. On a peut-être l'impression, comme je le disais, que nous avons des bonnes qualifications, des bonnes compétences, mais il ne faut pas oublier que les qualifications, c'est quelque chose de très global. C'est-à-dire que si vous avez un bon diplôme universitaire, par exemple, c'est quelque chose qui se vend partout. Si vous avez un diplôme universitaire d'une université qui n'a pas les standards internationaux, c'est quelque chose qui est inutile pour trouver un emploi et qui ne se revend pas d'une façon large. Donc vraiment, je voudrais insister sur ce point, et ça sera ma conclusion, pour dire à quel point il est important de travailler sur les compétences. Un mot final, puisque vous m'avez posé la question, de savoir quel sera l'instrument, comment la Commission va transformer cet exercice. Bon, il y a plusieurs choses. D'une part, la Commission a publié ses 20 principes, qui nous semblent être l'état des lieux en matière d'emploi et en matière sociale. Nous voulons mettre à jour ces principes. Il nous semble que ces principes doivent refléter la base de la convergence européenne. Ils sont l'objectif que les États membres doivent atteindre dans le cadre d'une convergence des droits sociaux. C'est une première chose. Mais deuxièmement, nous voulons que ces principes soient traduits dans les faits. Et donc, par exemple, nous sommes en train d'analyser l'acquis qui existe en matière d'emploi et en matière sociale pour voir là où il y a des choses qui manquent, là où il y a des choses qui nécessitent une mise à jour, une modernisation. Et nous ferons, lors des années suivantes, c'est-à-dire en 2017 et en 2018, des propositions sur ce plan-là. Par exemple, un secteur sur lequel je peux déjà vous annoncer que nous travaillons, c'est ce qui concerne la réconciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, qui est un secteur où, en effet, nous pensons qu'il faut absolument avancer. Donc, nous aurons à cœur, comme je l'ai dit, non seulement d'analyser l'acquis existant, de le moderniser et, le cas échéant, de faire des propositions nouvelles si c'est nécessaire. Ça ne se limite pas à ça, car l'instrument législatif, c'est une chose, mais il y a deux autres instruments que je dois mentionner. D'une part, l'instrument du semestre européen. Comme vous le savez, nous faisons des recommandations chaque année, en mai, aux États membres sur leur politique économique et sur leur politique sociale. C'est un instrument qui fonctionne, qui a permis une certaine convergence, et nous voulons renforcer cet instrument, le rendre plus fort, plus contraignant, veiller à ce que les États membres respectent mieux ces recommandations et qu'elles soient beaucoup plus ciblées. Dernier instrument que nous souhaitons utiliser pour mettre en œuvre ce pilier social, c'est évidemment le budget européen. Alors nous avons le Fonds social européen, et simplement pour le dire, il représente 86 milliards, ce qui est quand même pour 7 ans, c'est pas à chaque année, mais c'est quand même une somme extrêmement importante qui est mobilisée au bénéfice des États membres pour soutenir en effet l'action dans le domaine social et dans le domaine de l'emploi. Et donc cette somme, pour nous, doit être mobilisée également pour mettre en œuvre le pilier des droits sociaux. J'arrête là et je suis heureux de vous écouter. Commentaires, questions, remarques. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Donc, je me tourne vers la salle. S'il y a des commentaires, des remarques ou des questions. Oui, je vous en prie, Madame. Bonjour. Oui. Merci pour toutes ces explications. Je voudrais, je me fais un peu de souci parce que par rapport à ce que vous avez évoqué, l'émigration, voilà, la question des migrations et comment c'est... L'Europe en ce moment accueille énormément d'émigrés, plus que jamais. Et je me pose cette question parce que c'est par ma propre expérience. Je suis artiste, peintre et réalisatrice et j'ai fondé une association qui s'appelle LEAD. Et j'ai essayé de revenir vers le pays d'origine en collaborant avec l'ambassade de France, par exemple, trouver des solutions à créer de l'emploi, non seulement pour moi, mais aussi faire une immigration à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la position des citoyens européens qui sont à double culture, il y a énormément d'immigrants. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quel soutien ils pourraient avoir de la part de l'État français, des structures, des institutions, afin de pouvoir partager ou ramener le taux de chômage ailleurs, que ce soit des citoyens européens ou d'origine d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir là-dessus? Merci. Merci. On va prendre quelques questions. Je rappelle moi aussi mon intervention juste avant par rapport au rôle des partenaires sociaux aussi sur lequel nous n'avez pas répondu. Voilà, Christophe devance ma question parce que je n'ai pas entendu du tout le mot de dialogue social dans vos propos. Ce qui me surprend beaucoup par rapport à ce qu'on a dit sur la double présidence Barroso qui a précisément été un moment... malheureusement déstructurant ce dialogue social, donc ce serait bien qu'avec la nouvelle commission on ait une relance de dialogue social. Deuxièmement, sur le semestre européen, ce que vous avez dit est exactement ce qui est dit actuellement par la Commission européenne, mais je ne vois rien de plus et je ne vois pas notamment l'arrivée d'un pilier social dans la gouvernance européenne, si je comprends bien, avoir des recommandations plus ciblées, c'est ce que vous nous dites depuis un an, mais ça ne change rien sur comment on agit sur le social, éventuellement par le biais de ce semestre. Non, ok, merci. Merci. Alors, Claude Varret, moi je suis le président de la Fédération interrégionale pour le développement de l'emploi des seniors. Quand on repart à Lisbonne, on a fixé un taux d'emploi des seniors comme objectif à 50% au 1er janvier 2010. Quand on regarde la situation française aujourd'hui, on est à 47,8. La moyenne européenne est à 53,3. Mais la question est, quel est l'intérêt au niveau Europe de fixer des objectifs si on ne se donne pas les moyens pour les atteindre? Merci. But oui, bonjour. Merci de votre intervention. Et puis, merci à la Commission pour cette initiative. C'est vrai que ça nous change un peu par rapport au mandat précédent. Effectivement, comme vient de dire Paul Fourier, c'est vrai que ça change quand même par rapport à la présidence Barroso. On ne peut que s'en réjouir, puisque je suis membre, personnalité associée au CESE, et je suis ex-secrétaire national de l'UNSA, chargé des questions européennes. Oui, alors je voulais vous demander, parce qu'effectivement, au niveau des instruments, par rapport à ce socle social, ou socle des droits sociaux, vous dites l'instrument du semestre européen. Alors, c'est vrai que j'ai du mal, là, à comprendre. Dans la mesure où le semestre européen, pour le moment, les indicateurs, qui sont donc contraignants, portent uniquement sur les questions économiques et budgétaires. Et il y a 3 indicateurs qui ont été ajoutés dernièrement, qui sont, eux, simplement consultatifs. Ils sont là, dans mon propos, je dirais presque, ils sont là pour faire beau. Voilà. Parce qu'il faut parler franc quand il y a des moments. Donc, comment cet instrument du semestre européen peut servir à écrire une nouvelle page sur l'Europe sociale? Par avance, je vous remercie de votre réponse. Bonjour, je suis Denis Foucret, je participe au dialogue social européen sectoriel dans le spectacle vivant. Nous avons eu une conférence à Bruxelles il n'y a pas si longtemps avec la Fédération internationale, enfin européenne des journalistes, et la Euromail, la FIA, la Fédération internationale des acteurs dont je suis vice-président, et la Fédération internationale des musiciens sur la problématique des emplois atypiques au niveau européen et de la façon dont ces emplois sont bien souvent traités. Et cette question, elle est en rapport direct avec ce que vous avez soulevé sur un certain nombre d'emplois qui ne relèvent pas du salariat, tel que le connaît en France, mais aussi de ce qu'on appelle les employés dans d'autres pays. Il y a des statuts de travailleurs indépendants en Europe qui sont extrêmement proches en termes de protection sociale de ce que nous connaissons ici ou dans d'autres pays sous le terme d'employés, avec des accords collectifs, avec des syndicats qui les représentent. Nous, ici, nous connaissons effectivement cette notion d'auto-entrepreneur qui, bien souvent, cache des faux travailleurs indépendants et cache un véritable lien de subordination. Et notre problème, et je suis heureux de pouvoir vous l'exposer ici, et à vous, qui êtes directeur général de la Direction générale emploi de la Commission européenne, c'est que trop souvent, on considère ces travailleurs, qui sont des travailleurs, comme des entreprises, et ils subissent les règles de la concurrence européenne dans leur propre pays, et on remet en cause leurs droits. C'est aussi une façon de remettre en cause la protection sociale. Donc j'aurais aimé avoir un retour sur cette question. Il y a besoin d'une véritable cohérence au niveau de la Commission entre ce qui relève effectivement du lien de subordination et des travailleurs au sens de l'OIT, de la définition de l'OIT, et les entreprises qui sont autre chose. Merci. Une dernière question, et puis parce que déjà beaucoup de monde sort déjeuner, donc on va conclure rapidement. Merci. Séverine Serre, Fédération des juristes de France, et je suis moi-même consultante. Merci, monsieur, d'être là, oui, et d'être présent et de représenter la commission et de représenter l'esprit des pères fondateurs qui avaient déjà prévu l'Europe sociale. Et c'est vrai que beaucoup d'États membres ont oublié les traités qu'ils ont signés. Et donc, merci d'être là, effectivement, pour le rappeler. J'ai posé une question tout à l'heure qui rejoignait un peu la question de l'évolution des statuts des personnes qui travaillent. Alors, je réponds en passant, l'auto-entrepreneur est couvert socialement, hein, à la différence du bénévolat qui a été, comment dirais-je, abordé pendant les tables rondes. Le bénévolat, nous avons un développement très important du bénévolat, de personnes qui sont en transition professionnelle, qui font du bénévolat pour rester en activité et qui, en réalité, ne sont plus couvertes du coup notamment pour la retraite ou pour, effectivement, même au bout d'un certain temps, je veux dire, au niveau de la protection sociale, correctement, par rapport, je veux dire, alors qu'elles sont en activité en réalité. Et elles ne sont même pas payées. Donc il y a vraiment des choses assez graves qui se développent. Et moi, pour ce qui me concerne, j'ai aussi beaucoup étudié le cas des problèmes d'employabilité des juristes et des autres personnes diplômées. Merci de poser la question. Oui, et c'est donc une question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, bah donc merci de raccourcir. Et donc, bah, pourriez-vous nous éclairer sur les solutions par rapport au bénévolat, les solutions de garantie qui pourraient être mises en place au niveau européen pour garantir une protection sociale minimale, une couverture aussi au niveau de la retraite et la reconnaissance des compétences développées, vous parliez de compétences, effectivement, dans le cadre du bénévolat. Et, comment dirais-je, donc, n'est-il pas temps pour garantir également l'employabilité des personnes diplômées en Europe, parce que Bologne est achevée. Oui, merci de raccourcir. N'est pas effectif. On a compris. N'est pas effectif. Donc, ne serait-il pas temps, à votre avis, de développer des outils, en tout cas une harmonisation au niveau européen, qui incite les États membres, et même en Europe et au-delà, à mettre en place une nouvelle assiette pour financer la protection sociale. D'accord, on a compris, voilà. Je pense. Et donc, hein. Merci. La taxe merci sur les beaucoup. Transactions financières. Merci, merci. Vous l'avez déjà dit ce matin. Merci. Une dernière question très rapide parce que, voilà, c'est des vraies questions qu'on demande et non pas des témoignages. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Comment impulser ou inverser le mot austérité tout en ayant le socle social. Ça veut dire que, pour moi, il est important de renverser la situation d'austérité par rapport au dialogue social et au social qu'on veut bien instaurer. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, c'est à vous, le flot de questions très large. Écoutez, beaucoup de questions. Faites au mieux, merci. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toutes les questions qui viennent d'être posées, mais je prends aussi à bord donc, vos contributions sur les différents points. Je vais essayer de répondre sur certains points de façon très brève. Tout d'abord, sur le domaine artistique et la situation des auto-entrepreneurs. Pour être très clair, en effet, il y a des gens qui sont dans une fausse situation d'auto-entrepreneur. Et là, la Cour de justice a une jurisprudence qui est très claire, qui définit 3 critères, je ne vais pas la développer ici, mais si ces critères ne sont pas appliqués, c'est clairement un problème des juridictions nationales. Et je dois dire que nous avons en effet remarqué que dans la manière dont les États membres, les 28, appliquent la jurisprudence de la Cour, il y a du flottement. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on règle cette question. Mais pour nous, c'est très clair que ces situations d'abus sont des situations qui sont anormales et qui ne sont illégales en réalité au regard de la jurisprudence de la Cour. Maintenant, il y a des situations, je dirais, admises, voulues, d'auto-entrepreneuriat, et pour celles-là, qui existent d'ailleurs dans le domaine artistique, dans d'autres domaines, j'ai cité les salons de coiffure, c'est juste un exemple, pas nécessairement le meilleur, je dois dire que pour ce genre de situation, il faut qu'on évolue vers une situation qui garantisse une protection sociale qui est l'équivalent de celle d'un employé dans une relation de travail traditionnelle. Je pense que ça, c'est absolument capital. Deuxièmement, sur le semestre européen. Le semestre européen fonctionne. Et je ne suis pas d'accord quand vous dites que les 3 indicateurs sociaux qui ont été ajoutés, c'est simplement pour la galerie. C'est beaucoup plus que ça. Et très franchement, ça a été une grande discussion avec mes collègues qui sont responsables justement des questions budgétaires pour arriver à installer ces indicateurs. Et notre sentiment, c'est qu'il faut aller plus loin. C'est que le pilier des droits sociaux doit aussi avoir un espèce d'instrument qui permette de mesurer comment les États membres performent du point de vue de leur politique sociale et du point de vue de leur politique de l'emploi. C'est ça qui permettra de faire des comparaisons, de faire ce qu'on appelle en anglais des peer review et de faire avancer la convergence. Parce qu'à la fin du jour, et là je suis d'accord sur le point qui a été fait, sur les objectifs. Fixer un objectif par exemple en disant le taux d'emploi doit être de 85% en 2025, c'est très artificiel. Et chaque fois que l'Union européenne l'a fait, on s'est quand même un petit peu, je dirais, planté. Bon, excusez-moi pour le langage, mais si vous prenez un exemple, en 2010, les chefs d'État ont décidé qu'en 2020, il y aurait 20 millions de personnes en moins en situation de pauvreté. En réalité, si on regarde la situation aujourd'hui, d'abord pendant la crise, au lieu de descendre, le nombre de personnes en pauvreté a augmenté, mais je dirais aujourd'hui, on n'a toujours fait aucun progrès sur cet objectif. Donc il est clair qu'on ne va pas l'atteindre en 2020. Donc je pense que ce genre d'objectif, il faut être très très prudent. Et je pense qu'un exercice du type convergence, c'est-à-dire se comparer les uns et les autres, essayer d'appuyer la convergence sur le long terme, ça fonctionne beaucoup mieux qu'un exercice où on fixe des cibles qui sont artificielles. Sur les partenaires sociaux, je vous prie d'excuser mon erreur, j'ai oublié les partenaires sociaux, mais je dirais que parlant dans cette enceinte, il me semblait par définition que je m'adressais aux partenaires sociaux. Je ne les ai pas oubliés. En effet, ils sont plus que partie prenante. En fait, Jean-Claude Juncker a demandé à ce qu'ils aient un rôle prédominant pour la conclusion de l'exercice du socle des droits sociaux. Et donc, nous travaillons avec eux. En fait, cet après-midi, je rentre à Bruxelles et à 4 h, j'ai une audition avec les partenaires sociaux au niveau européen, justement pour discuter du socle des droits sociaux. Et donc, ils seront très importants dans l'écriture finale des principes et aussi dans la discussion sur les droits individuels, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la modernisation du système législatif européen et même sur le système du semestre européen où nous les impliquons de façon, je dirais, très, très approfondie. Et ça, c'est une des choses que Jean-Claude Juncker a vraiment voulu dès le début de son mandat. Vous avez sans doute suivi la conférence qu'il a organisée à Bruxelles en mars 2015 pour relancer le dialogue le dialogue social au niveau européen. Voilà, j'arrête là parce que je sais que vous avez un déjeuner qui vous attend et c'est très important. Et je vous remercie infiniment pour votre invitation. Eh bien, merci infiniment de votre participation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et merci à tous les participants qui ont pu, jusqu'à cette heure tardive de début d'après-midi, sont restés quand même dans l'hémicycle. Et donc, bon retour et bon appétit à vous tous. Au revoir.